l'entrée, des Genji Malga avec Rich en devant, Reset en deuxième, je pense. Non, Kyosha, Kyosha. Reset à droite. Attends, non, c'est TST, ah, ouais, Reset et enfin Sake. Les joueurs de Genji eSports, favoris bien sûr de cette finale, ils ont invaincu, ils sont invaincus encore dans cette compétition, ainsi que depuis 3 mois. Ce sont des machines, ce sont probablement les meilleurs joueurs de la planète à leur rôle respectif TR. Mais on a vu qu'ils pouvaient être inquiétés, Poil qui est en train de monter d'un niveau aussi, hein. On peut commencer à le comparer à ces grandes stars. Hein. Parce que justement, Rich et Reset, parlons-en, mais c'est quand même les deux petits prodiges hein, du carry range à l'heure actuelle. C'est Reset qui est monstrueux, Rich, on n'en parle jamais assez. Et de l'autre côté, on a quand même Snitch et Poil, justement, qui n'ont pas forcément la meilleure, fait la meilleure entrée dans le tournoi, mais maintenant, qui commencent à monter en puissance. Oui, clairement, ils sont montés en puissance, hein, les Dignitas. Mais comme d'habitude, c'est tranquille, mais le diesel Dignitas, il faut monter tranquillement, mais sûrement. Et on voit Kyosha ici, là, le flex mêlée. Depuis qu'il y a eu ce role swap, Genji, depuis que Kyosha est repassé flex mêlée, Genji, ah, on voit hein, quand même Rich. C'est une finale, il faut décompresser, il faut rester dans sa bulle. Très, c'est pas n'importe quel match. Hein. Tout peut se passer. Rich le disait lui-même. Rich l'a dit. Hein. Ouais, Rich l'a dit. Dignitas, attention. C'est le plus dur en fait. Ouais. Dis que c'est pour eux, c'est le plus dur. Parce que forcément, Tempest, tu as l'habitude de les jouer. Hein. C'est comme ton, dans le même pays. Hein. C'est le même pays. Hein. C'est comme si tu affrontais deux équipes françaises. Enfin, ils se connaissent. Mmh, et là, là, c'est le sommet de l'Europe contre le sommet coréen. Certes, hein, tu as déjà gagné auparavant. Ça fait toujours peur, ça fait toujours très peur, surtout ce qu'ils ont après ce qu'ils ont proposé contre Tempest, hein, ce Stitches Medivh par exemple qui a été exceptionnel. Clairement. On s'y attendait pas du tout et ça a très 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 bien marché. Mais ils ont tous gardé des trucs, hein. Ils ont tous gardé des trucs de toute façon. Levez les baguettes, Dignitas avec un français, on va voir Poilk le suédois, Snitch le britannique, Zelia danois si je ne m'abuse, Zelia derrière. On aura Wubi, l'autre suédois de cette équipe. Et enfin, pour terminer, le français JPL, le français de cette équipe. Dignitas a la dernière marche de pouvoir peut-être gagner ce championnat du monde. Ils avaient perdu en finale contre Fnatic l'année dernière. Mais ils sont chauds. Genji les craint évidemment. Ils peuvent le faire. Et ils seront menés bien sûr par JPL, notre français. Ah, c'est... On sent la tension hein, sur cette finale, on sent la tension évidemment. Côté Genji, on était très très concentré. Maintenant... Bon, là, il galère un peu avec ses écouteurs. Mais... C'est pas bon signe, Malga. Non, non, pas du tout. Le mec, c'est qu'il voit des signes partout. Oh, le siège est légèrement décalé, non mais... Mais c'est important, côté Dignitas. Wubi. On est dans sa bulle. Oh là là, un petit sourire de Wubi. Hein. Mais c'est très dur de... Quand t'es comme ça aussi, que t'es... Chacun a sa manière de décompresser. Il y en a, ils restent vraiment ultra concentrés. D'autres qui doivent rigoler. Je sais qu'il y en a qui rigolent énormément pour essayer de se voilà, de se déstresser. Tu sais quoi, j'ai vraiment l'impression que c'est Genji qui a la pression. Quand je regarde les digs, ils sont relax. Ouais, ils sont assez relax. C'est vrai. Ils ont rien à perdre. Vrai. Ils sont là justement pour casser justement les Genji. Hein, vraiment casser cette série de victoires des Genji. Alors que Genji, ils avaient l'air quand même un peu plus. Faut pas qu'on se déconcentre, ça va être chaud. Ouais, clairement. Et là, on les voit, ils sont vraiment relax. Wubi qui lâche un petit sourire quand même. Hein, ouais, après ça, Wubi, je suis. Tu vois le sourire, enfin il est toujours assez nerveux quand même Wubi. Tu vois le sourire c'est peut-être un peu une façade hein. Mais les autres ouais, l'autre t'as vu Zaelia qui dit ouais genre, coucou maman, non pas du tout. Réussir à casser justement la série de victoires de Genji, mais je vois quand même Genji gagnant. Eh bien, en tout cas, on verra. Volskaya, c'est parti cette finale des mondiaux. Genji eSports qui, bien sûr, a une game d'avance puisqu'ils ont remporté la finale du Winner Bracket, on le rappelle. Donc, première game sur la fonderie de Volskaya. Genji qui banne instantanément le Genji. Intéressant, Genji de virer sur Volskaya. On craint quand même hein, le Genji de Snitch qui arrive à toujours trouver des espaces alors qu'il y en a peu sur cette carte. Tracer d'enlever côté Dig. Et maintenant, Malfurion de ban par les Genji eSports. Double pick pour les Dignitas.
Sachant que c'est vrai que je pense vraiment que la première va être importante pour le pronostic. Si Dignitas prend la première, Dignitas peut y croire. Si Genji prend la première, après, ça va être dur. Ça va être très très dur. Ça va être dur. Non, en fait, je pense que la première game, c'est surtout que la première game affectera plus Genji que Dignitas. Parce qu'en fait, oui. Dignitas, même s'ils perdent, ça change. Ouais. Voilà, ils sont déjà dans ce. Ils savent très bien que Genji est très très fort. Par contre, Genji, s'ils perdent la première, ça fait un énorme choc. Ah, oui, alors que s'ils perdent la deuxième. Ils se disent, c'est pas grave, on est déjà très bien. Ok, ils ont pris une map, mais c'est pas grave, on est quand même largement favori. Alors que s'ils perdent la première, tu te dis, qu'est-ce qui se passe quoi. Si je devais faire des pronostics, ce serait. De cœur, on va dire. Ah, 4-2 oui, bon, pour Dig. 4-2 pour Dig. Ah, je parle de la game, elle est déjà présente, hein, donc ce sera un 3 en 4-1 en gros. Ah oui, d'accord. Mais 4-2 oui. Du coup. Sinon. J'ai peur d'un 4-0 résident, c'est chi. Moi, pas 4-0. Je vois pas le 4-0. Le dernier BO, Dignitas, c'était vraiment à deux doigts d'arracher des maps. Bien sûr. Et en plus, ils étaient moins clean que contre Tempest. Contre Tempest, ils ont eu un jeu irréprochable. Ce qui est bien, c'est qu'en pronostic, moi je fais les pronostics draft plutôt. Pas les pronostics de. Je suis naze là-dessus. Du coup, Hanzo et Jaina de récupérer les Genji. Côté Dignitas, Blaze Johanna de nouveau. Grosse volonté de récupérer la encore une fois. Alors, Blaze et la Johanna hein, que les Coréens ont beaucoup utilisé. On enlève, hein, on prend les deux carries. Au final, c'est généralement tu vois le deuxième ban, Jaina, ça apparaît très souvent à l'heure actuelle. Et là, Genji qui fait le choix de la récupérer plutôt que de l'enlever des mains de Dignitas. Alors, du coup, pas la meurtre. Déjà, Dignitas, c'est pas forcément obligé de ban hammer ou quoi que ce soit. Là, il n'y aura pas de hammer. T'es sûr? Oui, certain. D'accord. Peut-être pas sur la certains première. Certain parce plus, que. Hein. C'est encore plus important en double mêlée. Et puis t'as Malfurion de toute façon. Tu vois une hammer en triple range, je pense pas, toi. Ça, c'est vraiment à l'encontre du héros. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais du côté de Dignitas, le ban va être important. Non, tu as raison, c'est vrai qu'il y aura pas d'hammer sur celle-là. Ils vont peut-être la garder pour plus tard. Surtout qu'ils disaient qu'ils avaient des trucs encore en poche, hein, les joueurs de Genji. Ouais, mais ils disent beaucoup de choses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils disent oui. Très souvent ils disent yes. Mais j'aimerais bien un 4-3 quand même hein, pour aller jusqu'au bout. On a eu les dernières finales, c'était du 4-3, c'était superbe. Je pense à l'Eastern Clash, je pense au MSB l'année dernière, le Western Clash, les 4-3 en BO7, c'est juste formidable, c'est juste exceptionnel. Et du coup Léoric qui va être ban côté Dignitas. Côté Genji Sport, Chromie. Ban Chromie, double pick pour les Dignitas. On t'inquiète un peu poil mine de rien. On a la Jaina, on a la Chromie, il reste Liming, mais bon. Liming sur Vraskia, c'est pas forcément le meilleur mage. On va voir maintenant. Ce qui est bien, c'est la Tracer. Moi, j'adore le ban Tracer hein, de Dig. C'est... La Tracer de Rich fait très peur. Très clairement. Peur. Elle est forte. Hein. Elle est très forte. Il arrive à trouver des espaces, mais des trous de souris où il arrive à plaquer. Ça, parce que c'est plaqué. Tu vois, il plaque l'avant. Il met à terre le joueur. Et en attendant, des cartes. Kenny Liming, poil qui a été exceptionnel sur ouais. Liming. Ouais, c'est son meilleur mage. Hein. Ah, Fnatic s'en souvient. Enfin, pardon, non, les Tempo si. Storm s'en souviennent. Et Fnatic aussi. Fnatic aussi. Mais oui, c'est sûr que c'était contre Tempo Storm. Hein. Au Western Clash, hein, le combo magnifique de poil qui avec l'orbe. Enfin, l'orbe. La Wave of Force hein, niveau 20 qui ramène justement le carry adverse. Et il le combo en même temps. Enfin, c'était impressionnant. En tout cas, on va voir les deux derniers picks de Genji. Sachant que sur Volskaya, il y a encore beaucoup de choses de disponibles. Le tank de Genji va être intéressant, pas de Johanna. Zeratul open, attention. C'est une map un peu à Zeratul Volskaya. Ouais. Et Kyosha est très bon sur Zeratul aussi. Le problème, c'est que t'as pas de solo laner. Enfin, c'est un solo laner moyen. Après, hein, t'as Jainanzo. Ouais, non, Sonia, du coup, qui va te récupérer. Ouais. Garrosh. Garrosh, malgré. Alors là. C'est peut-être le point faible, on va dire. Ouais. De Genji. Saliming. Du coup, un Falstad, peut-être. Snitch a été exceptionnel. Hein. D'ailleurs, Snitch, je tiens à faire une petite phrase sur Snitch, mais. On le redisait hier, Snitch qui il y a 2 ans était peut-être considéré avec Bakery comme le point faible de Dignitas. Il travaille mais d'arrache-pied, il travaille depuis 2 ans, il a tellement haussé son niveau de jeu. Je me rappelle la BlizzCon de l'année dernière où on l'avait senti mais transformé grâce à son bootcamp en Corée. Depuis il ne fait que monter en puissance, il n'arrête pas. Mais et voilà, voilà Falstad, je suis meilleur dans ces pronostics là. Mais il joue mais tellement solo queue, on le voit énormément. Et... c'est un bosseur, c'est un énorme bosseur Snitch et là ça me fait vraiment plaisir de le voir aussi performant. Là contre Tempest, il a été l'homme du BO pour moi. Ouais bah deux fois MVP, son medivh a été exceptionnel alors qu'au début de tournoi. En fait c'est ça qui est marrant avec Snitch, c'est que son début de tournoi était pas forcément fou, mais là il est en train de monter en puissance. Alors que Poil qui était déjà bon, tu vois, il devient exceptionnel aussi. Mais Snitch ça fait bah, ça grimpe d'un coup.
L'image de sa carrière, j'ai envie de dire, tu sais, c'est... il a vraiment... Bon, après, au début, il avait commencé fort, parce qu'il a plutôt fait ça, en fait. Voilà, comme ça. Mais parce que... Ou alors, il a plutôt stagné, on va dire. Il a pas non plus régressé, il a stagné. Ouais, c'est un joueur très solide, hein. Très solide. Il est là depuis très longtemps. Hein. Si on veut parler de solidité, on peut parler de Wubi aussi. Alors Wubi, lui, c'est l'homme... Il a été l'homme du BO, peut-être, Snitch. Mais l'homme de la compétition pour Dignitas, pour le moment, c'est Wubi. Wubi, je pense, c'est vraiment le joueur le plus solide. En Europe, il déçoit rarement. Hein. C'est très très rare qu'il fasse de grosses erreurs. Il faut vraiment aller fort. Faut y aller fort pour le punir en plus. Clairement. On l'a vu. Hein. Il faut ramener toute la team pour le punir. Ça, ils ont mis tout le monde. La première s'est passée. Après, ils ont un petit peu lâché le lest, mais seulement deux mecs sur lui, ça suffit plus. C'est toute la team qu'il lui faut. Fnatic pareil, avait fait la même chose, mais ça crée des espaces aux autres en fait. Hein. C'est un truc. On pourrait se dire des fois, Wubi il meurt et tout. Mais Wubi, quand tu forces des trucs sur lui, ça crée des espaces pour les autres. Et du coup, si tu focuses sur Wubi, ça veut dire que Poil qu'il est libre. Est-ce que t'as envie que Poil qu'il soit libre? Pas forcément. Pareil pour Snitch. Donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant. En tout cas, 1-0 bien entendu, même s'il y a 0-0 en confrontation directe, c'est 1-0 parce que bah, Genji est toujours invaincu et c'est normal qu'ils prennent une game d'avance puisqu'ils ont gagné le winner. Et en plus, avec la manière, hein, 3-0 contre Tempest. Donc, on va voir, mais moi j'y crois quand même pour Dignitas. Je soutiens Dignitas. Le support à côté Dignitas. Ah ouais, mais tout le monde est pour Dignitas. On l'a vu dans les votes, hein, dans le chat. Enfin, c'est, pas en Corée, mais. On l'a vu dans les votes, dans le chat. 65% pour Dignitas, alors qu'il y a 35% pour Genji. Alors qu'on sait très bien que Genji est favori dans ce match. Bien sûr. Tout le monde supporte Dignitas. En même temps, c'est en Suède en plus et de en ça. Et en Suède, on est en Europe, donc forcément pour les Dignitas. Je pense même que s'il y avait eu Genji Tempest en finale, le public aurait été pour Tempest. Mais du coup, c'est vrai que Dignitas, il y a deux Suédois en plus. Il y a deux Suédois TR dans cette finale. Donc forcément, le public est acquis pour Dignitas. Et puis c'est Europe-Corée. Donc t'as pas on a ce sentiment pro-U, bien entendu. En tout cas, on est parti. Finale. Ça y est, qui commence entre Genji Esports et les joueurs de Dignitas? C'est du côté du champion du monde en titre, les Coréens, et de champions de Corée en titre, Saké sur Malphion, Rich sur Hanzo, Rizet sur Jaina, Kyosha sur Sonya, et enfin TST que l'on retrouvera sur le Garrosh. Et du côté des Dignitas, on aura le français JPL sur Johanna, Wubi sur Blaze, Zaelia sur Descartes Kane, Poilk sur Lemming, et Snitch qui jouera Falstad. Sachant le body block du coup qui va s'effectuer par les Dignitas, on en a parlé, on l'a vu un petit peu utilisé par les Dignitas. Souvent par eux, ouais, très souvent par Dignitas. Donc encore une fois, ça sert justement à ralentir la vague de minions pour que la confrontation de la première vague se trouve plus proche du wall de Dignitas. Ah, que ce soit plus dur à dépêcher pour Genji, avoir l'initiative sur les voilà, rotations. On voit la différence, hein, ça se joue à 1 mètre. Voilà, et du coup, d'avance. Ils peuvent pas trop s'avancer, les joueurs de Genji, tout simplement. Et t'as Johanna, donc t'as envie de prendre exactement l'avantage des rotations. C'est ça, tu veux jouer le wave clear, t'as pas forcément envie de fight. Du coup, bah c'est parfait pour Dignitas. Alors, Wubi est sur la top lane, Snitch sur la back lane. Alors, c'est vrai que Sonya est embêtante pour. Attention, voilà, on prend pas de risque, Rich. Il s'est dit. Snitch, pardon. Parce que Rich aussi, mais. Il est partout. Ici. Et du coup, Rich, hein, sur Hanzo. Avec ses 1000 flèches, bien entendu. Après, TST va avoir une game dure, hein, avec son Garrosh, mine de rien, ne l'oublions pas. Mais il est quand même contre Falstad, Lemming. Pas forcément très simple, hein, de prendre la position. On le disait, Garrosh, dans de la méta dive, c'est très fort. Dans de la méta poke mash burst, on va dire, c'est très compliqué pour Garrosh. Donc il va falloir trouver les timings, il va falloir trouver les bonnes agressions. Donc, côté Dignitas. Et ouais, c'est bien, hein, ce petit role swap quand même de Dignitas, de mettre justement le Blaze sur la top lane pour éviter la Sonya, parce que Sonya a quand même un bon match-up contre Blaze. Et Falstad aussi, il y a le global, hein, le côté global qui la porte sur la bot lane. Il peut simplement rejoindre sa team le camp de soins, par exemple, là où on pourrait potentiellement avoir une fight. Et Blaze a un peu le rôle du Xul, hein, double rota là, top mid, enfin il est top à la base, mais il peut vite venir mid. Attention Wubi, bien joué, le chemin de fuite, le slot sur route de Saké est très bon. Wubi qui est pas bien. Ah, on essaye de mettre le burst, la potion, il va pouvoir s'en sortir. Et attention, contre-attaque peut-être. Oh, il y a le planking de Kyosha. On l'a oublié, Kyosha, qui nous vient de la bot lane. Kyosha, ouais, personne coup, l'a vu. Snitch qui doit essayer de push très rapidement pour essayer de faire perdre de l'XP à cette Sonya. On a vu Zaelia qui a essayé de route la Sonya pour justement ralentir la rotation. Mais du coup elle ne perdra même pas d'XP. Sonya qui est déjà bot. Après elle en a peut-être perdu un. Non, pas. Il venait juste de wave clear le Snitch. Très bonne décale de Kyocha, hein. très bonne. C'est tellement un bon joueur Kyocha, on le rappelle, hein, parce que pour tous ceux qui pensent Rich côté Genji, même Rizet, hein, je sais que toi t'adores Rizet et c'est vrai, c'est un très bon joueur Rizet qui est souvent oublié dans l'ombre de. Oh, le niveau 4. Oh, super. On en parle souvent, il a alors, jamais attends. Été pris, je crois.
Niveau 4 ah, mais Danzo. C'est bien sur cette carte. Sur le premier objectif, c'est très fort. Hein. Bah, ça augmente, ouais, puisque t'es dans les vagues de sbires. Après, indirectement, faut pas oublier, ça a été nerf hein, avec la range de Hanzo quand elle avait été nerf. Alors, c'est le one shot des sbires. Ouais, hein. C'est ça. Et même les catapultes. Ça augmente de 2 ta range d'auto-attaque. Ouais. C'est un talent qu'on a vu, qu'on a jamais vu quasiment. Je crois tout que, au début, je crois que peut-être. Je l'ai jamais vu. En tout cas, moi, j'ai en hérolique peut-être, tu vois, mais c'est tout. Et c'est vrai que depuis le nerf de la flèche explosive, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? C'est un très bon wave clear, attention JPL. Oh les dégâts, il a pris un mille flèches. Il prend très très cher là-dessus, le pauvre Jay. Zaylia va le remonter. Et au passage, pour le petit rappel, hein, Kyosha, voilà, pour les grandes performances, Genji est invaincu. Et ils avaient dominé même l'Eastern Clash depuis qu'en fait bah, il a laissé Sake passer sup et Kyosha passer flex melee. Pour vous dire à quel point ça a très bien fonctionné ce role swap. Kyosha a toujours été probablement le joueur le plus flexible du monde, il a tout joué ce mec, il a tout joué. Il jouait, avant il jouait flex distance, on considérait qu'il avait la meilleure tracer du monde, il est passé mêlée. On considère qu'il a dû... Enfin, il égale Wubi presque sur plein de trucs. Attention, le Goïn, c'est bien joué. Richie Gossel, superbe de la part de Jay, c'est même lui qui va sécuriser le kill. Il empêche le saut de Rich et derrière le combo Liming qui passe, on sait bien ça, c'est très très bien pour la confiance. C'est excellent même, est-ce que c'est Rich en plus de ça? Et sur Rich le qui est pas un héros, un héros. Okay. Rich qui n'est pas un joueur qui meurt très souvent, hein, qui est très très dur à punir. Et là bah, c'est important juste pour le mental. Ah mais c'est important en plus parce que là sur l'objectif bah du coup ils sont en 4v5, ouais. c'est... Il récupère un... C'est ça. Le contrôle de l'objectif. Il y a la tourelle en plus qui vient de... Ah non, il a pas... non c'est pardon, c'est celle qu'ils avaient avant parce qu'il venait de là donc je me suis dit qu'il avait fait la tourelle. Il y a une tourelle partout pour l'instant. Oh, Jaina qui veut faire le camp. Ils vont faire le camp. Donc il y aura deux tourelles côté de Genji. Mmh. Est-ce que Dignitas va trade? Pour le moment non. Après Falsa doit faire toute seule. Ouais si Falsa doit faire toute seule. Ça va être très long. Hein. Après il a pas... le boomerang. Il a le boomerang. Je sais pas s'ils ont le temps de la récupérer Malga. Parce que il y a beaucoup de pression sur l'objectif. Les missiles superbes sur Sakié de Poilk. Attention Poilk quand même très approché. Ça va, on reste sur la position. Bien joué le mille flèches d'esquivé par Poilk. La tourelle, attention le contest, on y est là. Ok ça va aller, on prend la tourelle. Par contre, 76%, on a encore un peu de temps du côté de Dignitas. Ça va passer, on va pouvoir rejouer hein, cette phase d'objectif. Il y a une tourelle en moins Jay. Aussi pour... Jay, attention, Wubi, les routes, Wubi. Et on va re-engage, c'est bien ça, Sonia qui tombe et Testy. Le burst, qui est mis, Place qui tombe certes, mais ça devrait tomber 2 pour 1 pour les Dignitas. Attention Zaelia, le combo Rizet qui est pas bien, Rizet il manque rien. Oui, 3 kills pour les Européens. On l'a dit, cette game elle va être super importante. Dignitas, par contre, qui a claqué ses deux tourelles, mais qui devrait avoir le premier Triglav. Très bien joué de la part des Dig. C'est ça l'intérêt, c'est ça. Wubi certes, il meurt, mais il a offert tellement, il crée des espaces à son équipe, il a ce jeu passif et il fallait y aller, il y a été. Il a tanké. Ça y est, GG. Il Dignitas, champion du monde. Non, Dignitas, quel premier trigger. Et ça, c'est bon. Alors, ça, c'est très bon. Voilà, pour calmer un peu Malgania. Non faut pas oublier que Genji a déjà perdu l'early contre pas mal d'équipes. Dont Dignitas. Mais ils sont extrêmement forts en late game. Ouais. Et pour l'instant, c'est très 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 bon début pour Dignitas. C'est ça. Et Rich l'avait dit lui-même, attention la bourrasque elle est belle sur Kyosha, super de la part de Stitch. Et derrière le bunker, ah il va passer à travers. Il va passer à travers, mais pendant ce temps Johanna avec le trigla va tuer Rich et son Hanzo. Rich qu'on trouvait juste avant la game, je sais pas si t'as vu, il soufflait et tout, il avait l'air très très tendu. Et superbe du coup Jay avec son trigla qui prend le kill. Ouais, on a tenté d'aller plus loin. Oh c'est dommage, c'était bien joué. Alors pourquoi le body block n'a pas marché sur le bunker? C'est tout simplement le E, la trompe de Sonia qui fait qu'il n'est pas body bloquable. Et du coup il est passé à travers le bunker, mais c'est très bien joué. Attention par contre Zaelia qui va bien. Le bouclier sacré de Jay pour zoner la Jaina, c'est super. Si on reset, on pourrait re-engage peut-être TST. Ah elle incense, superbe, c'est propre. Et Jay fait une super game hein Jay. Deux niveaux d'avance, il y a deux niveaux d'avance pour les Dignitas. Attention c'est pas terminé, n'oublions pas Rich. Je me t'en perds. Attends mais t'as raison, Rich peut-être qu'il a de la pression. Oui beaucoup, et Rich disait aussi Rich disait justement que Tempest, ils les avaient battus mécaniquement, ils étaient meilleurs individuellement. Et Dignitas, là où ils avaient été, ils attendaient les erreurs, ils forçaient les erreurs de Dignitas et ensuite ils les punissaient. C'est le schéma de jeu de Genji. Mais après, Rich qui a l'air quand même un petit peu sous pression. Mais c'est bien ça pour Dignitas, c'est très en très même bien temps, pour lui. On lui met beaucoup de pression. Hein, c'est... Ah oui, hein. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Ouais. Et comme dit Snitch, hein, Snitch veut le tuer. Poilk qui lui a dit on arrive pour vous. Il faut la game. Du côté de Dignitas dans ce BO, elle est hyper importante. Parce que ça serait la première game
mais mettre fin à 37 wins d'affilée derrière. Attention, bouclier sacré! Jay encore à l'origine! Mais il est partout, notre français! Il est parfait, Jay, ici! Attention, reset, la gueule! Attention, la flèche superbe de Rich! Le bunker pour lui permettre de se passer! Et pendant ce temps, Jay et le bunker! Ils vont tuer! Rich qui s'en sort! C'est ça qu'on veut, les gars! Dignitas qui prend 2 kills! Et Jay, pour le moment, ingérable! Il est le roi de la montagne ici, c'est lui le patron! Qui indique là on le chope et c'est moi qui t'attrape mon gars, l'onde de chaque superbe de Poilk. Superbe de la part d'Initas. Et là Snitch qui tente, il a les balls. Il prend la flèche pourtant parfaite, tonneau, barrel roll in pour prendre le bunker et se mettre safe, superbe de la part de Dignitas. Superbe, on est toujours deux niveaux d'avance alors qu'on a le niveau 10 du côté des Jay-Z. C'est pas fini. Je suis obligé de me tempérer, c'est pas fini. Alors il faut savoir que Malga tremble à l'heure actuelle. Calme-toi. Non, mec, il se parle tout seul. Calme-toi. Mais en vrai, c'est peut-être la game pour le moment la plus... Parce que même la finale winner où Dignitas était devant, on voyait que Genji était là, trop chaud. Non, mais... Là... Non, mais là c'est... Là, il y a de la place, hein. Là, c'est être devant, justement, en punissant les Genji. Parfois, tu vois des teams qui sont devant parce qu'ils ont un meilleur early game, hein, tout simplement, avec leur composition. Mais là, c'est Dignitas qui est en train de punir les Genji pour l'instant. Rich qui se fait. Jay. Oh là là, mais. Jay, ouais, il met une pression. Et Jay, mais pour le moment. De dingue. Ouais. Là, tiens, en plus, voir une Joanna en action, souvent les Joanna font des bons trucs et tout. Mais là, il a une présence. Tu sais, c'est le roi de la montagne de War 3, quoi. Il est là, bon. il te bloque tout. Tout à l'heure, il a cancel Rich et tout. Enfin, vraiment, très très chaud. Non, très, et le, très, très le draft chaud. Aussi, hein, des digues intéressants. Ils sont sur des très bons héros. Et en plus de ça, il y a Jaina qui a été forcée, mine de rien, chez Genji. On n'a pas beaucoup vu de Jaina de la part de Genji. Ouais. Et ça, c'est peut-être un signe aussi. Hein. C'est peut-être un signe. On commence peut-être à trouver des drafts intéressants contre Genji. Il faut sortir un peu de la pique. Il arrive pas à la state. Il est au fond. Il est au fond, il n'y arrive pas. Donc... Non mais franchement, final winner, je la sentais pas comme ça. Tu vois. Là, on est vraiment, vraiment bien du côté d'Ig. Ah, faut rester concentré. C'est ce que disait Poilk. C'est ce que disait Poilk la dernière fois aussi, c'est que ils avaient pas été aussi propres, mais là même Snitch il tente des choses. Parce que le problème dans ce genre de game, c'est que tu peux dire oui, il faut être safe, mais si t'es safe, tu laisses l'adversaire jouer. Il faut réussir à prendre des actions. Bouclier sacré raté. Oui. Ouais, ah, tu arrêtes. Non mais genre, je l'ai pas vu. Non mais moi je l'ai pas vu. Non, mais... En attendant, il est sous pression. non pas. Non, pas non, vraiment, non, ils sont très bien. Ouais, c'est sont... allé dans ce qu'on dit. Il faut tester, il faut tenter des trucs aussi. Tu peux pas te jouer juste propre, ça suffit pas. Il faut être propre, oui. Mais tenter des trucs, sinon t'es juste spectateur. Regarde, c'est bien ce qu'ils font. On invade, on va voler la tour. La tour qui est importante. Après, hein, perd le pack de soins. Ouais, mais ils en ont un. Ils en ont un aussi. C'est vrai. Donc, deux, c'est pas forcément fou, tu vois, d'en avoir deux. Un, c'est excellent. Mais les tourelles aussi sont très intéressantes hein, sur, ouais. Sur l'objectif qui peut zoner justement la frontline, le tank qui peut pas tanker toutes les tours. Et Garrosh pour l'instant, hein, bon après c'est le début, hein, c'est encore le début de niveau 10. Mais Garrosh qui a encore un peu de mal à s'exprimer. On le disait hein, qu'il allait ouais, beaucoup souffrir dans cette partie. C'est très très dur Garrosh dans cette game. En attendant, il a raté son spell. Non mec, le niveau 16 qui arrive pour Dignitas. Et ça c'est bon, on va jouer le Triglav quand on aura le 16, bien entendu. C'est du classique, le 16 qui va tomber, c'est Falstad qui va le prendre. Le T1 qui récupère et bot, voilà le 16 qui tombe. Jouvent sacré. Oh intéressant, on a les dégâts supplémentaires pour Zaelia. Et derrière le bunker qui a été mis. Sorti peut-être un petit peu tôt, mais il a le niveau 1, donc il devrait le récupérer très très vite. Vaut mieux limite là sur ce genre de phase. Ça permet d'être tranquille, de prendre la position. Allez, faut. Oh, reset. Oh, Wubi, oh la purée qui a été mise. Le petit mur qui a bloqué Wubi. Attention parce qu'il a pas de bunker du coup, Wubi. La bourrasque est mise. Le bouclier sacré qui a touché de Jay. Aïe aïe aïe, Blaze qui tombe. Et derrière, attention, reset. Reset pendant ce temps, Garrosh qui tombe. 1 pour 1. Superbe slip de Zaelia. Superbe Sonia qui tombe. 2 pour 1. Poilk qui a détruit la frontline. Hein. Ouais. Poilk qui l'a. Atomiser Garrosh, la frontline. Hein. Garrosh, ouais. Sonia, vulnérable. Et Wubi qui a zoné, qui a fait un effort de zoner très très haut. Ouais, il avait pas le bunker et du coup ça lui a coûté cher. Ouais, ouais. Mais heureusement, justement, que Poilk et Snitch ont détruit aussi de leur côté la frontline. En fait, il a zoné. Il a énormément zoné. C'est mais je pense qu'il a surpris l'adversaire parce que les autres se sont dit il fera rien, il a pas le bunker. Et du coup, t'as ce mind game. Et c'est limite dommage. Bah, après, il y avait la purif de toute façon. Mais oh, attention, par contre, oh non, le superbe route de Sake. Je pense qu'ils étaient cachés derrière le petit muret. Ils étaient cachés derrière le petit muret, je pense aussi. C'est très bien joué. Et très bon route de Sake, ça suit très vite. Ah, c'est une Jaina. C'est une Jaina. Ah, du coup. Ah, bah ça va, après on a l'objectif quand même. Ouais, côté Dignitas. On peut temporiser. Après, un on peu. A un mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'objectif? Est-ce qu'on temporise 30 secondes le temps que Liming revienne? Terre ou. Ouais, c'est un peu. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que tu pushes les waves, tu essaies de gratter le wall mid un petit peu. De toute façon, à 5, c'est
c'est peut-être pas encore la meilleure objectif pour être à 5. Après ils peuvent poke un peu comme un Cho'Gall, ouais, derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, voilà, on désactive le T1 en plus. Ça appartient à la troisième objectif, donc ça devient très très fort en teamfight. Gros du berserker pour Kyoshar. On va reculer. Ouais, ça y est, là on va commencer à spiker. Poil qui va revenir. On va retomber ce T1. Après, il prend beaucoup de dégâts, le Triglav quand même. Il prend beaucoup de dégâts, c'est pas mal ce niveau 4. Oh, pop là dans la mêlée, 4 et pour sauver Kyoshar. Le stun de Wubi était très bon. L'élément qui va être mis, mais le T1 tombe. Après, le Triglav a pris quand même beaucoup de dégâts. Excellent. Et on a Nice Block du côté de Reset maintenant. Très bien, très bonne analyse de Dig, hein, qui sait que le Triglav est quand même plus fort. Même s'ils sont 4, ils gagnent quand même cette teamfight. Alors, en attendant, le Wolf Triglav va tomber. Il désactive quand même les tours avant de partir. Snitch, pas de attention, ouais, on prend pas de risque. Hein. Là, ils savent. Non, mais il a raison, il a une gust. Hein. Il a une gust, lui. Si lui, il est pas dans le stun, il peut sauver son équipe. C'est ça. Alors que si il est stun, toute son équipe va y passer. Non, mais c'est, en plus, c'est t'as pas faut pas prendre de risque, une flèche là, ils étaient tous collés, à mon avis. Non, mais de toute façon, quand ils te regardent mal là, ça veut dire qu'ils veulent. Ils te regardent avec violence, non mais. Avec cet air grimaceux là, il faut reculer. T'es bien, on prend pas de. Parce qu'il faut prendre des risques, mais bien les calculer. Pour le moment, Dignitas arrive à faire la part des deux, on va dire, entre prise de risque et jeu safe, jeu propre. TST, on veut y aller. Le combo. Oh, c'est Rask, il y a le parchemin non, qui va. Non, c'est too much. On a voulu temporiser le heal, ouais. Le camp de heal et pouvoir jouer la fight, mais au final. Peut-être essayer de le voler, mais non. On ne joue pas. En même temps, ils ont le 16, c'est pas forcément la meilleure des idées. En tous les cas, c'est pas si grave. C'est après, pas ils reviennent si en XP quand même. Oui, clairement. Le kill sur Poil qui a fait mal, attention. Oh, le taunt, il est taunt. Il aura pas le temps de bunker. Aïe, ils sont bons, on le dit. C'est jamais fini face à Gen.G eSport. Toujours de l'avance pour Dignitas, mais un nouveau kill. Ça fait mal. Flèche qui a fait mal à Poilk. Ah, c'est pas mal ça. Ah. Reset qui va être. Oh, les dégâts supplémentaires avec Xaelia au 16. Après, faut pas oublier que plus tu montes de niveau, moins t'as d'écart d'XP. Enfin, ah, je veux dire. Oui, bien sûr. XP est plus grande. Ce qui fait que si t'avais un level ennemi d'avance, par exemple au niveau 10, c'est pas pareil au niveau 18. Non mais ça Gen.G aussi sont très forts, hein. Ils arrivent à... Mais les deux équipes, hein, Wubi exceptionnel aussi là-dessus, ils arrivent à lire le jeu adverse. Et du coup il y a aussi cette bataille navale, enfin c'est une sorte de bataille navale, c'est que tu t'anticipes les mouvements adverses et tu essayes de les surprendre. Même le caméraman hein, se fait surprendre, ouais. Parce que justement on a l'impression que c'est une période morte. Creuse, ouais. Ouais c'est ça, et en fait bam, non, il y a un trap. Qui se réalise exactement. Et toujours coup, un niveau d'avance pour Dignitas, hein. Malgré tout, Poil qui tente, ça passera pas. Là on faut le 20, il y aura le 20 pour les digs, c'est sûr, pour la prochaine objectif. Alors est-ce que Gen.G aura le 20 je sais pas. Alors, avant la fin de l'objectif c'est sûr, ils ont encore au début ça je ne sais pas. Là Dignitas doit avoir un jeu passif maintenant, sauf s'ils veulent surprendre justement parce que l'adversaire se dit qu'il y aura un jeu passif. Mais sinon voilà. Après il y a quand même deux packs de soins. Et au passage il a fini le Marksman Falstad, donc il fera très mal, par contre attention il faut reculer. Du côté de Snitch, il y a le C, la bourrasque qui va être mise, c'est bien du côté de Snitch. On l'avait senti, très bon renfort aussi de Dignitas. J'ai eu un peu peur quand même. Niveau 20. Donc ouais voilà, là Dignitas va voir le niveau 20 pour cet objectif. Gen.G devrait pouvoir soak, tu vois, le 20 avant la fin de l'objectif. Ça va être chaud quand même pour le Gen.G, je pense. Donc là, avantage Dignitas, ouais, encore Mega. Avantage Dignitas. Ça y est, le vent est là, indestructible. T'as le rachat, pas nombre de chocs amélioré. Il préfère les dégâts, t'as le rachat, il a besoin de burst supplémentaire. Bunker amélioré, les potions de soins sur cette carte. Je trouve ça vraiment. Ouais, monture épique pour Snitch. Potentiellement l'escape, mais également le try de. Et oui, et le try de global. Et pour pouvoir mettre un place avec une éventuelle bourrasque, comme tu le disais. Oh, les dégâts sur Kyoshar. Et oui, Snitch, maintenant il fait très mal. Hein. Tueur de géant, il a les marksman, le boomerang. Alors on va éloigner, Poil qui prend de gros dégâts. Après, le Q-spell fait très mal. Hein. Ils ont pas le 20, du coup on va jouer. Oh, y'a Wubi qui arrive! Wubi qui arrive! Flank. Ouais, c'est pas mal ce niveau 4 qui va bloquer TST! Ah. Le stun Kemi, il a pas claqué l'incensi! TST qui prend très cher le bouclier Kemi, bouclier sacré pendant ce temps de Jay! La bourrasque seulement sur TST! Faut reculer, la flash est superbe, attention! Zalia qui est pas bien! Oh, le super stun qui a été mis, Zalia, ça tient, Kyoshaki du coup s'expose! Oh là là, oh de chaque là. Côté on se sauve! Mais c'était 20 contre 19! Et Steamfight est à l'initiative de Dignitas. J'ai eu très peur de chaque côté. Oh, mais on a les nerfs aussi des Gen.G. On a beau pas être 20, vous allez voir. Non, mais ça, vous allez voir ça, ce qu'on peut vous mettre dans les dents. Ça, c'est la spécialité coréenne. Hein. Tu penses que t'as un niveau d'avance, mais du coup, tu penses qu'on va pas jouer. Après, non. Après là à ce moment-là, pile poil à ce moment-là, la wave of force améliorée aurait pu être excellente sur Garrosh. La bourrasque était pas terrible de Snitch par contre. Ouais, en fait, il a voulu ralentir un petit peu. En fait, le mur, faut savoir que la bourrasque contre le mur peut bloquer le mec, un peu le stun contre le mur. Il l'a en fait déporté. Il y a une glissade, on va dire. Il voulait le mettre contre le mur, mais c'est. C'était pas évident. En tout cas, les Gen.G, du coup, grâce à cette fight, ont temporisé énormément de temps avec ce niveau 20. Du
du coup ils vont pouvoir jouer peut-être l'objectif. Il y a 3 packs de huiles encore. Non, ils ont dû en utiliser dans la fight. Ils en ont utilisé un dans la fight, je suis sûr. Ouais, donc, mais il y a beaucoup plus d'objets, il me semble, côté. Ouais, voilà, on a qu'une tourelle côté d'Initas. Ça, c'est. Là, c'est dur. Là, parce que là, il y a beaucoup d'objets côté Genji. Puis au niveau 20, oh, le Blink, il a pas pris l'élémentaire amélioré. Il a eu peur peut-être d'un gros go-in reset. C'est ce qui peut se comprendre, mais pas d'élémentaire amélioré. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il peut peut-être punir quelqu'un aussi. Ouais, aussi pour in. On a le play of the game du côté de Rich. Tranquille amélioré, ça c'est très fort. On leur laisse le début. Double saut. Oh, false start. 14, oh, c'était bien joué. C'est bien tenté. C'était bien tenté par Snitch. Il sera pas puni. Il a tenté d'attraper Rich. C'était une bonne initiative de la part de Snitch. Faut qu'il les tente celle-là. Faut qu'il les tente. C'est là où on voit le 20. Là, ouais. C'est le 20 justement qui a essayé de surprendre Rich. Rich qui a eu le temps de sauter pile poil. Très gros réflexe. Très gros réflexe. Attention l'élémentaire justement pour créer la disengage. Attention Rizet qui se fait bloquer. Le bouclier sacré. Il a blink out. La flèche esquive est super par Stitch. La lance qui touche. Le pack de soins qui est claqué. TST qui va bien. TST il esquive les missiles. La tranquille améliorée. Oh TST qui s'en sort. Attention à la sortie. Pack de soins utilisé par les Genji. Ça c'est bien. Alors là, il y a 91% hein, l'objectif pour Edith. Sur le slip pour l'objectif. Oh, c'était bien tenté par Zelia. Attention, attention, attention le bourre. Oh le temps, la mêlée qui sauve Rich qui était pas bien. Poilk. Attention, on n'est pas bien du côté de Wubi. Le taunt qui est mis sur Wubi. Wubi. Et il va mourir Wubi. Kyosha qui tient lui. 5v4 à jouer pour Genji. C'était Zelia qui avait fait un très bon call. Mais les Genji l'ont senti. Et on va repartir du côté de Dignitas. On va lâcher le triglave. On va lâcher. Ça push top. Hein. Ça push top. Falstad. Ouais. Snitch t'as pas eu la fly pour aller chercher la fontaine? Probablement pour aller top. Ah, pour faire le camp rapidement. Il veut pas perdre de temps, il veut vraiment optimiser le temps. Mais c'est dur, hein. Là c'est très très dur. C'était les Dignitas qui avaient pris un très très bon trade. Qui pouvaient peut-être essayer de rejouer un peu l'objectif. Mais on sent que les Dig ils veulent pas fight dans l'objectif. Hein. On sent que les Dig ils veulent vraiment essayer de fight sur un terrain large là où Hanzo peut pas forcément s'exprimer. Oh TST aussi, hein. Qui sauve Kyosha complètement. Kyosha qui a joué sa TST qui prend très cher. Le route qui est mis, on pourra pas faire plus. L'insensible de claquer par TST. C'est important ça, ça met de la pression. L'objectif côté Genji, et ça, elle fait très mal. Hein. Elle fait très très mal celle-là, c'est le troisième point. Après ça push top. Ça ouais, mais attention, parce que là sur un kill c'est corps. Ouais, bien sûr, hein. Sur là, un kill ça peut aller très vite. C'est clair. Maintenant, du côté de Dignitas, on va mettre un peu de pression. Attention hein, à ce route aussi hein, du Triglave. Il désactive pas le T2, hein. Il le garde pour éventuellement prendre un kill. Le 13 de décart. Oh, le route sur Snitch. J'ai la bourrasse pour. C'est bien, c'est la bourrasse pour faire un max de dégâts sur le Triglave pendant ce temps. Il y a toujours le 13 de décart hein, qui proc. Le T2 qui va tomber, on va devoir se repositionner. Et ils vont aller sur le corps avec ce Triglave. Attention, attention, un éventuel kill. Kyosha, la flèche qui a été mise. Bouclier, le Duromal qui a été claqué, le bunker. Qui est utilisé, Falstad qui va repartir. Oh, il a voulu esquiver. Il a voulu esquiver avec sa monture. Attention quand même, il back du coup. Falstad. Le corps qui a plus de shield, Balka. Plus de bouclier. On va go in. Il a activé. Il a utilisé. Activé. Ah, pendant ce temps, le kill sur Solaire, c'est bien ça. Les resets. L'ice block qui a été mis. Le Triglave qui prend très très cher. Le Triglave qui prend très très cher. Il reste Jaina à poil qui tente de prendre le kill derrière sur Rich. Sonia qui était tombé. Jaina est là. Oh, le slip annulé. Non, non, le slip cancel. Oh, aïe aïe aïe, la fin du Triglave. Et du coup, oh, 2-0 dommage. Pour Genji Sport. Et oui, on l'a dit, il faut jamais, 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 jamais prendre vendre la peau de Misha avant de l'avoir tué. Genji, oh, c'est dur. Tant que le corps est là, eh bien, ils peuvent revenir. Le slip, quoi, qui n'est pas passé parce qu'il y a le bum du Triglave. Il a voulu casser tellement vite parce que Jaina pouvait mettre burst sur le corps. Il fallait slip à Jaina en sortie, one shot à Jaina. Oh, ça, c'est pas joué à grand chose, encore une fois. Les Genji, hein, ils tiennent à chaque fois. Hein. Même s'ils perdent leur league game, c'est ce qu'on disait. Hein. Ils arrivent toujours à tenir et revenir. Ah, du coup, première carte remportée par Genji, mais 2-0 puisqu'on a une map d'avance pour Genji. Faut pas que les digs se... De toute façon, les digs, je pense qu'ils sont toujours... C'est toujours bien. C'est... Ah, c'est clair. Même la partie, hein, c'était pas loin. Enfin, une fois de plus, ça se déroule plutôt bien. Il manque un truc. À chaque fois, il manque un petit truc, mais s'ils trouvent ce petit truc, Malga, c'est... Ils pourraient remporter pas mal de... Pas mal de... Pas loin. Et là on voit le premier objectif qui avait été gagné par Dignitas. Alors, on n'avait pas parlé, mais c'est vrai que le build de Sonia était un peu, build un peu plus tanky avec sa trombe. Ouais, il s'en est bien servi, hein. Il prenait extrêmement cher, mais c'est peut-être justement ce qui a fait la différence. Ce qui a permis vraiment de zoner un peu plus cette backlane. Et Wubi là qui trade extrêmement bien. Il force Wubi tellement de choses et là, sur il continue, il tape STC parce qu'il sait que ça va être chaud aussi, s'il met pas les dégâts. Ouais, il force beaucoup de choses sur lui. Là le teamfight aussi top était très bien. Voilà, le mur c'est horrible ça. Quand tu joues Blaze c'est horrible. Et glissade de TC c'est pareil. Là il le chope avec le 4 pour pouvoir lui mettre le stun. De toute façon il y a la purive de Sake. Hein. On le rappelle, il y avait la purive de Sake. Il a même la claquer en pensant que ça va arriver. Au cas où. Mais Wubi veut le stun.
Et surtout qu'il a plus de bunker. Regardez bien, il a plus de bunker. Il a claqué avant, du coup il s'avance un peu. Et il va y aller, il claque tout de suite le passif, il va forcer. Tranquille, qui est mise pendant ce temps. Il y a la flèche, mais il y a eu la bourrasse pour isoler Rich. Et on va go in sur TST, on va tout lui mettre avec le 13. Fait très mal, hein, le 13 de magique de Descartes Kane. Très équilibré, en tout cas on est parti. On est parti entre les joueurs de Gen.G Esports et de Dignitas. First pick au Dignitas, c'est le choix de carte de Gen.G Esports. Et les digues. Alors Hanzo va être très contesté aussi je pense. Je verrais bien ban peut-être Hanzo même. Parce que côté digue, on voit que Poilk n'arrive pas à sublimer ce pick Hanzo. Il faut le laisser sur des mages Poilk, peut-être une Jaina d'ailleurs. Le problème en fait ça dépend le pick order. Là t'as le first pick mais t'as pas envie de first pick Tracer non plus. Alors. À moins que tu first pick Tassadar, tiens, par exemple. Parce que là, je vois très mal Tracer fonctionner sans Tassadar, sur cette map. C'est pas du tout une map à Tracer sans Tassadar. Puisque t'as pas. C'est une map très axée teamfight. Genji de ban malgré tout. Paquets. C'est aussi pour ça que normalement, Genji. Même les Genji eSports le disaient eux-mêmes. Après, ils arrivent à sublimer ces picks, mais ils disaient eux-mêmes lors des interviews de l'Eastern Clash. Et on a la méta, bon, Trace, même si ça a changé, Tracer Genji reste toujours très intéressant, même s'ils ont été partiellement nerf. Disait que justement, les maps comme Volskaya, bah. Ouh, Maiev de ban. On respecte la Maiev de Snitch du côté Genji. Rich qui a beaucoup de respect pour Snitch. Hein. Parce que même s'ils se sont taunt en interview et tout, c'est justement parce qu'ils s'entendent très très bien. Snitch disait encore il y a pas longtemps qu'il était super content quand ils avaient gagné le mondial parce que bah, c'était un de ses meilleurs amis maintenant. Malfurion first pick. Fion first pas pick étonnant. Pas étonnant. Il reste Tassadar, il reste Tracer. Est-ce qu'ils veulent récupérer ça dans les first picks, sachant que c'est des monstres dessus. C'est pas la meilleure map. C'est pas la meilleure map pour non plus Tracer, mais ils sont tellement forts avec. Ouais, mais par, je contre, Hanzo, Hanzo, moi. Par contre, Hanzo, c'est très fort sur cette carte. Je pense qu'Hanzo est beaucoup plus fort. Et, ouais. Ouais. Et les flèches, hein. Les flèches de Rich. Même s'il a eu un early difficile. Tu fais quoi, Hanzo Blaze, Hanzo Garrosh, Hanzo Johanna? Ou Johanna? C'est vrai, ça peut être pas mal aussi. Johanna, Hanzo, moi, je verrais plus. S'ils veulent pas jouer Tracer. Après, il y a Tracer possible côté Digg, donc peut-être un Garrosh quand même. Garrosh, Hanzo peut-être. Ouais, mais c'est Inferno Shrines. Ouais, je sais, mais ils se respectent mutuellement, tu vois. Ouais, non, Léoric. Mais Garrosh, du coup, de récupérer malgré le. Enfin, voilà, pick Tracer. Et du coup, Léoric sorti très tôt. Ouais, Léoric, c'est très surprenant quand même. Hein. On l'a pas. C'est ce qu'on disait un petit peu sur la Final Winner, on le voyait très très peu, Léoric. Il avait sublimé, je dirais, Blaze sur la fin des saisons. À cause du Maltel, tu en parlais aussi. Maltel n'est plus là. Léoric. Du coup, est moins joué. Et là, sur cette fin de mid-season brawl, eh bien, on le revoit, Léoric. Du coup, pas d'Hanzo pour les Gen.G. J'avoue que. Après, il a galéré un peu en fait, sur Hanzo. Non, mais il bon. Y a des contres. Il y a des contres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le pick trop rapidement, ça peut être aussi dangereux. On a vu Rich sur Hanzo la dernière game. Il n'était pas serein. Je te le dis. Hein, l'early game, il a passé une très mauvaise game. Donc tu vois, ça se comprend aussi. Peut-être qu'ils veulent attendre avant de récupérer le carry, être sûr, tu vois, de s'adapter un peu plus qu'habituellement. Habituellement, c'est eux qui forcent les choses. Ouais. Là, après, ils s'adaptent un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Blaze, on sait qu'il est open. Donc Wubi, ça va plutôt être sur du DAK Blaze. Hanzo possible, mais je vois pas Dig trop... Ouais, du coup, Sonya, c'est mieux. Jaina, je préfère Jaina pour Poilk. Et Sonya, du coup, pour Wubi, qui est pas un pick sur lequel on le voit beaucoup. Il l'a joué quand même, mais... Après, c'est une très bonne map pour Sonya. Ah, bien sûr, bien sûr. De toute façon, cette map, on l'a dit, hein, c'est la map des mêlées. C'est un peu la map des mêlées à l'heure actuelle, parce que t'as Blaze qui est très fort dessus, DIK, ça peut être intéressant. Sonya a très fort dessus, Léoric aussi. Ah, voilà, Johanna, on en parlait, hein, qui a beaucoup d'importance sur cette meilleure map. Surtout qu'ils en veulent, ils en veulent pas, ils ont déjà Garrosh. Ouais, et voilà. En plus et de Léoric. Ça, il y a une Jaina en face. Mais Jaina a été récupérée rapidement, côté d'Initas. Et j'aime bien ça, parce que contre Sonya, c'est très fort, Jaina. Du coup, tu la deny, t'es pas obligé de la ban. Côté Dignitas, maintenant le ban. Alors, est-ce qu'on va ban Hanzo justement, côté Dig, sur ce deuxième? Attention à une éventuelle. Hammer. Oui. Hammer oui, sur Sanctuaire, les MVP si Black aiment bien. Si tu ban Hanzo, t'as Hammer qui open. En plus, t'as Jaina, on sait que Jaina c'est pas le meilleur carry contre Hammer. On l'a vu durant tout le tournoi d'ailleurs, hein. Très souvent c'était contre Jaina.
Alors Hammer ou pas Hammer? Parce que ça pourrait être une bonne map à Hammer. Hein. Ah, il jouait beaucoup. Hein. Tu te rappelles quand j'ai montré le comparatif Hammer, c'était sur quoi? C'était sur Sanctuaire. Ouais, mais bon, Manta Sadar, ouais, ça se comprend aussi. C'est l'ancien. Parce que ça peut aussi être Tracer derrière. Ouais, ça peut être Tracer. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a Taz Tracer, il y a Hammer et il y avait Anzo. Voilà, on le voit. Alors le win rate, je suis pas sûr, mais bon, ça reste un bon indicateur. Donc là, s'il n'y a pas Anzo maintenant, ça pourrait être Hammer. Mais l'avantage de Dignitas, c'est qu'ils peuvent jouer Steel Cheese. Ouais, ils peuvent jouer. C'est pour ça que le temps très t'avais fort. Ils ont reculé, hein. Ils ont beaucoup reculé les pics de tank côté Dignitas. Là, ils ont le first pick Malfurion. Donc forcément, il n'y a plus de place pour le tank. Très souvent, derrière, tu vas prendre soit Johanna à la place de Jaina. Mais à l'heure actuelle, Jaina a l'air extrêmement forte. Du coup, tu la récupères très tôt. Et après, ils l'ont senti aussi, je pense, côté Genji. Parce que c'est deux tanks qui ont une incensi. Puisque Leoric, avec sa marche fantôme, marche spectrale, pardon, il a justement cette incensi. Et Garrosh a l'incensi au 4. Donc Stitches peut avoir un petit peu moins d'impact sur les front lanes côté Dignitas. Surtout que c'est une très bonne map à Stitches pour jouer les shrines aussi, pour jouer les squelettes. Côté Genji, le Hanzo, on en parlait. Hanzo récupéré. Et Stukov de récup. Je m'attendais à Karazim, tu vois, côté Sake, il l'a beaucoup transcendé. Mais Stukov sur cette carte, c'est quand même bien meilleur. Ouais, de toute façon, il y aura certainement pas d'Hammer à cause de ce Hanzo Stukov. Après, tu pourrais mettre reset sur Hanzo, mais vu que t'as Stukov, c'est pas non plus le meilleur support avec Hammer. C'est plus de l'offensif, ouais. Hein, tu essaies de choper quelqu'un, moins de peeling de ce côté-là. Alors là, quel tank va récupérer Dignitas? Ça, c'est la clé. Hein, parce que Dignitas, JPL a quand même un rôle très important chez Dignitas, parce qu'il joue des tanks. Il peut jouer tellement de tanks en fait. Il y a les tanks classiques qu'on voit tout le temps, hein, Garrosh, Muradin, mais JPL il peut aussi sortir par exemple du variant, on l'a vu. Et surtout Stitches. Stitches qui est une arme incroyable. Voilà. Stitches, oh oui! On l'avait dit, Stitches. Oui. C'est bien ça! C'est bien! Ah j'adore! Ah j'adore! Ah, puis Medivh pour Jaina. Parce que là t'as une super. Enfin, t'as Malfurion Medivh. Avec Sonya c'est génial, il peut y aller, il peut rentrer dedans. Et même Jaina qui a un problème de mobilité. Malfurion on l'a vu avec le silence. J'aime beaucoup ce Medivh. J'aime beaucoup ce Medivh. C'est ce qui avait permis à Dignitas de revenir contre Tempest. Hein. C'est ce qui avait permis à Dignitas de revenir contre Dig. Ah, c'est excellent. Surtout que Stukov est très sensible au dive, hein, au portail de Medivh. Alors attention, on peut avoir le bras de Stukov qui peut faire extrêmement mal aussi, hein, en sortie de portail. Le silence aussi Stukov sur les sorties de portail. Mais d'un autre côté, Medivh peut aller chercher ce Stukov. Il peut aussi shield justement quelqu'un qui se fait attraper par Stukov. Hein. Là c'est excellent. Et en plus c'est une très bonne arme contre Garrosh. Hein. Medivh, faut pas l'oublier. Ça fait quelques temps déjà, mais Medivh reste l'un des meilleurs héros contre Garrosh. Hein. Ah, disons que Garrosh a quand même des arguments contre Stitches, mais Stitches veut fight en reculant un peu. Medivh. Ah oui, pardon, Medivh. Oui, c'est sûr. Chacal, ouais. Ah, Chacal. Je me disais aussi, les équipes coréennes, Chacal. Et, alors, on pouvait pas trop s'y attendre parce que Chacal, on l'a très peu vu sur Smith Season Brawl, mais Chacal, les équipes coréennes, sur l'Instant Clash, on en parlait encore. Ils arrêtaient pas de le jouer. Et Rizet, il a un excellent Chacal. D'ailleurs. Et même en Europe, Chacal qui est très très fort. Ouais. C'était un outil, une réponse à Medivh. Et là, ils ont pas oublié. Hein. Ils ont pas oublié Rizet qui s'est fait target toute la saison des HGC. Ah, oui. Et là, il le récupère contre Medivh. Ça fait peur. Ça, c'est un des meilleurs contres de Medivh. C'est Chacal. Clairement, c'est très très fort. Le pneumastique aussi, hein, qui peut ajouter du burst pour suivre un petit peu. Parce que là, tu peux avoir flèche. En plus, le wombo combo. Alors, souvent, on le voyait avec Maiev ce pic. Mais tu pouvais voir du pneumastique into flèche. C'est flèche d'Anzo. Ça suit avec un autre stun ou un taunt. Et la pneumastique, t'as une explosion de saveur. Attention à ça. Et là, en plus, c'est dangereux, cette capacité de récupérer l'escalade. Là, ce qui est le plus dangereux, c'est les mines de Junkrat. Bien sûr. En sortie de portail. Ou ouais. Comme ça. Là, en fait, le pic Junkrat bloque complètement les portails in de Snitch. Hein, ce qu'il nous avait fait justement contre Tempest. Là, il pourra pas le faire. Parce que là, attention à la mine de Junkrat. Elle pourrait casser complètement ce côté-là. C'est le rôle de Malphite un peu à l'ancienne, on va dire. Par contre, d'un côté, Stitches en main tank là peut être un excellent argument contre ça, puisqu'il est très tanky, il a la build, il y a les shields de Medivh qui l'aident. Donc voilà, faut vraiment gérer ses bumps côté Genji. Mais très bien draft encore, hein, les Genji, hein, impressionnant. Ouais, mais Noblesse, hein. Noblesse, hein, le coach de Genji qui est. En plus, c'est une pièce qu'ils ont pas beaucoup utilisé. J'étais très surpris. Tu te rappelles, au début du tournoi, on était en mode. Et même tout à l'heure sur l'All-Star, quand on avait vu chacun, on disait chacun, on le voit peu, hein, sur le Mid-Season Brawl. Pourtant, c'est. Enfin. Il y avait plusieurs équipes, les équipes asiatiques, tu parlais de Chacal en Europe, on l'avait vu aussi, mais l'Asie avait été vraiment celle qui avait beaucoup joué Chacal, que ce soit en Chine avec les The One ou en Corée avec Tempest et surtout Genji, bah, en fait, qui adorait. Junkrat était très fort contre le dive,
quand il n'y a pas trop d'assassins comme Tracer ou Genji. C'est-à-dire qu'il va calmer ce dive avec ses mines et son pneumastique, hein, qui est très très fort justement contre le dive. Et, après... et du coup, vu que la méta est un peu en train de changer avec des mages, etc., on le voyait un peu moins. Et mais ça reste Jaina... très fort contre Medivh. Et Jaina, elle a un gros argument contre Shaka. Le pneumastique se fait one shot. Et l'élème aussi peut permettre par exemple de trouver une fenêtre. On va voir en tout cas. Côté Genji Esport, on est parti avec Kyosha qu'on retrouvera sur Léoric, TST sur Garrosh, Rich sur Hanzo, Sake sur Stukov et enfin Reset sur son Chacal. 2-0 on le rappelle pour Genji Esport face à Dignitas. C'est du BO7 donc le premier à 4. Si jamais Genji gagne celle-ci, ce serait une balle de match pour les Genji Esport. Et du côté des Dignitas, on a Zaylia sur Malfurion, Wubi sur Sonya, Poilk sur Jaina, JPL sur Stitches et Snitch qui jouera Medivh. Oh, le petit portail hein, pour arriver plus vite et surprendre. Oh, le petit pas sur Rich, bien joué. Oh là là, là. Et pourtant, il le savait, hein. Pourtant, il le sentait. Ah ouais, mais ce portail, c'est les Américains qui avaient fait ça aussi. Oui, c'était le premier. Ouais. Glurung, le premier avec le Roll 20. Ouais. Oh, ah, là, là, one ouais. Shot, instant. Ah, ça surprend. À la Rich. Ah bah là, et c'est une Jaina, hein. Jaina, ça suit très 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 bien Stitches. Ah, et build DPS, hein. Build DPS pour Stitches, je voyais un build tank. Mais build DPS, après pour récupérer... Bah après, avec Medivh, il peut pas mal s'exprimer. Alors par contre, il faudrait qu'il fasse un peu plus attention justement aux mines de Junkrat et ouais, au bien sûr. De Garrosh. Mais c'est bien. Mais ça au moins, il y aura beaucoup de dégâts. Et puis aussi pour répondre à Sluric, hein, parce que là, t'as quand même une composition... c'est un peu un double mage, hein, Medivh Jaina, mine de rien. Donc parfois, t'as pas d'auto hit, le Rick peut être très embêtant. Là, t'as encore plus de DPS avec JPL, hein, et son build DPS. Ça, ouais, c'est le niveau 1 qui permet de placer votre portail au préalable et ça permet de faire des rotations très très rapides. Oui, hein. Ouais. Il le fait très bien, hein, Snitch. Hein. Mmh. Ça, c'est son point fort, on l'a vu la partie. Tempest, hein. Ah, oui. On l'a vu contre Tempest, son ils point fort pleuré. C'est les portails. Tempest a un peu pleuré hein, à cause de ce Medivh. Non, c'est Ballistix qui. Non, c'est la qui a pleuré. Ah oui, non, bah oui, d'accord, ok. Voilà. Oui, aussi. En attendant, les Genji qui ont récupéré ce camp de Khazra, mais botlane, ceci ça la force de Jaina. Elle peut refaire attention, très vite. Attention, les camps. Ça arrive. Ils ont pas le temps. Non, ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps. Et Medivh qui revient. Medivh qui revient, mais c'est peut-être un peu tard. Stitches, le route, le silence qui a été mis. Est-ce qu'il pourra prendre le portail? Un petit portail. Ah, attention, voilà. Il a attendu le portail pour mettre la mine. Jake est pas bien. Et on pourra pas burst. Ouais, c'est et dur. Voilà la force de Junkrat contre Medivh. Cette mine. Il a attendu le portail. Oui. Il a attendu faut le portail. Faut pas le faire trop tôt. C'est excellent. Excellent. Et c'est un très bon joueur, Rizet. Très très bon joueur. Alors que de l'autre côté, avec Medivh, t'as envie d'attendre justement ce bump de Junkrat. Mais là, il était dans une mauvaise posture JPL, donc forcément, il était forcé de portail. Et Reset, hein, le meilleur Junkrat que j'ai jamais vu. Lucky en a un excellent, mais c'est vrai que Reset est très très fort. Et du coup, le niveau 4 de Genji. Et au passage, on aura du coup l'épidémie, le Q-spell pour Rich. On a du coup le Agenou Pécor, hein, le niveau 4. Le Neil Peasants en anglais. Qui fait des dégâts supplémentaires, le A fait des dégâts supplémentaires sur les non-héroïques. Enfin, sbire et monstre. Côté Dignitas, les talents 4, on est sur du classique. On continue le build DPS, bien entendu, pour Jay. Il va falloir. Et c'est ça, hein, tu le disais, attention, parce que Stitches, il part DPS, il sera plus vulnérable à ce genre il de combo et on l'a vu ici. Il faut être un peu plus prudent. Surtout après, Medivh était sur la mid lane. C'était un timing très serré pour Dignitas. Medivh qui était plus sur la bot lane. Ouais, Luke qui avait été tenté. Alors le camp de hard qui est lancé. Alors ça c'est intéressant. Genji qui ne fait pas le camp de hard. Donc ça c'est très très bien pour Dignitas. S'ils arrivent à temps sur l'objectif Dignitas, il y aura cette pression hein, sur la top lane ouais. Avec le hard camp. Bien sûr. Deux points de pression. Alors par contre, ah non ils veulent pas. Ils veulent pas jouer l'objectif et Dignitas. Bah, Stitches en early c'est quand même... Si t'arrives à hook c'est super mais en DPS faut attendre un peu plus. Faut attendre un peu plus. Le set devient vraiment fort. Ouais, avec le poison est justement qui est augmenté de c'est ça. C'est le casse toxique hein, mais qui renforce les dégâts. Alors le pourcentage rouge avoir un trou. C'est énorme. Mais c'est en fait t'appliques le passif de Stitches sur les Z avec le 4 et du coup le 7 renforce le poison, JPL, ça devrait aller là, ça devrait aller. Pas voilà, c'est bien les petits dégâts de poil qui pourraient le rappeler. Ils veulent juste ralentir la prise d'objectif, essayer de prendre un kill avec un hook. Et pendant ce temps-là, Sonya qui fait un massacre sur la top lane. Elle est déjà en train de taper les tours. Voilà, le wall qui va tomber très rapidement. Junkrat qui va top. C'est pas mal ça aussi. Hein. Junkrat qui peut bump justement le hard camp. Le hard camp. Faut tuer le mage, hein, le chaman. Et puis ouais, voilà. Qui fait pop des chiens à l'infini tant que vous le tuez pas. Donc la priorité c'est le chaman. Attention. Oh, c'est bien. Bien ça, joué le hook allié. En fait, c'est Poulzalia, hook allié. Comme ça, il y a une incensie. En fait, il y a une purif quasiment presque. C'est bien, c'est bien ça, joué, c'est bien pensé. Ça c'est bien parce que ouais, ça, tu peux hook les personnes qui sont stun ou root. Hein, c'est pas très bien pensé. Donc c'est une sorte de clean ça. Quand tu joues Stitches du coup en solo queue, tu peux pas faire le pool et qu'un de tes potes le prend, bah du coup tu l'aides. C'est bien de la part de Jay.
Et du ça, coup... c'est un changement sur Steve Cheese, hein, qui avait fait vraiment du bien. Ah oui, c'était super. Qui l'a rendu tellement... encore plus intéressant, bien plus de technique. Hein. Ça, c'était un truc qu'on voulait. Hein. Et ça réduit le temps de recharge en plus sur les alliés. De moitié. De moitié. Alors attention, ça recommence, attention. Attention, Poilk, attention, Poilk, attention, Poilk. J'ai Poilk qui se retrouve isolé, c'est bon, il y a le bouclier. Il y a la mine. Heureusement, il n'y avait pas la mine. Attention, Kyocha quand même, il y a l'arrivée de Wubi sur le flanc. Le hook, c'est bien joué sur Tiesti. Il est pas bien, Tiesti va rentrer dans le blizzard. Et voilà, superbe. On l'avait dit, Jaina, c'est très fort contre Garrosh. Superbe. Et du coup, Kyocha qui se retrouve en danger maintenant. Ah, est-ce qu'on dirait blanc, il y a le hook peut-être de Jay. Il va pas oui, le portail. Le hook. Oh là là, 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 là. Le niveau 4. Le niveau 4 de Medivh qui est excellent. Ah, oui, le slow sur les autres. Faut pas oublier. Et puis le critique. Hein. Ah, oui. C'est fait très très mal. Et ça slow hein. Slow, critique des dégâts. Slow, critique sur l'auto-hit. Mais c'est 30% de slow. Il faut plus, savoir ça, que bah, là, si les 5 le prennent, bah, 5 critiques, c'est bien. C'est un peu comme le. C'est un peu comme le dé de. Oh, superbe. Sur Sakai, il est pas bien, Sakai, il va mourir. C'est bien ça, Jay. Superbe. Et voilà, allez. En plus d'avoir le camp, on a un kill très propre après. Attention, attention, tout à l'heure il y a deux niveaux d'avance. Et les Genji sont revenus, mais ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Il est tout simplement le meilleur Stitches du monde, hein, ouais. Jay à son poste. Il est juste impressionnant sur ce héros. Il y a des très bons Stitches il un peu surprend, partout, mais. C'est... Il surprend tout le temps. Ouais, là, là il tord en plus, exemple, il est blind hook. Là c'est fou, c'est du blind, c'est que du blind. Il le fait en aveugle, il tente. Du coup, c'est inévitable. Il faut... Ça veut dire que même quand tu vois pas Stitches, t'es en panique. C'est tu ça, il bouger de tous les côtés. C'est ça, il anticipe ton anticipation. Et ça ralentit les rotations, mine de rien. Parce que si à chaque fois ils doivent se méfier du hook, ils doivent faire des petits zigzags, des détours. Et du coup, ça ralentit la rotation ennemie. Allez, en, en tout cas, ouais, le 4 de Medivh hein, qui ressemble un peu au D de Descartes Kane au niveau 13, ça fait énormément de dégâts quand tout le monde bénéficie du corbeau. Oui, c'est vrai, ouais. Le 13, hein, clairement, l'activable. Après les gros dégâts magiques de zone, l'élémentaire de récupérer, logique, pour embêter Garrosh, pour embêter même les DPS distants. Hein. Anzo moins, mais Chacal, il est très fragile Chacal. Hein. Et tu mets un petit LM sur le côté, tu lui mets des petites autos. Oh, il doit être très prudent sur son placement, surtout qu'il y a un Medivh, hein, d'autant plus. En fait, sa mine, attention, il n'a pas roi de lance. Attention Wubi, TST qui va faire le combo, l'élémentaire pour venir l'aider, Wubi qui va tenir. Attention TST qui prend très cher, le route de Zalia est loupé, c'est dommage. De toute façon, il y avait l'incensi. Attention, attention, il va aller chercher Kyocha, il va aller chercher Kyocha, il a plus de marche spectrale. C'est bien ça, la lance qui est mise, Kyocha qui va tomber. Il y a l'élème qui continuait. Et en plus, l'élème, on le rappelle, ça permet de stacker votre Ice Mug plus vite. Et Wubi. Ça, c'est super important. Wubi, là, ça me fait plaisir encore une fois qu'elle est super bien jouée sur sa top lane. Surtout, et sur c'est Sonia, pas un de ses piques en plus. Sonia. Ouais, voilà, c'est pas un de ses piques à la base. Hein. Moi, j'adore Wubi. Mais ouais, comme je disais, Junkrat qui doit faire très attention à ses mines. Parce que s'il en met une trop tôt, ça veut dire que Medivh peut portailler. Clairement. Alors, en attendant. On se dirige sur le hard côté d'Initas encore une fois, alors la volonté de mettre deux points de pression, un sur... On va jouer le sanctuaire, mais on va envoyer bien sûr le hard camp au moment de ce spawn sanctuaire, de cette apparition du sanctuaire. Et du coup, les Dignitas qui ont un niveau d'avance pour le moment. Ouais, j'ai mis le flèche de Reach qui a fini hein, de stacker, donc deux flèches supplémentaires. Attention, Tiesti qui prend très cher, on est obligé de claquer l'incensi. Super Jay, le hook parfait. Oh là là, la mine, le taunt qui a été mis sur Sonia. Est-ce qu'on pourra prendre le kill? Et oui, le dernier javelot poil qui a pris très cher par contre, mais il s'en sort, la flèche. Oh, aïe 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 aïe. Super flèche de Reach qui vient égaliser le sniper. Oh, ah, et ça change superbe. Tellement la donne. Ça c'était change superbe. La donne parce qu'il y avait un Malfurion. Et puis il avait une fontaine en plus. Il ouais, avait une fontaine. C'est... Mais après c'est pas fini hein. C'est pas fini. Ils ont plus de grosse front lane on va dire. Allez, attention, le tombeau. Wubi qui peut s'en sortir, le silence qui a été mis. Ouais, le hook allié de Jay, il l'aura bientôt de toute façon. Le portail qui a été mis. On met des gros dégâts, c'est bien. Kyocha qui va tomber. Kyocha qui va tomber. Il va tomber, voilà, okay. Le petit coup de pelle. Le pelle en plastique. Ils vont avoir le shrine. Hein, attention, Luke. Oh, bien joué, il avait anticipé le retour de Reset. Par contre, voilà, ils vont avoir le dominateur, comme tu le disais. Oh, les mille flèches. Oh, les mille flèches, le portail, parfait. Ça va aller. Parfait. Et là, le niveau 1 hein, de Medivh hein, qui est très très fort. Vous pouvez mettre les portails en forme de corbeau. Et évidemment le placement parfait. Alors attends, Jay qui vient avec bon dégât hein, de Jaina. Et la saut tellurée qui a été utilisée. Wubi, le courroux. Ah, il a pas touché Reach. La bulle putride pour zoner pendant qu'on s'occupe du dominateur. On zone très très haut. Look, c'est bien joué sur Reach. Reach le burst. Oh, le route qui a été raté. Ouais, route de Zalia loupé. Et du coup, le poil qui a pas pu mettre tout le burst. Dessus, c'est dommage, il était propre ce hook, il était très très propre. Ah mais ça va vite, hein. Ça va très vite les hooks, Zalia a pas forcément... Parfois il a pas forcément le temps de passer le route parfait. Et du coup, on va pouvoir faire ce camp côté Genji Esports. Les Dignitas qu'on fait le leur, le camp d'Easy. Légère avance d'XP pour Dignitas, mais on avait un niveau avant.
Et Genji qui reviennent, bien entendu, jamais sous-estimer ces joueurs. Même quand ils sont deux niveaux derrière, et bien ils peuvent revenir. En tout cas, on a la vision et ça, c'est important. Hein. Le travail de Medivh, la vision aussi. Et c'est important aussi avec un Stitches parce qu'on connaît le combo avec les portes, etc. Bien sûr, mais même la vision, ça permet un hook potentiellement de Stitches. Et Jay, il valorise cette vision. Les portails aussi. Hein. Il peut préplacer les portails pour son Stitches, le mettre dans la back nine avec la build. Eh bien, ils ont récupéré le camp sur cette bataille. On prend le portail pour aller plus vite sur les rotations. Oh, pas mal. Ah, bien, il était en monture, c'était plus dur. Clairement. C'était plus dur. Alors... Après, il savait que les sbires arrivaient, donc il pouvait pas faire ce qu'il vient de faire, des mounts avec un Z, parce que sinon les sbires arrivaient, il a voulu le tenter. Mais c'est ça qui est beau, c'est que le portail, il est pas vu. Junkrat dit, j'ai encore 2 secondes. J'ai encore un peu de temps. Et en fait, avant non, la rotation, pas du tout. Oh, ça recommence. Attention, Jay qui se positionne. La build putride pour zoner TST. La flèche sur 2. C'était une flèche défensive. Hein. C'est un c'était bon une flèche défensive. Ouais, hop, 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 saqué. Tu connais Jay, hein. C'était un bon trade, c'était un très bon trade pour les digs. Et puis les ultimes de Dignitas sont très courts, mine de rien. On a, à part, bah, sauf le silence et tout, mais là, les ceux d'utiliser, c'est Bill Putrid élémentaire. C'est, en termes de CD effectif, c'est 45 secondes, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas long. 60 secondes, bien sûr, de base, fait, hein, mais ça dure plus longtemps. En fait, c'est Dig qui mène la partie un peu comme à l'image. Justement de Tempest contre Dig sur la première partie où Tempest menait la partie. Là c'est Dig qui mène la partie justement avec ses portails. Et le fait qu'Anzo claque sa flèche défensivement, ça veut dire que pendant pas mal de temps, il n'y aura plus de possibilités offensives pour les Genji. Et c'est pour ça que c'est un très bon trade. C'est pas forcément une question de CD, hein, c'est une question de qui n'ait plus de flèche sur Anzo. Attention, ouais, pour Alec... Ah, il y avait le Hookah, ouais, il y a quand même Hookah. Les deux sont venus en aide. Faut pas prendre de risques, clairement, parce que là ça peut aller très vite. Hein. En attendant, les Dignitas le 13, on avait une glaciale. On a. Alors, on peut avoir un hameçon quand même du côté de Stitches, mais je pense que le pulverize sera bien plus intéressant ici, hein, le pulvérisé. Ou un shish kebab. Non, je pense pas. Hein, après, ça peut surprendre, hein. Ça peut toujours surprendre, mais là, le pulverize qui sera trop important au 16. Vu son 13, c'est sûr et certain. Ah, c'est pas sûr, il a déjà pris hameçon au 16 quand même malgré le 13, hein. Jay. Mais je pense que pulverize est super fort ici. On va mettre et ce niveau 1 qui cache le portail jusqu'au dernier moment, ça c'est vraiment très fort. Je me rappelle t'en parlais beaucoup quand on était sur le PTR, tu disais mais c'est trop bien ça. Et au début c'était pas ça qui était pris. En team c'est le meilleur talent, c'est juste que c'est plus dur à jouer, plus de mécanique. En attendant. Oh là, le STST qui est pas vu. Côté Jay. Allez, squelette. Anzo qui est très fort. C'est une build de Jay, voilà, c'est claqué, la lance empoisonnée de Wubi, mais ça tient du côté de Kyosha, attention, il a pris très cher Jay, ça va aller. La flèche qui ne touchera pas, c'est important. Attention, le bouclier, la pneumatique qui va attendre la fin, Wubi, ça tient pour le moment. Poilk, le petit portail, il a mis le burst sur Kyosha, on a sa force dans la mêlée. En termes de squelette, on est devant, hein, côté Genji, l'élémentaire qui tombe. Et en plus, on a Anzo, et ça farm extrêmement bien, on est obligé de laisser l'objectif côté Dignitas. Stitch qui envole quelques-uns, mais ouais, on va devoir le laisser. On doit le laisser. Alors, je sais pas si t'as vu le hook de Jay en fait. Ah, j'étais sur le côté. Annulé gauche, ouais. Par le silence de Sake. Et ça hookait Sake justement. Du coup, c'était très drôle. Hein. Si le silence ne touchait pas Stitches, hop, il se faisait hook. Et c'était un très très bon hook. Et parce que si jamais le grapp est parti et que vous faites contrer, c'est full CD. Hein. Il faut attendre les 16 et secondes. Et puis ton hook s'annule en fait. Il va pas ramener en fait ce qu'il y a au bout du crochet. Alors qu'on aurait pu voir quelque chose comme ça justement. Oui, une fois que tu l'as attrapé, hop, ça, tu vois ça. Ça l'annule, mais non. Un tout petit peu avant et c'était l'inverse. Par contre, après, on a pas cherché plus hein, du côté de Genji Sport, le dominateur. Ah, ils veulent gratter l'XP, ils veulent jouer le late game. Ils veulent capitaliser sur ce dominateur voilà, en récupérent l'XP là où il y en a. Sanjay, reset. Ouh, il a tenté vers le bas. Autre chose, ouais. Au cas où. Au cas où s'il voulait aller vers le bas avec son Junkrat. Ça joue très très bien dans cette finale. Et le Pulverize hein, qui a bien été récupéré par Jay. Très très fort en hein, ce 16. Très très fort. Alors, ça aussi pour le Shrine, ça va être excellent. Oh, par contre, ça le T2 qui a pris très cher, hein, midlife. Alors qu'il reste les tours. Hein. Il reste les tours. C'est bien d'avoir encore le T2, hein, mine de rien. Ouais, parce que t'as le wall. T'as le wall devant. C'est ça. Et non, mais surtout, t'as pas de pression sur la botlane. Enfin, pour l'instant, il sent encore très bien Dignitas. Alors qu'on a vu Genji dominer ce Shrine. Mais très très gros 16 côté Dignitas. Hein. Pulverize, Nerf d'acier, donc le bouclier pour Sonya. L'exposition nord, donc 25% de dégâts supplémentaires pour toute l'équipe grâce à ce cône de froid amélioré de Jaina. On a le portail qui dure plus longtemps, ça c'est super important aussi. Et du coup le heal qui dure plus longtemps pour Zaelia et qui a un plus grand radius qui permet de toucher plus de monde. Attention, c'est pas mal Pulverize et qui peut permettre d'assurer des hooks le Pulverize aussi. Hein. C'est un énorme slow, un énorme ralentissement.
peut permettre du coup de réussir un grap, un petit grappin. Le 16 hein, du Junkrat hein, qui permet de réduire le CD du Q-Spell pour vraiment spammer les grenades. Et du coup, côté d'Initas, on va voir la flèche de vision qui a été utilisée. Très important le bataille de vision aussi. Hein. Les flèches du Reach qui peuvent permettre justement de savoir où est ce Stitches. En attendant, côté, regarde le placement de Léoric. Hein, pour avoir l'information, il sait qu'il a la marche spéciale. Ça joue tellement défensif côté de Genji. On veut pas se faire hook, Medivh qui donne l'information constamment en plus. Ouais, et on met les mines, hein. On met les mines aussi qui peuvent. Elles donnent la vision, hein, les mines. Hein. Enfin, les mines, les petites grenades, petites bombes de reset hein, sur son chacal. Petite avance d'XP pour Genji. Prochain dominateur sera mid lane, hein, le prochain sanctuaire qui offrira un dominateur. Alors, il devrait. Oh la flèche! C'était bien tenté ça de la part des Genji, un petit peu en. Pendant ce moment d'accalmie, pendant ce moment où il n'y a pas vraiment de. Il ne se passe pas grand chose. On essaye de rythmer d'un coup. C'est ça que je parlais, la flèche justement de Rich peut être punitive dans ces phases-là. Ces phases-là, clairement. Et là, il n'y a pas de flèche. Du coup, ils savent qu'il n'y a pas de flèche. Reset le Pulverize. Aïe, la mine qui touche les deux. Oh, s'il l'avait tué. Mais le hard, c'est bien. C'est un très bon call de la part d'Initas. Ils savent qu'il n'y a plus de flèche. Le hook sur TST. TST, attention. TST. On pourra pas forcément le tuer. Le silence, attention, il est pas bien. Ouais, il va devoir repartir. Oh, les dégâts. Ils sortent d'où ces dégâts, le mi-flèche? Mi-flèche contre le mur. Là, c'était violent. Hein. Très très fort. Le 16, oh là là. C'est le 16 de Genji. Parce que là, il y a aussi un très bon 16 à côté de Genji. Entre le 16 de Chacal, entre le tremble-terre de Garrosh, le heal sur les stuns. Du côté, ça marche du coup sur le grappin, on le rappelle, c'est un stun. Le debuff, hein, plus la marche spectrale qui dure plus longtemps. Et du côté de. Bah, voilà, le mi-flèche d'Anzo, hein, c'est surtout ça le gros 16. Attention que Kyosha. Ah, bien joué, c'était tenté. Il faut les tenter, c'est pas grave. En attendant, on récupère le easy qu'on peut, ça mettra de la pression mid lane, on prend le portail direct. Annuler le hard camp hein, qui a été vraiment crucial au final puisque maintenant les Genji ne peuvent pas avoir cette pression sur la top lane. Enfin en tout cas elle est en basique, voilà, juste ça push un petit peu mais voilà il n'y aura pas plus, elle est bien tentée de la part de Jay. Allez on est en position côté d'Itas. Oh là là ça vole, le Q-spell de Rich qui vole. Surtout qu'avec le 16 ça affecte les 1000 flèches mais également le A de Rich. Du coup la flèche explosive. Oh la cancel, la lance empoisonnée. Et là il y a de quoi voler hein. Oh Ubi. Ubi qui il a comme claqué les nerfs d'acier. Le Uber. Il y a pas de taunt. Oh, y a pas de taunt. La ville putride pour zoner. Kyosha. Attention l'abdomastique, la flèche. Ça va aller. Le portail qui permet justement à Polk de s'en sortir. Il a l'ice block encore. Kyosha qui va bien. Kyosha qui devrait tomber. Polk. Ouais, l'ice block. Il faut se positionner. Le silence superbe. Et du coup Tiesti qui devrait tomber. Le shield. Oh, c'est ulti de Sake. Il manque un Q-spell. Oh la stase. Ça c'est très bien. Et pendant ce temps ils vont sur les backlane. Attention, le mille flèches. Il y a qui tombe. Bien joué. Le kill sur Stukov qui passe 3-0 pour le moment pour les Dinitas, c'est pas terminé. Le slow peut-être sur Rich. Il y a également Reset qui s'en sortira. Oh la fontaine de Genji qui a souffert là-dessus face aux Dinitas. Il snitch encore le shield sur le taunt. Le pire, c'est qu'il a sauvé en et plus. La stase. Oui, et il a sauvé. Regardez, alors déjà là, le portail superbe pour sauver Poil. Voilà. Avait pas la... Et là, il a ice block parce qu'il y a TST qui vient le chercher. Et là, il se dit attention, il va me E. Il met l'incensi pour faire ça. Et là, shield. Et superbe shield. Stase pour engager sur. La team. Q-spell qui slow et là le son tellurique pour revenir. Ils essayent la backlane, ils prennent trop cher, ils repartent et ils tuent derrière l'exposition nord qui fait tellement mal. Et ça, c'est super pour Dignitas. C'est pas terminé. Deux morts, hein, Malga. Ils ont le 20, il y a deux morts en face. Ils sont en train d'ouvrir. Ils veulent la game. Ils le 20 de Sonia. Au moins le T2, ça c'est sûr. Et l'élémentaire amélioré du côté de Poil qu'on va chercher le T2, peut-être plus. Il y a des espaces qui sont créés en 5v3 pour Dignitas. Et ils peuvent le détruire, ils ont Sonia, ils ont Jaina. Et c'est full life cet immortel, le gars. Ils vont tenter le corps. Ils peuvent le faire. Attention à cette nomastique qui va se faire one shot. Voilà, oh la pile sur le corps. Attention, Jay, elle a mis le putride pour zener. Ils peuvent le faire, attention, l'ice block pendant ce temps pour avec l'élémentaire. TST, Jay qui est pas bien. Jay qui se retrouve pas bien, Léoric qui tombe. Ça tient du côté de Jay, ça tient. Est-ce qu'ils pourront le faire? Reset qui a esquivé le grab. Ah, le burst va au burst le corps! C'est incroyable! Ils vont mettre fin à la série, la possibilité, voilà l'élémentaire! Ça y est! Qui le fait? Dignitas! Qui met fin à la série d'invincibilité de 38 games sans défaite de Genji Sport! Superbe de la part de Dignitas, ces Européens qui reviennent dans ce BO7, c'était le plus dur! Prendre une game! Maintenant, ils voient qu'ils peuvent saigner, on peut les tuer du côté de Dignitas! C'était tellement important de remporter une partie contre Genji. On va voir comment ça va les affecter. Mais ça faisait 37
parties qu'ils n'avaient pas perdu et ça y est. Ils avaient gagné la 38 parties. Oh là là, mais le Medivh Stitches est impressionant, il joue tellement. Mais Snitch encore, mais il est fou. Jay aussi. Mais non, mais Jay. Et Polk. Mais Dilitas, mec. Et le coach, mec. Non, mais c'est fou, vraiment. Clairement. Superbe de la part de Dinitas qui a fait un énorme travail. Même... Là, ils ont réussi enfin à conclure justement la dernière teamfight magnifique. Snitch, vraiment MVP, homme du match. Parce que là, il est là défensivement. Regardez Poil là qui est en mode aidez-moi. Le portail contre l'Anton, parfait. Et l'Anton... il vient de stacker l'ice block au passage. Hein. Heureusement, très bon timing. Mais là, très tu bon vois, timing. On sait bien qu'on a bien communiqué parce qu'il a pas ice block tout de suite. On n'a pas mis le shield tout de suite. On a bien attendu. Portail pour sortir du tombeau. Parce que là, il y a le silence en plus pour pas qu'il puisse. La flèche aussi pour qu'il soit stun. Le bouclier malgré tout quand même qui a été utilisé au dernier moment. Et on voit le niveau 16 hein, de Medivh justement. La ville putride hein, qui ralentit le pneumatique. On rappelle que la pneumatique est susceptible d'être contrôlée. Hein. Et la mille flèche qui a été... et là derrière, voilà, Poil qui vient one shot. Même si c'est Jay qui prend le kill. L'insensible hein, qui touche et du coup il a tant de taunt mais le hook. Et là, on se dit saqué, c'est pas possible. Le Q-spell qui laisse à rien. Et là on essaye d'aller chercher les backlanes mais finalement on fait non c'est pas grave, on va se focaliser sur frontlane. Rich qui a failli tuer tout le monde à ce moment là. Et Poil qui a très bien timé aussi la fin de Staz pour one shot. Le plus proche de gagner une game sur le winner, tu sais, dans oui, le winner bracket, oui, avec Varian. Avec le Varian, ouais. Attention par contre à cette saloperie d'Hammer. Non, du côté, c'est vrai, on l'a pas encore vu. Et Genji qui a des cartouches aussi. Ouais. Et ils ont dit qu'il y en avait peut-être d'autres. Après, ça, c'est aussi toujours les points un peu de. Voilà, en point presse, tu dis, on a plein de trucs, attention. Et là, tu sais, tu laisses. Et ce qui est bien, non, mais ça fait deux games. Hein. Deux games que Genji sort des picks qu'on voit pas forcément depuis le début du tournoi. Ils ont sorti Jaina, qu'ils ont pas beaucoup joué. Ils ont sorti Junkrat. Alors, ça veut dire des choses. Ça veut dire que Tinitas les pousse, justement. Dans leur ils sont en train de les pousser. Ils sont en train de les obliger, justement, à augmenter leur pool de héros. Et ça, c'est très, très bien. Attention. Genji. Hein. Alors, on banne le Blaze. Hein. On reprend les bonnes habitudes de dire à Wubi. Non, t'arrêtes. Non, tu joues pas, s'il te plaît. Il se fait target. C'est ce qu'on dit aussi en off. Wubi a été l'homme de Dignitas pendant quasiment toute la compétition. Et dernièrement, tout le monde monte et Wubi se fait vraiment focus. Du coup, il a le travail de fond et relaisse, et crée de l'espace pour ses coéquipiers. On ressent justement la JPL monter en puissance, Snitch et Poilk monter vraiment fort. Surtout Snitch et Poilk, qui Jay, parce que Jay, il a des pompes très bons aussi pendant tout le tournoi. Ouais, même si là, il est encore haussé. Ouais, mais son Snitch. À chaque fois qu'il sort Snitch, c'est Johanna, hallucinant. Sur Volskaya, moi, ça, Johanna m'a. Enfin, bref, tout ça pour dire que Wubi. On le voit un peu moins, mais en même temps, c'est celui qui fait le boulot ingrat. Non, mais c'est ça. Hein. Il fait le soaking, il fait des très bonnes rotations, même si il reste extraordinaire. Ouais, Enzo Garrosh de nouveau. Une Jaina très très bonne côté Dignitas. Garrosh pourrait être justement le problème de Genji. Ouais. Ça pourrait se résumer à ça, cette finale. Hein. Garrosh, ça tourne mal, là. Hein, on l'avait dit. Il avait un win rate. C'était vraiment limite. Ouais. C'était un petit peu en dessous, c'était 46 ou 47. En dessous, négatif. C'était un win rate négatif. Et rien que ça, c'est un signe. Moins 10 dans les jantes. Non mais par rapport aux 50%. Pique un héros très rapidement pour avoir un win rate négatif. Très souvent, il y a quelque chose qui se passe mal. Il faut commencer à revoir un peu ce qui se passe. Surtout qu'il a souffert, hein, Garrosh. Hein. Sur les deux games, il a souffert hein, face à Jaina. Alors, Genji, il faut voir parce que c'est vrai que Genji, au début du tournoi, c'était un désastre. Là, je crois que ça remonte un petit peu. C'est remonté, ouais, les Coréens ont gagné avec. Parce que maintenant, il reste plus que les grands joueurs de Genji aussi dans le tournoi. Il y a ça aussi. Parce qu'il faut être très très fort sur Genji à l'heure actuelle. Si tu fais une erreur, t'es mort. C'est ça. Même les meilleurs Genji ont du mal, hein. SCSI, par exemple. Après. Oh, Wubi. Maintenant, il y a Genji contre Garrosh. Hein. Attention à ça. Ça reste aussi, Snitch. Bien sûr. Là, le Garrosh, déjà, il a plus de sens. Peut-être un ban Jaina, justement, pour bloquer. Pour bloquer, justement, la Jaina. Poil, qu'en plus, sur Jaina, il est très chaud. Et c'est un énorme counter de Garrosh, on l'a vu. Johanna, n'empêche, qui a été récupérée très tôt aussi. Pour Jay. Bah, Johanna qui a récupéré très tôt parce qu'elle est très forte à l'heure actuelle. Voilà, logique. Ban Jaina. Côté Genji Esports qui est trop mal au Jaina aussi. On parlait de Johanna, c'est vrai que Johanna est montée pendant le tournoi. Maintenant c'est Jaina. Jaina on la voyait un peu, tu vois, au début du tournoi. Et maintenant on la voit tout le temps. C'est tout le temps. Elle est là dans quasiment tous les drafts. Ouais. En même temps, ils sont
monstrueux les joueurs de Jaina là, à l'heure actuelle. Et ça burst tellement bien la frontlane. Garrosh, ça fait deux fois qu'il est en PLS. De toute façon, Garrosh en ce moment, avec les matchs, il commence à galérer. Là, il commence vraiment à galérer. On l'a dit, Garrosh, c'est pas qu'il était OP, hein, c'est que et la méta l'a mis en avant et derrière, Chromie, Poilk, excellent dessus. De toute façon, Poilk à l'heure actuelle, moi je trouve ces matchs, ils sont fous. Il y a Li Ming, Chromie et sa Jaina. C'est très très solide. Il a aussi Tracer, mais on le voit un peu moins à l'heure actuelle. C'est presque Snitch, mais c'est mieux parce que. C'est plus un carry, tu vois. C'est pas en ce moment la Tracer de Snitch, c'est plus un ganker, etc. Mmh. Ah, c'est le plus rôle une de tour flex. De contrôle, ouais, c'est ça. Alors vision. Quand Poilk l'a joué, c'était plus Tassadar Tracer. Ouais, c'est vrai. En attendant, Leoric pour Wubi. Pareil, hein, Leoric qui revient sur cette limite dernière journée. Leoric qui avait un petit peu. En même temps, Blaze qui était revenu, enfin qui revient en force. Il avait. En fait, c'est vraiment excellent. Leoric était revenu sur la fin de DHGC. Blaze parti. Blaze revenu très très fort aussi sur le MSB. Et là, Leoric revient maintenant que Blaze est un peu mis de côté. C'est intéressant, et tu l'as dit, Poilk sur Chromie. Si tu regardes les slowliners, t'en as deux qui sont très très forts en rotation et très safe. C'est Blaze et Leoric. C'est un peu très. Ça ressemble énormément. Après, c'est l'ulti qui diffère complètement. Maltel. Malgré l'absence du Blaze, Maltel. Alors, si on regarde un peu le Western Clash, c'était exactement ça. C'était Zilot qui jouait que Blaze. Blaze First Pick tout le temps. Et après, il se faisait ban. Qu'est-ce qu'il prenait justement pour compenser? Il y avait aussi Leoric. Leoric qui avait un peu les mêmes forces. Et du coup, Maltael. C'est le premier du tournoi? Non, on en a eu au début du tournoi. Mais ils ont beaucoup perdu. Ouais, mais non, et même Wubi. Wubi l'avait joué aussi. Ouais, Wubi l'avait joué. Ouais, Wubi l'avait joué. Bah, contre Tempest d'ailleurs. Ouais, contre Tempest. Et bah, c'était la dernière fois qu'il l'a joué. En tout cas. Phoenix contre Johanna, encore une fois. C'est pour Rizet. Très souvent comme ça qu'on voit le Phoenix. C'est bien, hein, Phoenix, mine de rien. Les NA. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a que l'Amérique et la Corée qui jouent vraiment, vraiment bien. Intéressant ce Picuter. C'est ouais, étonnant, mais d'un autre côté, en face, t'as pas un énorme burst non plus. Uther ici. T'as le contrôle, on va dire, ok, t'as les stuns, t'as les rotations de contrôle potentielles. Le c'est pour Genji, c'est pour Genji. Oui, pour le Genji, hein, pour le mettre en avant. Là, ils ont hésité peut-être sur le support et ils ont vu que ça allait. J'ai pas mal réfléchi, là, comme toi, je cherchais un peu les points forts et en final, il n'y en a pas, à part pour Genji. Parce que Genji, il y a Garrosh en face. C'est très très dur pour Snitch pour de s'exprimer. Et on a vu aussi que UTR Genji, récemment, ça a marché un petit peu. C'est ce qui justement permettait, par exemple, à SCSI de s'exprimer bien plus. Et c'est peut-être un bon choix justement pour renforcer Genji. Ouais, ça, renforcer malgré le counter. Parce et surtout, ils ont attendu le dernier moment pour voir s'il y avait des dégâts qui pouvaient mettre fin à Uther. Phoenix est tellement fort là, il n'y a pas beaucoup de contre. Du coup, tu renforces le Genji. Là, le Phoenix aura beaucoup moins de chance. Tu mets un point de pression encore plus sur le Phoenix. C'est pas bête. Et en plus, ils ont attendu le dernier moment pour pas sortir Uther qui serait par exemple bloqué par une Lunara qui serait très forte sur Spider Queen. Après, il y a du poke. C'est pour ça qu'il faudra très bien faire. Parce qu'il y a quand même Hanzo et Phoenix. Parce que ce niveau 1 de Phoenix qui poke extrêmement fort, mine de rien. C'est clair. Et du coup, attention, Jay aussi. Parce que le double. Après, ça reste une Johanna, donc c'est costaud. Mais double auto-attaqueur du côté. Ça, c'est un truc que la Corée a tout le temps joué. Quasiment sur cette année 2018. Avec à l'époque, c'était Tikus. Tikus, Hanzo. Phoenix est revenu et a pris un peu sa place. Hein. Phoenix a un peu bousculé Tikus, mais ils adoraient Phoenix, Tikus, Hanzo, les Coréens. Et ça a explosé les front lanes. De temps en temps, Cassia aussi. Cassia, Hanzo aussi pour un peu le même rôle et bat Greymane. Mais là, la front lane va souffrir aussi. Hein. Wubi, il risque de mourir plusieurs fois. Et mine de rien, la sortie de Diablo, un petit peu, un Diablo qu'on voit beaucoup moins maintenant, renforce Jaina, c'est pour ça qu'on la voit partout. Je suis en train d'y réfléchir parce que Jaina est tellement forte contre les tanks actuels. Ouais, contre les Garrosh, etc. Si tu regardes les tanks qui étaient très très forts contre Jaina, ils sont pas joués. Et même Diablo au final. C'était fort. Ouais, bien sûr. En fait, ça t'oblige en plus à avoir soit un auto-attaqueur qui le défonce très vite. Ouais, ou alors Jaina. Elle fait mal au front lane de façon Jaina. Ouais, globalement, ouais. Mais Diablo, c'était quand même celui qui avait l'opportunité de la punir. Là, Garrosh, il court après. Johanna, c'est pareil, c'est pas évident. N'oublions pas que Jaina au début du. Et ça, c'est les NA. Hein. Jaina, les Américains ont beaucoup, beaucoup joué Jaina au début. Ça s'est étendu un petit peu à tout le monde. La Corée aussi, Lockdown avait joué très rapidement aussi de la Jaina. Mais globalement, c'était Corée NA qui avait commencé Jaina. Et ça s'est étendu. Et c'était l'assassin qui avait le plus gros win rate du début des HGC 2018. En tout cas, on y est. On est reparti. Genji
qui mène 2 à 1. Dignitas qui a réussi à prendre, à mettre fin à la série d'invincibilité des Gen.G eSports. En tout cas, on retrouve Sake sur Malfurion, Rich sur Hanzo, TST sur Garrosh, Kyosha sur Maltel et enfin Rizet que l'on retrouvera sur Phoenix. On le rappelle, un champion du monde en titre et champion de Corée face aux champions d'Europe. Et du côté des Dignitas, on a Snitch qui va jouer Genji, JPL sur Johanna, Poilk sur Chromie, Wubi sur Leoric et Zelia qui va jouer Uther. Sachant... Alors c'est vrai que Wubi était un excellent Leoric et ça c'était avant son DAK, même à l'époque, ça remonte à très longtemps, c'était à l'époque où il y avait de la Lunara. Oui. C'était un dieu avec Leoric. Ah oui, c'est un très bon Leoric. Ouais. Et de nouveau, on bloque hein, les sbires pour pouvoir... ils sont déjà en train de les attendre hein, par contre les Genji, pour pas perdre trop de temps. Encore une fois, hein, se mettre devant sur les rotas. Attention, le burst qui va tomber de poil, qu'on a bien anticipé. Et même Garrosh hein, contre Chromie, ça va être chaud. Après, voilà, on l'a dit, Counter Genji au moins. Ouais, il aura un peu plus de choses à faire dans là, cette partie. Là, clairement, il peut bloquer un peu le Genji. Et c'est pour ça qu'on a récupéré ce Uther. Intéressant le niveau 1 de Phoenix. C'est le plus classique, je dirais. Alors pourquoi? Bah, ça reste du dégât fixe hein, tout le temps. Je suis d'accord, mais là, on a quand même pas peut-être mal. Peut-être plus pour Genji, tu sais, quand il arrive. Auto-attaque ah, au Kamoto. Bien trade contre lui. Bien trade c'est vrai contre qu'on lui. En plus, Genji qui peut deflect le gros burst. Ouais. Ouais, ça doit être pour ça. Plus de réponses à Genji. Ouais, tu recules en canon auto et tu le détruis. C'est pas bête. En attendant, les. C'est bien de voir l'adaptation aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Surtout des Coréens, parce que Coréens, j'avais l'impression, moi et Kanzo, ils voulaient pas changer. Avec Phoenix, tu veux dire. Hein avec, ah non, avec oui, Kanzo. Non, par rapport à Kanzo. Oui, ouais, oui. Et là, on voit l'adaptation. Donc c'est cool. Ça, c'est ça. Après, c'est sûr que t'as plus tendance à t'adapter quand tu affrontes toujours les meilleurs joueurs qui, du coup, des fois tu sais, quand t'es en HSC classique, bon, là tu joues contre qui ce week-end? Team Ace, allez, sans mais, talent ce week-end, du tout. Mais tu vois ce qui est trop bien là avec ce niveau 1, certes ça va renforcer son 1v1, mais du attention, coup. Attention, TST! Oh, le combo de Chromie qui passe à côté! Oh, dommage, TST c'est pas terminé quand même. Il y a l'armure, il a 40 en plus, ça va monter. Combo de Chromie qui passe pas, TST. Non, on pourra pas le chercher pendant ce temps en plus. Il y a Rizet qui vient mettre la pression sur Poilk. Fausse alerte. Mais attention, coup de semonce pour les Genji. Poilk qui est déjà très très lourd quand même. Ouais, ah, Rizet hein, qui a mis beaucoup de pression. Jay, oh, Snitch qui a pris très cher. 5 mid. Hein. Les deux amis hein, qui viennent de se foutre sur la tronche. Hanzo par Rich sur Snitch. Et du Snitch coup, et Rich, pardon. Le niveau 1 de Phoenix hein, qui renforce son 1v1. Mais d'un autre côté, maintenant que j'y pense, Uther gagne un peu de force parce qu'il y a moins de poke. Il y a moins de multi-cible burst. Ouais, il y aura moins ce côté poke parce que le level 1 il poke tellement après, fort. L'autre level 1. Ça s'active aussi sur le canon à photon hein, ce niveau 1 de Phoenix. Ça marche sur le canon à photon aussi. C'est... Ah oui, non, mais oui, ça c'est sûr. Mais c'est quand même. Mais tu touches moins de zone c'est... de monde, ouais, parce t'as moins de chances de toucher du monde. Ouais. Entre le splash et surtout, bah, c'est du poke en fait. C'est juste une auto-hit peut faire très très mal. Là, faut en placer plusieurs tu vois, pour bien poker. Et c'est pas, il peut pas forcément en placer 50. Hein. Clairement. En attendant, les niveaux 4 qui sont récupérés. Légère avance pour les Genji en termes de paiement. On est quasiment à égalité. Hein. Ça, très très équilibré ce début de partie. Attention, Wubi, ça va aller. Et Rizet, hein. Voilà, qui prend les trades hein, sur Snitch. Je pense vraiment que c'est pour ça, hein, ce niveau 1. La vitesse de déplacement après le shield, attention Wubi. Il y a Rizet qui a TP in. Ils veulent tuer Wubi. Ils veulent tuer Wubi. Et ils ont tué Wubi. Wubi, on l'avait dit, il va mourir de toute façon avec son Leoric dans cette game. C'est certain, ils vont vouloir le cut, ils vont le couper les rotations. Par contre, on a perdu des gemmes. On a perdu beaucoup de gemmes en tuant Wubi. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur. Parce qu'on a perdu quoi Il a perdu quoi? Une vingtaine de gemmes là-dessus? Non, ouais, peut-être pas une vingtaine, ils ont une dizaine. Ce qu'il fallait bot, hein, les Genji en plus. C'est assez serré, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gemmes côté d'Initas, comme tu dis. Il n'y a que 8 gemmes. Attention. Il n'y a que Johanna qui peut aller récupérer ses gemmes. Et là, elle peut même pas, parce que justement, elle va se faire punir si elle y va. Du coup, on perd juste une gemme, ça va. Juste une gemme qui a été perdue. Ouais, en attendant, Wubi qui va remettre la pression. Poilk qui reste un petit peu bot. Rich qui va mettre un peu de pression. Poilk, tout à l'heure, c'est dommage. Oh. Hein, s'il avait réussi le one shot, c'est bien de la part de Jay, ça. Ouais, bien senti, bien anticipé. Parce qu'en plus, Poilk avec Chromie, on parle. Souvent, mais il faut le redire à chaque fois qu'on la voit, c'est beaucoup de mind game terre. Ça, c'était vraiment bien tenté ce qu'il a fait. Le combo, c'était très intelligent. Il a combo derrière Rich. En cas où, si Rich se dit oh là, il est en train de me pré-shot, faut que je dodge. Et heureusement, Rich n'a pas essayé de dodge, sinon, on aurait pu le tuer. Parce que c'est vraiment important avec Chromie. Hein. Il faut anticiper ce que va faire l'adversaire. Dans une game comme ça, tu dois anticiper ce qu'il va anticiper, ce qu'il anticipe. C'est là où Reset, je trouvais que c'était un génie justement quand il jouait Chromie parce qu'il. Il était dans la tête de tout le monde en fait. Ah, c'est important, il faut être dans la tête de l'adversaire. Hein. C'est vraiment ça, la force de Chromie.
Après, on aura le contrôle de la vision hein, qui est très forte, Chromie, sur cette carte. Pour ça, niveau 1 plus les sabliers pour contrôler les hôtels. Mais premier paiement malgré tout pour les Gen.G eSports et les hard camps qui vont être réalisés par les deux équipes. Très légère avance pour Gen.G eSports. Et du coup, premier paiement, il va falloir le défendre efficacement. Il est pas capped côté Dig. Je crois qu'ils attendent un peu. Ils attendent que les araignées arrivent pour l'avoir en défense. Ouais. C'est ça, tu l'as en défense. T'as tes tours qui défendent le hard camp. Plus après, ton hard camp aussi qui va défendre le leur. Et ça va s'inverser. Hein, la puissance va s'inverser, par contre t'as le paiement. T'as le paiement qui peut faire très mal. Attention, Jay, ça va aller, le bon burst de Chromie. La Galva pour esquiver le root. Pendant ce temps, Léoric Maltel sur la botlane. Genji qui va venir renforcer. Genji dans ses phases de jeu, il sert un peu à rien. Hein. Il a rien en dépush, bien entendu. Il faut qu'il arrive à trouver des points de pression. C'est ça, du coup il va mettre justement cette pression sur le Maltel. Potentiellement même un kill, hein, Kyosha, ça va aller. Voilà, le faire reculer, comme ça il peut pas accompagner ses araignées, comme ça les araignées elles perdent en intérêt. Attention quand même du coup à TST. C'est top lane au final que par contre Phoenix est en train de tout casser. Il a dit ici c'est ailleurs. Le Maltel est vraiment pas mal ici parce que le DPS des Dignitas. Oh. Ah, c'était une feinte. C'était super de la part de Genji. Ça va être un kill probablement sur Wubi. Oh, ils ont feinté. Qu'est-ce que c'est malin. Mais ils sont bons. Ils anticipent tellement. Là ils se disent eh vas-y Kyosha, fais le jambon là. À patte, fais la chèvre. Fais la chèvre, vas-y. Et ils se disent, c'est bon, on peut y aller. Le Genji il doit être impactant. Il rentre dedans et là, t'as deux mecs en fait qui t'attendent. Et il y a la police. Il y a la police et interpellation instantanée. Même si le Uther est en face. Directement, punition sur Wubi. Et pendant ce temps, Léoric qui remeurt. Il a été tué à la sortie. Snitch qui est caché. Allez, en attendant, ils ont perdu le T1 top. Et du coup, il y a un peu plus d'un niveau d'avance. Yodis qui est là, présent. C'est très dur pour l'instant pour les Dignitas. Ah, surtout Genji, voilà. Genji, t'es justement là pour empêcher les paiements. Là, il n'arrive pas. Enfin, après, Snitch, c'est pas le genre de Genji sneaky. C'est souvent un Genji qui tweet beaucoup, qui met beaucoup de dégâts. Il rentre énormément de dégâts et il finit extrêmement bien les cibles. Ouais, mais il avait fait un super taf, notamment. Enfin, il avait fait un super taf, je trouvais, dans les phases. C'était Tempostorm. Ouais, aussi. Non, mais sur Volskaya, mais sur Spider Queen, la dernière fois, c'était Tempostorm, je crois. Où ils avaient. Contrôler à chaque fois justement la gestion de la carte, les empêcher tout simplement de se mouvoir et anticiper toutes les décales. Et là, malheureusement, il perd du terrain. Et s'il perd du terrain, son pick perd beaucoup en impact. Et on retrouve le Genji qui perd énormément du coup. Tu peux même dire qu'il sert presque à rien, justement. C'est ça, s'il a pas cet impact. Parce qu'il a pas de wave clear. C'est ça. Hein. Et du coup, si un pick comme ça ne sert à rien, c'est un 4v6. Hein. C'est. Là, tu peux pas avoir un pic qui sert à rien dans un match avec autant d'enjeux. Attention, Reset qui a perdu beaucoup de PV et le combo de Chromie. Ils vont vouloir contest malgré l'absence du 10. Eh oui, parce que là, sinon, faut mettre de la pression, hein, même s'ils peuvent pas forcément le contest à 100%. Attention, le go-in sur Kyosha, hein, le combo. Plus boss, hein, quand même. Oh, la flèche superbe. Le taunt de TST. La Galva qui a été mise. La purif. Ah, derrière Snitch qui est pas bien. Snitch. Et derrière on a l'extrême onction qui vient sécuriser skill. Oh là là, cette flèche superbe. TST qui va à pied presque pour aller taunt. Et pourtant Jay a été vraiment très très rapide hein, sur la Galva. Mais ça ne suffira pas. Il pouvait rien faire malheureusement Snitch là dessus Il n'y a pas le divine. Il n'y a pas le divine. Le saut qui a été lancé quand même, hein, mais c'était pas suffisant. Le E qui avait été utilisé en E-in, je suppose, on n'avait pas vu. Ouais, probablement pour des push. Hein. Le niveau 4, très souvent, tu veux l'utiliser pour des push. Et ils l'ont vu. Du coup, tu E-in pour des push. En tout cas, là, faut vraiment défendre les T2. Là, c'est dur. Hein. Deux levels ennemis. Là, ils avaient été à ça d'avoir le 10 et le divine. S'il passe, Genji s'en sort. Hein. Ouais, mais c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Bon, c'est mal commencé. Oui, c'est pas terminé, mais contre Genji, attention, parce que on les a vus hein, galérer, tu vois, Genji, à revenir dans la partie. Mais par contre, quand ils sont devant, après, on les a vus une final fois. Winner, une ouais, fois. Enfin, demi-finale winner sur Comté du Dragon où ils étaient devant et. Voilà, c'est ça, c'est une fois, c'est arrivé une galéré. Fois et c'était contre Dignitas. Ouais. Une seule fois. Allez, en attendant, côté Dig, le Genji qui va reprendre sa position top. Le loop 1-2 Chromie. C'est très fort le loop de Chromie contre Malfurion, puisque Malfurion bah, il a pas la purif, on le rappelle, c'est une purif au moment du contrôle. Vous pouvez pas pré-purif quelqu'un. Du coup c'est très très fort contre Malfurion. Et pour le moment bah, ils sont derrière hein, donc on peut dire c'est juste leur lit hein, qui a été très très bien le début de partie très bien négocié par les Coréens. Ce qui fait que c'est plus compliqué pour Dignitas ensuite de faire parler sa compo. Et c'est là normalement où le Genji a cet impact, c'est surtout sur leur lit où il doit avoir ce travail de vision et de détail avec ses shurikens. Attention, Wubi qui offrait la vision. On va tomber le sablier. Ah, il l'a pas eu.
C'est pas grave, ils vont le laisser, hein. On part rentrer, on sait, on a l'information. Le combo c'est bien joué sur Reach. TSI qui a pris le Q-spell. Et on va récupérer le hardcamp, double hardcamp, ils vont siège, hein. Ouais, ils vont siège. Un talent d'avance. Et c'est, y a pas beaucoup de dépouches, hein. C'est une Chromie, une Johanna. Et après le reste, c'est assez compliqué d'aller au wave clear. Ah, le T2 là, il va prendre très très cher. Double hardcamp. Oh, il n'y a pas le double armure, hein, bien sûr. Là, c'est 3 levels d'avance en plus, ce qui fait qu'ils peuvent prendre une fight quand ils veulent les Gen V. Du coup, Dignitas qui doit laisser ce T2. Attention, la salle de purification de claquer. Stitch qui a mis le deflect. Voilà, le T2 qui tombe. Surtout que la salve est bien contre Uther, hein, parce que Uther, c'est mono-cible. Ah, c'était deux qui étaient impossibles à défendre. Impossible à défendre. Et c'est dur parce que là, ils ont envie d'attendre le 13, mais ils auront pas le temps en fait. Ils vont peut-être devoir fight avant en fait. Parce que là, ça sera peut-être déjà trop tard au niveau 13. Parce qu'il y aura des gemmes, hein, bientôt côté Gen Z. Une fois qu'il y aura les gemmes, il y aura le 16 aussi qui va tomber. Et à partir de là, il y a quasiment plus de comeback possible. Donc il faut absolument trouver vraiment une faille. Après, ils peuvent, hein, sur un bon loop. Il n'y a pas de protection, hein, du côté de Malph. Il faut qu'il tente un loop. Sur Anzo, Phoenix, Phoenix peut s'en sortir. Anzo, ce serait la cible. Parce que au final, tout le monde a pris un truc anti-loop. Maltai, il a pris la Purifo 13. Bah, l'Ice Block, évidemment, pour Malfurion. Phoenix, il a son E. Garrosh, il a son 164. Donc c'est plutôt Anzo qu'il faudrait prendre pour cible. Après, si jamais il y en a un qui a claqué, c'est le loop. Hein. Le gros problème, c'est que Anzo est très souvent derrière. C'est lui qui est le plus derrière avec Malfurion. C'est un carry très safe. Hein. Et là, voilà, hein, les gemmes qui commencent à tomber. Il leur manque 6 gemmes. Deux vagues de minions. Attention, ça c'est bien. L'incensi qui a été mise. Kyosha qui est pas bien. Attention, le loop sur Kyosha. Le Dimanshin qui a été mis sur le Genji. Kyosha, ça va tomber peut-être. L'extrême onction de mise. Mais pas assez. Kyosha, là c'est bien, c'est le kill. La tranquille qui n'a pas suffi. Attention, la flèche 2. Ça va être un kill sur l'Euric. Jay. Il sait qu'il est mort. Devrait tomber là-dessus. C'est un 2 pour 1. Mais après, avec 3 niveaux de retard, attention pour elle par contre. Oh le combo. Et on lui balance un phoenix dans la tronche. Ça va faire mal, un dragoon dans la tête. Et du coup, ça va être le kill. 3 pour 1 pour les Genji Esports là-dessus. Poil qui tombe. Mais ils tentent pas le corps, sinon ils auraient déjà été sur le corps. Ils auraient laissé Malfurion. Ils se seraient positionnés, ouais. Ah, ils vont prendre ils le T2 bot. C'est pas mal ça ce que fait Snitch. Il essaye de mettre de la pression sur Rich. Mille flèches. Qu'aurait été deflect. Et le T2 va tomber bot. Et ils pourront payer derrière. Ouais, c'est là. Et là, c'est Spément qui va faire très mal. Hein. Là, Spément, c'est quasiment la game. Ah, il fallait tenter côté Digg. Hein. Il fallait tenter. Et cette tranquille, hein, Saké, qui tient ce Maltel jusqu'au bout, jusqu'à la limite, jusqu'au point de rupture. Et il est mort, mais il a tellement temporisé. On a tout forcé. Divine Shield loupe tout sur lui. Et finalement, du côté de Dignitas, c'est boss en plus. Hein. C'est boss plus araignée. Du côté de Genji. Ouais, là c'est. Et ils vont devoir le jouer, ils vont devoir contester. Il faut all-in. Oh, il bait. C'est la vision. Ah non, il y a la vision. Attends, ils veulent mid. Non, ils vont le lâcher. Attends, Maltel peut-être. L'engage sur Maltel. Ah, dommage. Ah, ils ont plus de vision. Ils avaient utilisé pour le boss. Et il flanque, ça flanque. Attention. C'est pas mal. Le bouclier sacré. Oh, super Vincenzi de Kyosha. La salve qui est mise, la flèche 2. La salve sur deux personnes, le taunt il est pas mal. Le deflect qui a mis la tranquillité pour tenir tout le monde, pour pas de risque. Divine Shield demi sur Uther et le combo qui a passé sur Rich. Mais il y a la tranquille, Saké qui tient tout le monde et le kill de récupérer sur Chromie. Très propre, et Reset qui va pouvoir aller chercher. Eh bien la victoire pour Genji Esports qui va du coup avoir 3 balles de match dans cette finale pour Genji Esports. Le deflect qui a mis et le kill de récupérer sur Genji. Attention Ubi, ça va être le finish, le kill, voilà, c'est le full team de récupérer par les Genji. Et du coup 3-1 pour les Coréens. Dignitas qui va devoir sauver 3 games pour pouvoir potentiellement être champion du monde. Ça va être très dur hein, là, clairement. 3 balles de match pour les Genji. Alors je pense qu'on verra plus de Genji probablement. Il faut arrêter. Le niveau en face est tellement élevé. Snitch, il est pas mauvais dessus mais. Je veux dire, t'as quand même du SCSI qui a pas fait gagner, ouais, qui a pas fait gagner Genji. Non, mais en plus de ça, faut être vraiment excellent dessus. Ils ont l'air d'aimer Garrosh en plus, hein, bien Genji. Sûr, bien donc, sûr. Au final, pourquoi essayer de jouer Genji? Pourquoi rester sur ce truc? Peut-être que tu peux exploiter ça. Si t'arrives à enlever Johanna, tu es forcé à jouer Garrosh, peut-être que tu peux justement exploiter le fait qu'il joue beaucoup trop Garrosh. Mais même, tu veux la vision. Parce que en vrai, ce pic, il est pas en mode oui, Genji va tuer tout le monde et tout. C'est vraiment un pic vision plutôt pour côté Dignitas.
En attendant, on est sur justement le dernier game potentiel. Alors il y aura pas de, il y aura pas. Alors je vais mettre parce que le problème c'est que les clean feed est complètement décédé. Donc on va pas perdre de temps et on va aller tout de suite justement sur le draft. Du coup côté Dignitas, je te laisse présenter un petit peu le draft, mon cher TR. Du côté des Dignitas, on a first ban Tassadar. D'autre côté on ban Stitches, first ban Stitches. Malgré c'est exceptionnel. Ouais. JPL qui a mis une telle pression. Qu'on lui banne son tank, First Pick Malfurion, Johanna Blaze côté Genji, et surtout, ça c'est très intéressant, c'est un peu, et c'est exactement ce qu'a fait Genji, où on récupère Hanzo et Jaina en même temps, parce que Jaina va aller probablement se faire ban, hein, tout simplement, parce que Jaina en ce moment c'est la king, hein, la king des mages. La reine, non, mais la c'est queen. Vrai, entre Hanzo et Jaina à l'heure actuelle sont extrêmement contestés. Je me demande même si on voit pas plus de ban Jaina. Premier Karazim de cette. On l'attend. Moi je l'attendais avant parce que Sakiel a beaucoup joué sur ces derniers jours. En attendant, Hanzo hein, du côté de Poalk, côté d'Initas, il a pas eu l'impact hein, qu'ont les Coréens dessus. C'est dur, très dur Hanzo à jouer. Il est bon, attention, hein, il est bon. Mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, Hanzo, il faut être exceptionnel dessus. Si tu veux vraiment transcender. Tu peux être bon, c'est bien aussi, oui, mais. Voilà, t'as le niveau de reach. En fait, le problème c'est que si tu piques le héros pour le deny. T'as besoin quand même d'être un minimum très fort dessus. C'est là la force vraiment de Dignitas, c'est qu'ils ont coupé le Hanzo de Reach quoi. C'est vraiment le point Attention, important. Par contre, excuse-moi hein, mais Dragonshire, tu sais à quoi je pense? Oui. Surtout avec un Karazim de récupérer avant. Karazim, en plus on a la Johanna, le Blaze, on a de quoi pile. On pourrait probablement voir ce super assassin, le meilleur assassin du jeu, le meilleur auto-hitter du jeu, qui s'appelle Sergent Hammer, Sergent Marteau. Du coup, côté d'Initas, Diablo et vu qu'il n'y a pas de Stitches, ça serait peut-être le moment. Ah, je le sens pas du tout. Après, Hanzo... C'est la map où ils adorent cette saloperie. Hanzo, en plus, il peut quand même poker cette Hammer. Jaina peut aussi avec ce level 1. Le problème c'est qu'il y a tellement de peeling côté Genji. Diablo c'est pas si ouf que ça pour aller le chercher. Diaka c'est pas mal. Diaka c'est bien. Très bien. Diaka c'est bien. Ah ils hésitent. Oh là 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 là. Oh alors pourquoi pas ça. On nous montre Reach. Pas ça. S'il te plaît autre chose. J'en ai parlé 3 mal de match. Ça veut dire potentiellement pas une cartouche. Pas de ça s'il te plaît. Genji. Pas ça. Il boit de l'eau, c'est mauvais signe. Non. Sakiel qui dit t'inquiète pas, je te donnerai de la move speed. Elle sortirait très bien. Et là ça hésite. Hein. Mais ils la veulent, hein, mais ils hésitent parce qu'il y a des AK peut-être. Ça reste une balle de match aussi, tu vois, il y a quand même des réponses, c'est vrai. Même si c'est pas les meilleures réponses. Mais ils ont 3 balles de match. Et le bad stitches aussi. Non mais ils ont 3 balles de match, mon gars. C'est pas une balle de match. Ah, Chromie, c'est bon. Chromie. Ah ça c'est bien pour Dig, c'est excellent. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah c'est même excellent. Oh, je voyais Hammer, je voyais vraiment Hammer ici. Hanzo est très bon contre Chromie, moi je trouve. Ah, il a ses armes. Il a ses armes, c'est clair. Mais moi je voyais Hammer aussi. Mais en fait, c'est Diaka, je pense, qui a peut-être. Ouais, peut-être perturbé. Ils ont beaucoup hésité. Hein. Parce que, en fait, certes, tu peux siège, mais t'as potentiellement un 5v4 en fait, qui peut arriver très rapidement. J'ai eu très peur. Mais Chromie, ça reste fort. Attention, on n'est pas en mode. Ça reste très fort. Hein, non, ça. Mais. Malga, imagine, ils sortent Hammer et ils perdent avec. Oui, ça c'est cool. On voir ce côté-là aussi. Oui, non, mais moi j'ai là, peur. Là, c'est la cartouche qui passe pas. Ah non, ils ont montré un truc vraiment exceptionnel dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé la Hammer beaucoup trop chaude contre Tempest. Mais même Tempest, hein, ça les a ruinés. Ça les a détruits. Complètement détruits. Détruits. C'est oblitéré. Ils étaient, mais au fond derrière. Les pauvres, la troisième game sur Tower of Doom. Bon, bah. 2-0, 3 balles de match. Mais ce qui est bien, c'est que Dignitas l'a très bien senti, je trouve. Vraiment. Ouais, ils ont bien senti quand même. Et même le ban Stitches annoncé un petit peu. Et moi, j'aime bien le début de draft de Dignitas parce que, en fait, c'est les Genji qui avaient fait ça juste avant, sur la première game justement, où ils avaient récupéré la Jaina et le Hanzo. Mais d'un côté, si tu y réfléchis, c'est Dignitas qui profite plus à faire ça oui, bien que sûr. Les Genji parce que justement, le Hanzo, t'as envie de le retirer du côté des mains de Reach. C'est sûr. Et la Jaina, elle est là. Elle marche très bien dans les mains de poil aussi. D'ailleurs, on va voir. Mais du coup, c'est Snitch qui va jouer Hanzo. Oui, ça devrait être Snitch sur Hanzo. C'est pas mal aussi. Je pense qu'il est meilleur que Poil, tu penses? Non, je sais pas, parce que Poil qui est excellent quand même. Le problème, c'est que Snitch, c'est un peu comme Genji. C'est-à-dire que sur Genji, il a été très bon. Après, mais tu vois, il faut plus être très bon avec ce perso. Je peux pas te laisser dire ça parce que
Hanzo, c'est quand même très fort, même si t'es solide dessus, t'as de l'utilité. Ouais, tu vois ah oui, mais à ce niveau-là, c'est plus de l'utilité qu'il faut. C'est... Non, mais en fait, le point important, c'est si t'es excellent, si t'es un génie avec Hanzo, c'est trop fort. Le perso est trop fort. Beaucoup trop fort. Mais ça veut pas dire que si t'es bon avec, t'as pas d'utilité. Alors que Genji. Oui, c'est sûr. Alors là, avec Genji, si t'es pas un god, tu sers à rien. Oui, bien sûr, mais on a vu Poil, tu vois, jouer des Hanzo plutôt bons, plutôt efficaces. Mais pas assez pour vraiment faire peur en Mais c'est pas lui, c'est pas lui, tu vois, qui fait lose la game, tu vois. Oui, enfin, c'est non, bien sûr, c'est juste que Rich est tellement fort sur ce perso, c'est sûr, en fait. C'est sûr. C'est comme SCSI, tu vois, tu veux pas lui laisser. C'est sûr, en tout cas, on est parti. Genji Esports qui mène 3-1. On est à pas grand chose de voir le sacre de champion du monde pour les Genji Esports. Et je vais te laisser. Je vais présenter Dignitas, comme ça tu présenteras les Genji. Côté Dignitas, champion d'Europe et champion d'Occident en titre, Zaelia. Qui jouera Malfurion Stitch sur Hanzo, Poilk sur Jaina, JPL sur Diablo et enfin Wubi que l'on retrouvera sur son DAK. Et du côté des Genji, alors j'ai pas vu qui jouait Chromie, mais c'est assez intéressant. Kyocha sur Blaze, TST sur Johanna, Reset sur Chromie, bah oui évidemment, Ridge sur Phoenix et attention première agression sur Jay, attention Jay qui va essayer de s'en sortir, c'est le premier sang, ça va être le premier sang. Et Diablo, j'ai peur aussi. Hein. Diablo, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Diablo qui a un winrate absolument catastrophique le sur ces Worlds. Peut-être qu'il a été forcé parce que potentiellement il a meurt ou quoi. Il y a de ça aussi. Mais du coup, Reset sur Chromie, moi ça me fait plaisir. Parce que je te le dis, je t'en parlais. Hein. Je trouve que Reset, il rentre dans la tête des gens et il vise extrêmement bien. Il anticipe tous les déplacements ennemis. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai oublié de présenter quelqu'un, c'est Sake, je pense, sur Karazim. Ouais, sur Karazim, en tout cas. Du côté des Dignitas, au niveau des talents, on a la régène sur le niveau 1. Et du côté de Genji, on est resté malgré tout sur l'auto-attaque. On a choisi justement de ne pas partir sur l'explosion du Z, tout simplement, oui, sur Phoenix. Oui, encore une fois. Encore une fois, bon après ça a très bien fonctionné la partie d'avant. Et là en même temps, t'as un Diablo. Hein. T'as pas envie d'auto-hit le Diablo, Malga. C'est clair. T'as plus justement envie d'avoir ce DPS constant, pouvoir justement gagner des duels. Parce que là, stacker ton autre niveau 1 sans Phoenix me paraît un peu compliqué. Ah, alors qu'on va pouvoir récupérer le son, ça c'est bon signe. Du coup, on le rappelle, hein, mais les joueurs vont devoir être très très chaud, mon cher TR, sachant que du coup, Dignitas contre les joueurs de Genji, légère avance d'XP pour les Coréens. Ouais, et on a vu Reset hein, sur la botlane qui est déjà en train de poker Snitch constamment. Reset qui met une énorme pression, et puis ses auto-hits aussi, hein, qui sont très très fortes contre Hanzo. Oh, le hardcamp envoyé. Oh, c'est très rapide. Hardcamp envoyé à 2 minutes de jeu. Ça va passer. Dignitas qui fait son propre hardcamp. Ça va faire mal sur la bataille, ça va faire très mal. Surtout que. On a Jaina qui est sur la top lane, donc on n'a pas de wave clear sur cette bot lane. Allez, en tout cas, c'est bon, on a le son, c'est parfait. D'ailleurs, on veut pas le Ok, c'est bon. Du coup, on a le son, c'est parfait. Ça a été laborieux. Du coup, côté Dignitas, on va faire le hardcamp de leur côté. Genji va prendre le neutre. Donc, c'est. Rotation plutôt à l'avantage de Genji. Parce qu'ils pourront faire leur camp après. Et Blaze, pendant ce temps, qui récupère le point top. Ouais, et surtout qu'un Blaze, ça dépouche quand même très très bien. On va mettre Jaina bot hein, pour wave clear ce hardcamp, je pense. Quoique Poil qui a envie de rester. Et ils avaient envie de tuer Rich. On voit pas sur la mid lane, mais Rich qui s'est fait attraper. Dommage. TST qui a fait une très bonne protection aussi. Hein. Très très bonne protection de TST. Ah, c'est dommage, on a pas vu au même moment le 4 heures à bouger. Ouais. Il voulait pas effet. Non. Donc, censure la violence, bien entendu. Un cadreur pacifique. Du coup, le wall bot qui a dû prendre. Ouais, le wall tour. Qui a pris cher. Et la deuxième qui a failli prendre très très cher. Et sur la top lane, le hardcamp qui est en train d'être dépouche par Phoenix, il fera pas grand chose sur Hardcamp. Phoenix qui a fait une très bonne rotation. Attendant côté. Mais ouais. Ouais, c'est... Sinon, c'est du classique hein, en termes de talent côté Genji. Mais ouais, c'est étonnant pour le niveau 1 de Phoenix. C'est parce qu'il y a un Diablo en fait. Ouais, c'est possible. T'as pas envie aussi. De. Pareil, ouais, c'est pareil. Coup Diablo, je te tweet. Justement, il route, il peut pas. Oh, ça passe. Allez, ça va aller. TST qui met une telle pression à chaque fois qu'il se fait engage entre les blinds, entre. Heureusement, parce que là. Ça tombe très très vite un hein, Phoenix. En tout cas, Rich
il se fait focus. On a envie de reprendre. Oh, reset. Attention, c'est bien, oh, ça, ça c'est bien. Premier kill pour les Nittas. Un PV. Oh, le duel, le bait de Snitch, hein, a rien du tout. Ah. J'espère que le clean sweep. Non, non, non. En plus, on entend le son. Ah non, c'est... Ah non, c'est ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. La game est en pause, du coup. Ouais, il y a une pause. Il y a une pause. Petite pause technique. On se relâche, on se relaxe, côté Zinitas. On le rappelle, un bal de match pour les joueurs de Ligue 2. J'ai flippé ma mère que ce soit encore. Oui, clic. Bah oui, le depuis tout à l'heure, j'essaye de meubler, mais je suis sous le bureau, on va dire. Il transpire, hein, il transpire. Mais là, c'est. Bah, Dignitas, c'est quand même leur map, là. Hein. Drake, il y a de l'espoir, Malga. C'est très très dur pour Dig. Mais j'y crois parce qu'on est quand même sur Dragonshire et Dignitas qui est excellent sur Dragon Slam Map, là, après, a pu jouer en HGCU, il me semble. Moi j'avoue que j'aime pas cette situation scénario parce que c'est 3 balles de match à sauver, ça va être. Ouais, ça va être. Bah, c'est très très compliqué, hein. Surtout ouais. Contre Genji. Ouais, ouais, c'est pour ça que je te disais que gagner justement deux games d'affilée, c'était vraiment vraiment important pour Dignitas. Soit tu prends la première, soit tu retournes complètement la situation, tu gagnes deux d'affilée. Et là, ça va être compliqué. Moi je pense qu'ils vont mettre cette map. Du coup, ouais, peut-être. Ouais, je sens bien sur cette. Après, map. Moi, j'ai du mal avec Diablo, tu vois. Alors, le Diablo. Il y a eu un ban BOE ou pas? Oui, oui, ban BOE, ouais. Ban BOE, c'est bon. C'était donc, Braxis et BOE, je pense. Valmody. Non, Valmody. Valmody. Braxis Open. Braxis Open. Alors, ça peut être bon pour Dig. Hein. D'un autre côté, à chaque fois qu'on se dit, ouais, ils la ban parce qu'ils veulent pas. Mais c'est vrai qu'ils pourraient la jouer. Bah ouais. Après, est-ce que. Mais non, mais quand t'es challenger. Quand oui, t'es... non, mais je suis d'accord Braxis, avec toi. Braxis, ça peut être une excellente map. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a cru ça, eh bien, ils étaient bons de. Rappelle-toi, Tempo. C'était contre Ballistix. Ouais, je suis bête. C'était contre Ballistix. Tempo qui avait vraiment, vraiment fait une superbe game sur Braxis. La seule fois qu'on a vu la map. Ils avaient pas perdu. Ils ont perdu, mais ouais. Ils ont fait un début. Mais ils avaient fait une super game, ouais. Et tu vois, c'est ça, il abanne tout le temps, mais ouais, attention que Chara qui va tag pendant ce temps. Et c'est Elia qui va tomber. La force de Karazim. En early comme ça, il peut faire très très mal à un Malfurion qui est désarmé, hein, qui est tout nu face au point de Karazim. Et on va repasser bot et on va mettre de la pression pendant que le dragon récupère tout sur la mid lane. Ah là, en plus on a... Ouais. C'est, oh. Moment, c'est le moment... Oui. Bid d'auto-attaque. Bah justement, c'est ce qu'on parlait, hein. Quand tu vois ce 4 là, t'es pas forcément obligé de partir sur un build full flamme. Que j'aime pas trop, hein. À part sur Volskaya où il avait été très bon côté Cattle. Non, sur Sanctuaire aussi. Attends, c'est Sanctuaire. Ouais, c'est Sanctuaire où ils avaient joué full sustain Cattle. D'ailleurs, on va voir Apo, hein, je pense. Hein. Apo contre aussi. Phoenix peut-être. Contre parce que ce qui manque à chaque fois, il leur manque un stun. Ouais, ouais. Genre, à chaque fois, il s'en sort après le combo. Même sur Chromie, ça peut être intéressant parce qu'elle a un temps de casting time. Bien joué le stun de Jay. Le route, il est bon de Zelia. Le suivi, Sake qui est pas bien. Bien joué de la part des dégâts. Attention, Ubi. Peut-être qu'il va un peu loin. Ça va aller, il avait les essences encore et on veut aller chercher Kyosha. Ils veulent aller chercher Kyosha. Wubi, le coup de langue, il est esquivé, mais le combo. Ah, dommage. Le combo de Chromie qui ne touchera pas Kyosha. Jake a voulu l'emplafonner. Et derrière, c'est Jake qui se retrouve bloqué. Ah, la dépendance. Oh, poil qui va tomber. Snitch qui prend le kill, ça c'est important. Mais du coup, Rich qui va le in, IC. Et derrière, en plus, il y aura le bunker, mais il va le prendre à la loyale. Et non, il va peut-être s'en sortir, Snitch. Ah, la salle. Ah, la salle. Oh, mais. Oh, il a annulé son propre ultime en fait, Rich. Et oui, du coup, il a pas voulu prendre de risque. Ouais. Après, il s'est peut-être dit, en ça plus, va partir. Faut savoir que vous pouvez, si vous faites un E out, le tir part quand même. Oui. On l'a vu tout à l'heure. Et du coup, même s'il est pendant la stase et que c'est terminé, l'ulti continue. Dans le bunker, je pense qu'il a dû essayer de faire la même et c'est pas passé. Parce que le. Oui. C'est un peu le même heureusement, état. Heureusement, ça, ouais. Parce que ça serait très très fort. Ouais, clairement. Ça serait très très fort. Mais là, oui, vu que l'ulti était déjà cast, il a perdu son CD complet. Hein. S'il était rentré pendant le cast, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Tempest l'a fait aussi. Attention, Ubi. Le coup de langue sur Rich. Après, ils sont loin, les Dignitas. Bien joué, bien joué cette alignation. Attention, la flèche. Oh, il avait anticipé. Oh là là, il avait pourtant anticipé. La nogivre. Attention, Poil qui a fait un très bon travail dans l'apocalypse. Le kill sur Johanna de récupérer. Attention, Zelia est aux prises avec deux Coréens. Zelia qui va probablement tomber, mais il a fait énormément de dégâts à Rich. Pourra pas faire plus. Après, heureusement, Diablo, on a le hardcamp, hein, ça compense aussi ce 1 pour 1. C'est très serré les teamfights. Ouais. Mais Dig, attention, hein. Dig, ils ont pas dit leur dernier mot. Mais on le rappelle, je pense, enfin, Dami l'avait fait côté contre Dignitas sur la finale winner. Hein. Moi, d'ailleurs, je sais même pas, enfin, j'avais oublié que c'était possible. C'est de E à out, sachant qu'il du coup, il disparaît de la map, mais l'ulti part quand même. Ouais. Je pense que vraiment Rich a essayé de faire pareil avec le bunker, donc ça marche pas avec le bunker. Logique, mais. Mais après, je pense qu'il a.
il s'est dit au cas où, tu vois. Mais en vrai, parce que quand un... bah, c'est ça. Et quand enfin, un mille flèches, il est mort. Hein. Ouais, ouais, ouais. Un très bon mille flèches, il peut mourir. Et hein. il respecte Snitch, hein, clairement. Exactement. Mais je voulais savoir, parce que ça se trouve, quand il a lancé, j'ai fait, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va partir? Et on a entendu le bruit du départ, mais ça a pas touché. En attendant, et c'est la première fois, je crois, qu'il part un autre givre, Poilk. Ils se disent, il faut combo. Hein. Je pense qu'il dit, il faut combo. Ouais, ouais, bah là on a Apo, hein, on a de quoi placer justement des combos, des gros combos. Même la flèche aussi, hein. Et le, flèche, en fait, flèche Apo. Et les CC hein, contre Phoenix, on sait que c'est très très fort. Tant qu'il n'y a pas le 16 de Karazim, les CC sont très très forts. C'est ça, le 16 qu'aura les. Le problème c'est qu'au 16 ça va retourner un peu le. Attention, le stun, bien joué! Malheureusement, oh, c'est. Oh la Galva, oh il s'avance plus Galva. Ah là 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 là, cette frappe, bien joué de la part des Gen.G eSports, cette attaque sur Diablo et qui passe, mon cher TR. Ah, c'est la force de. Les Coréens. Il joue tellement bien Karazim. Parce que Hyde est excellent, mais Saki aussi. Après, je trouve Hyde plus impressionnant, mais les deux jouent tellement bien ce perso. En attendant, il y a des combos. Hein. Flèche, Apocalypse, Anogir. Tu peux potentiellement retourner un fight. On se rappelle de Fnatic contre Method, qui était très loin derrière. Et sur un Anogir qui avait relancé. Oh, dommage, l'alignation de Whoopie, qui était tentée sur TST. On a voulu surprendre, essayer de burst quelqu'un. Et ça passera pas. Et attention, Malfuron. Ok, ça va aller. Le route. Pour zoner. Ouais, c'est. C'est très très dur. Oh, oh le loop, le loop est parfait. Il est mort, il est mort, Snitch. Ouais, le one shot qui tombe. Voilà, trop pourquoi, avancé. Voilà pourquoi le loop est fort. Hein. Oui, le sable c'est très fort aussi, mais le loop permet justement de casser les rotations de quelqu'un. Quelqu'un qui est en retard instantanément sur sa team. Et c'est un malf en face. Hein. Et c'est un malf en face. Ah oui, hein. Non mais parfois, c'est... en pure teamfight, le loop n'a pas forcément d'intérêt, même s'il n'y a pas de cleans. Mais là, en fait, sur les rotations, c'est trop fort. Si le mec reste. 2 secondes trop tôt, il se fait loop et forcément bah il est mort. Il est tout simplement mort. En attendant, les Dignitas qui vont devoir défendre bot. Pression de mise hein, par les Gen.G bien entendu. On va vouloir assiéger le T2. Ils ont Phoenix. On le rappelle hein, ce niveau 1 fonctionne en siège aussi hein, du côté de Reach. Attention la flèche, elle est jolie, flèche 2, l'apocalypse. C'est super, mais voilà. On le disait, le combo qui passe. 2 kills instant pour Dignitas. Super silence de Zelia. Voilà le combo qui pouvait passer. Et il a été fait. Attention, on essaye de virer Poilk pour enlever les dégâts. Kyosha est derrière. Ils veulent aller chercher TSC aussi hein. Wubi qui se met en position, Kyosha qui va tomber, c'est certain. Voilà, c'est fait. Le coup de flèche, enfin la flèche qui est mise, TST, l'alignation sur la Galva, le bouclier sacré demi. Est-ce qu'on pourra l'attraper? Il y a les slows. Oh, le route qui passe. Super route. Et oh, il va tomber. TST qui va tomber. Voilà. Voilà égalité d'XP. On l'avait dit sur un bon combo. Et de c'est pas fini. Ça revient. Quelle flèche de Snitch qui prend la latérale ici, le flank. Super flèche sur les carries. Apocalypse instantané à nos givres. Et c'était le désespoir qui s'est emparé de Gen.G sur ce teamfight. Parfait, le combo de Dignitas. Très là, bien réalisé. On ouvre un peu hein, le wall. Attention, Wubi, mine de rien. Oh là là. Oh, il a raison. Il prend pas de risque. Oh, c'est. Égalité. Égalité quasi parfaite. C'était sublime, sublime. Juste sur ce teamfight. Ouais, ouais. Ils avaient quasiment deux niveaux de retard. Hein. Ils avaient quasiment deux niveaux de retard. Je suis persuadé que certains avaient déjà vu la victoire de Gen.G. Et non, non, les joueurs de Dignitas, on l'a dit, sur un bon combo, Fnatic avait fait la même exactement sur cette voie du bas. Et là, mais non, mais le flank de Snitch, se mettre en flank pour pas que le dragon prenne la flèche dans les dents. C'est eux qui passent superbe. Devant du coup, ils ont le contrôle de carte, attention à ce hard camp. Après un lapo, pas vu pour le moment. Voilà pourquoi lapo ça a manqué. Hein. Ah bien sûr. Le combo à peau flèche, hein, c'est tellement fort. Est-ce qu'ils vont vouloir le jouer? Est-ce qu'ils vont vouloir le jouer? Tout le monde est là. Attention, Snitch. Oh, le loop de Snitch. La purée, ça suffira pas. Il va se faire one shot. Le bunker. Cette frappe Kemi. Attention, l'anneau en sortie. Ah c'est dommage. Il a fait comme ouais. Mené. Il avait tenté, mais ça passe pas et du coup l'anneau ne touche pas. Attention, c'est pas mal ça, bien joué. Jay qui vient one shot, Jay grâce à sa charge dévastatrice, le 13 qui fait le café comme Breeze, et superbe Diablo de JPL, la charge dévastatrice que tout le monde disait fini, et bien là il les a emplafonnés complètement contre le mur, superbe. Il y a juste le niveau 4 où il a pris la sustain, mais sinon c'est à l'ancienne, superbe. Et Jaina aussi, hein, les Q-spell qui transperce aussi, hein, qu'on fait le café dans ce couloir. Clairement. Oh, c'est... Ça me manquait, hein, ce petit apocalypse. Hein. Et puis ce Diablo percussion. Mais oui, mais oui. On a marre de petites flammes, là. Donc, ça lèche. Non. Regardez, je crache du feu. Oh là là, boubou, tu veux voir le feu? Non, on veut de la percussion. Et voilà, il le met, Jay. Quelle finale de la part de notre Français.
Et du coup, attention, Wubi qui va décaler pour aller chercher le dragon. Un niveau d'avance pour les Dignitas. Et ça paraissait tellement compromis cette teamfight avec Snitch justement qui se fait catch. Je me suis dit, oh, c'est très très mal pour les Dig, et en fait pas du tout. Très tanky Jay, hein, très tanky avec son Diablo là, toutes les... Alors Jaina qui reste essences, bot, toutes les âmes. Jaina a un plan, je sais pas c'est quoi. Elle veut flank la Johanna. Oh c'est smart. Non non, elle va prendre avec XP, ils veulent juste saut. Ouais, ils veulent récupérer. Mais ils sont devant, un hein, niveau d'avance, ils peuvent en gratter plus. Je pensais justement à... Par exemple Johanna parfois se met un peu en flank. Et imagine Jaina qui arrive derrière, qui lui enlève sa Galva. Hop, punition sur... ça aurait pu être superbe de la part de Poilk. Attention, hein. du côté de Dignitas, un niveau d'avance, pas se faire surprendre parce que des deux côtés ça peut aller très vite. On l'a vu côté Dignitas. Et Jay, hein, très résistant, prend un full combo, it's ok. Après, attention, it's ok, guys. Le late game des digs est extrêmement puissant. Oh, oh il s'est fait cancel. Oh, superbe, superbe enchaînement. Attention, c'est pas terminé. Le bunker qui a été mis, Karazim qui tombe sous les coups, Poil qui est possédé avec sa Jaina. Jay, maintenant, chope-le-moi, chopez l'oiseau. C'est bon, on repart, le T2 qui va tomber. Les Dignitas qui n'ont pas dit leur dernier mot. Oh, promis. Il va chercher Rizet, ils vont l'avoir. Superbe. Maintenant, c'est le T2 qui tombe. Y'a Jaina, 3 kills de récupérer. Il faut smurk sur ce corps. Ils le corps, ils vont aller sur le corps, Malga. Il est contre le mur. Y'a le slow cat, le stun de Kyosha, on va le retourner. Concentré sur le corps, il faut aller sur le corps. Il est en route, hein. Côté Dignitas, ce coup de langue, c'est bien. Est-ce qu'on pourra tuer le silence de Zaelia? C'est le full team. Dignitas qui revient. A 3, 2, ils vont le faire. Et voilà, tout le monde qui mettait une idée, c'est terminé. Non, sur un bon combo, ça peut passer toujours. Et Dignitas qui vient le faire. Arrêtez ces Diablo flamèches de merde. Non, bah, là, Jay, superbe, sublime. Là, va falloir se battre pour le MVP. Est-ce qu'on met Snitch? Est-ce qu'on met Jay? Est-ce qu'on met Poil qui a été exceptionnel aussi? On met pas Snitch, je pense. Les flèches ont été sublimes. Je mettrai Jay. Moi, je mets Jay aussi. Hein, je mettrai Jay. Parce que même le fight bot, Snitch s'est fait détruire et c'est Jay qui a... Diablo à l'heure actuelle, c'est extrêmement dur. Ouais, c'est extrêmement dur à jouer. Beaucoup de Diablo ont tenté, beaucoup se sont fait punir. Et Jay, il a réussi à le passer contre Genji, donc c'est assez exceptionnel. Deux maps prises par Dignitas. Ah, les Genji qui doivent se sentir mal. C'est Ils super. Sont à une map de gagner, mais c'est super. Pas fini. Je sentais bien, Dragonshire, c'est la map. Non, mais c'est la map de Dignitas. Ouais, mais moi j'avais peur du jeu Diablo là. Dignitas de revenir, ils avaient quasiment deux niveaux de retard, hein. C'est un niveau et demi. Flèche superbe, trois personnes. Et il a pas le 16 encore. Il a pas encore le 16, Karazim. Du coup, il ne peut pas purifier sur ce combo. Parfait. La peau, la flèche part. Avant même qu'elle touche, la peau a déjà commencé à être incantée. Timing parfait, anogif parfait. Magnifique. Et là par exemple, l'anogive, il nous a fait une menée, c'est-à-dire que là très bien, hein, bien sûr le one shot qui part, TSI qui va rentrer dans le bunker, les 7 frappes qui vont se fermer, et là on va continuer. Là en fait, il s'est dit, si le bunker tombe, c'est l'anneau 4, enfin l'anneau 3 personnes, mais comme menée, c'est pas passé. Et là, on va voir tous les dégâts. Diablo qui combo trop bien. Poum. Et là derrière. Et le silence super de Zalia. Tu spell qui touche encore. Et Jay qui continue à les emplafonner tous. Poil qui a mis 50 Q spell. Les mecs, c'était des affiches pour lui. Sky Temple et Braxis. Ah, du coup, on aura peut-être pas de Braxis. Hein. Si personne a envie de la jouer. Si quelqu'un dans la pique, c'est Dig, je pense. Mais peut-être qu'ils sont pas envie non plus. Ah. Tu vois. Mais Sky Temple, Genji. En tout cas, c'est parti. Tower of Doom, First Ban, Genji, choix de map, Dignitas. Allez, il faut. Si she's ban ou pas. Il faut lever vos bras en l'air et donner de l'énergie au Dignitas. Balle de match pour les joueurs de Genji Esports. Nous sommes sur les tours du destin et c'est clairement le destin de Dignitas qui ban est en jeu. Abattur. C'est vrai que c'est la map d'abattur, hein, Tower of Doom. Clairement. C'est excellent là-dessus. On peut voir beaucoup de compositions à base d'abattur sur cette map. De tout genre en plus, hein, que ce soit défensif, macro ou all-in. Et Tracer qui va être ban par Dignitas. Malfurion, insta-lock. Hein. Insta-lock Malfurion. On essaie de repartir sur ses valeurs côté Genji. Le problème, c'est que Dignitas ne va pas les laisser faire. On va certainement récupérer le Hanzo pour les digs, je pense.
Après, on est sur Tower of Doom, mais Reach, il fait trop peur avec ce perso, il fait beaucoup trop peur. Ça serait en plus, enfin, non, on va pas penser ça. Du coup, côté Dinita, j'allais penser, j'allais dire un truc, honnêtement, Hanzo, c'est pas mal contre Hammer aussi, hein. Donc tu vois, d'un autre côté, tu t'enlèves son pic, tu contres un peu Hammer. C'est pas fou contre Hammer, mais il y a du poke, il y a potentiellement une flèche s'il rate sa safe place. Ouais, c'est ça. Donc Et les Coréens sur cette carte, que ce soit Ballistix qui a un petit peu amené cette tendance. Ah, Garrosh Hanzo. Blaze, ok, alors, ça alors, c'est très bien. Garrosh DAK. Ah non, quoique Yotcha joue pas trop DAK à l'heure actuelle. Et du coup, il le joue quand même. Donc quoi, tu fais Garrosh Hanzo. T'as pas forcément envie d'Hanzo contre Genji, donc Garrosh DAK. Ils ont Garrosh Hanzo tout à l'heure, hein, contre Genji. Hein. Ils s'en foutent, hein. Il y a la flèche aussi, hein. T'es sûr qu'ils avaient Hanzo? Bah si, sur Spider, ils avaient. Spider, c'était. Je crois pas Phoenix. Qu'il y avait Hanzo. Si, c'était Phoenix Hanzo. Sur Spider. C'était Phoenix Hanzo. J'en suis sûr parce qu'il a la flèche, il avait commencé, tu sais, il avait même tué Snitch sur une flèche. Sur la roue. Ah, c'est ça, donc du coup, bah, certainement Hanzo Garrosh. Et si on veut pas Hanzo, si on veut garder la cartouche, hein, pour les deux prochains picks, potentiellement le melee qui pourrait être DAK sur cette map qui est très fort. Après, on sait qu'il joue Léoric aussi, de toute façon, il joue un peu de tout. Après, on sait que côté Genji, ils peuvent tout à fait proposer Genji, hein, mais voilà Garrosh Hanzo. Voilà, Garrosh Hanzo. C'est pas l'issue qui a commencé avec Hanzo sur cette carte et Genji adore. Mais comme, hein, ils ont pris du... Toi, comme ils ont pris un peu de temps avant le lock, je me suis dit peut-être qu'ils vont récupérer un melee au lieu d'Hanzo. Mm-hmm. Peut-être qu'ils veulent tenter de changer justement, mais non, ils vont rester sur Lorenzo. Après, il a aussi perdu. Il a aussi perdu Lorenzo. Ils vont rester sur Lorenzo. C'est... Il a... Coucou à toi, Lorenzo, si tu nous entends. Lorenzo, oui. En tout cas. Ben, faut, moi, tu vois, je, par exemple, j'essaye de rire pour du mat décompressé. Côté Dinitas, je suis désolé, hein, pour les supporters de Genji, mais je suis 100% Dinitas ici. Côté Dinitas. Là, tu peux ban un solo liner, je pense, peut-être TAK ou Léo. Léoric est pas mal joué par eux. Hein. Il joue beaucoup Léoric, hein, Genji. Il me semble que c'est justement l'équipe qui l'a le plus joué sur ce MSP. Un héros qu'on voyait pas tant que ça, mine de rien. Et là, maintenant, il réapparaît pas mal parce que bah, il est un peu comme Blaze. C'est vrai. Un petit peu comme. Bah, il a ce rôle, hein, c'est ce rôle là. En tout cas, côté Dig. Et là, bah, je pense que c'est un solo laner. Je vois pas. À moins que tu bannes la cartouche. Ah, ça va être un bannier. Ouais, voilà, Léoric, t'en parlais. C'est bien parce que. Moi, je pensais à DAK parce que c'est le truc qu'on voit le plus souvent. Ouais. Mais si tu regardes les joueurs de Genji, ils jouent beaucoup Léoric. Donc, ça, c'est un très bon ban. Ah. On va casser la double rotation possible de Léoric. Blaze, c'est le king, hein, de la double rotation. Après, je vais essayer de valoriser ce pick Genji, malgré que je sois vraiment allergique. Ce qui peut être très intéressant, c'est que tu forces beaucoup de counters contre Genji. Et tu peux, du coup, par exemple, je pense Ben Jaina à la côté de Genji. Alors, et si jamais t'arrives à mettre. Parce que si c'est Snitch qui passe une sale game, genre il force trop de trucs sur lui, bah, il crée les espaces pour les autres. Et à ce moment-là, il faut que les autres, par contre, puissent détruire tout. Donc, pour ça. Ben... il fallait pas autre chose. Est-ce qu'il avait Blaze sur Jaina. Il avait Blaze ou pas? Non, il avait Léoric. Du coup, tu vois ce que je veux dire. Wubi avait Léoric. Là, on a Blaze avec Genji, ce qui fait que tu as un bunker. Déjà, tu renforces quand même sa tankiness. C'est intéressant. Tu pourrais l'ajouter d'un UTR, même si ça n'a pas du tout marché sur Spider Queen. Ah, non, voilà. C'est bien, ça c'est bien. Ça, oh, c'est bien. Les Ming. Ça, allez, c'est bien. Malgré le ban Jaina, Dinitas qui part sur Stukov et Li Ming. Donc, Poilk sur Li Ming, c'est bien. Parce que sur Jaina et sur Li Ming, il a été impressionnant. Et Stukov pour justement notre cher Zaelia. Alors là, c'est bien, c'est que t'as le bunker. Vraiment, ça change tellement beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est bien. Parce que justement, comme ça, tu dis, Genji contre Garrosh, tout ça, c'est chaud. Mais Li Ming, c'est très bien contre Garrosh. Et le bunker, il est en front lane. En plus. Tu dis que bah, ça renforce tous tes assassins mêlés. Genji, hein, qui peut vraiment aller dedans. Ça, c'est très très bien. Ça, et le très, silence très qui va pile, par exemple, en sortie de bunker. Et surtout, Poil qui est sur son meilleur mage. Probablement son meilleur mage. Même si sa Jaina a l'air vraiment, vraiment. Vraiment folle. Et tu verrais quoi, toi, en last pick pour... enfin, on va voir les deux picks de Genji, mais bah, peut-être en tank. Stitches. Stitches. Bon, après, avec Stukov, c'est pas forcément évident. Sa meilleure team. Et avec Stukov, c'est pas évident. Tu vois, Johanna. Avec... Johanna reste très forte. Ouais, Johanna est très très forte. Varian, hein. Murat... Pourquoi pas Varian en vrai. On va voir DAK. Ouais, DAK, il reste. DAK et Falstad pour Izzet. Ah, double global. Double ça, global, ça... côté Genji. Mais heureusement, t'as Genji, du coup. T'as un ETC slam pour compenser le global, ou alors tu veux Johanna pour la rota sinon. Non, pas ETC, t'as un Stukov comme support, t'as beaucoup de lock en face. Pour moi, c'est Muradin ou Johanna. Après, peut-être qu'il veut tenter un Stitches, hein. On sait que c'est un monstre avec. Oh, j'avais dit, Varian. Superbe. Varian, superbe.
Il va être bien, il va être Varian bien. Varian Liming en plus, hein. Attention. Ouais, hein. Ça fait très 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 mal. Hein. Ça fait très mal. Stukov, mais oui, Varian Stukov, c'est les Chinoises à qui jouaient ça. Dire, à la Chinoise. C'est les Chinois qui jouaient ça. C'est les Chinois, sauf que les Chinois prennent Tychus. Mais nous en Europe, c'est Liming. Là-dessus, Varian Stukov, les mecs vont être bloqués. Si vous regardez les HGC Chine, vous le savez, ça, vous connaissez ce combo. Varian, Into, Silence de Stukov, et là tu one-shot n'importe qui. C'est. Et Stukov qui est pas mauvais contre Garrosh non plus grâce à son silence. Et l'early. L'early va être très très strong hein, du côté d'Initas. Dès le niveau 4, le taunt, le moindre qui vient, pouf. Et en plus, Dig, leur force, c'est ça. Hein. Ils font des setups parfois de sneaky. Hein. Ils sont. Hop, ils font une petite décale parfaite, ils mettent un combo parfait sur, puis, sur la backlane ou même sur le Garrosh et ils le déboîtent. Puis il a été c'est la force de Dig, honnêtement. Et c'est, ça a été le meilleur variant de la compète. Et a été excellent, mais le meilleur variant de la compète, c'était Jay. Ouais, contre, il les a. C'est la game où ils ont détruit Genji. En fait, t'as le variant sur Spider, ça a été insane. T'as les gens qui jouent variant contre les équipes classiques et tout, et t'as l'autre qui sort ses picks contre la meilleure équipe du monde. C'est. Le Diablo qui passe très bien et le Variant qui passait aussi extrêmement bien. C'est quand même très très dur. Comme, c'est pour ça que je te dis que les drafts de Dig sont vraiment incroyables parce que c'est très dur de sortir des héros que tu vois nulle part. Ça veut dire qu'en fait, t'as un pool de héros. C'est-à-dire que t'as une très bonne créativité et t'imagines très bien aussi comment ça marche. Donc chapeau bas pour Dignitas. Bah, il a un pool de héros en plus. Il joue tout. Il y a une époque, rappelle-toi, il y a deux ans, il avait. C'était restreint. Au final, quoi. Je crois que c'est ETC qui joue le moins et le reste, il joue tout. En fait. C'est vrai qu'il joue un petit peu moins. Mais même du Tyrael, il est excellent sur Tyrael par exemple. Anub, très bon sur Anub. Muradin, bah, c'est lui qui. Quand... Stitchy, c'est lui qui l'a fait revenir sur le plan mondial. En fait, c'est vrai qu'il est très très flexible. Très flexible. Et c'était un de ses problèmes à une époque. C'était un de ses problèmes, on en avait parlé aussi. Et là, Diablo, maintenant... on l'avait pas trop vu, mais je crois que récemment, maintenant, son Diablo, il est. Il l'a très fort vite. Aussi. Bon, ouais. Je pense qu'on l'a vu sur Ryan avant, mais il l'a très vite domestiqué. Hein. Et c'est Brice qui avait commencé à jouer Diablo, et ensuite il a fait, bon bah, je vais m'y mettre aussi, et il a été excellent. Non, clairement. Il était même en train de talonner un peu Brice sur le Diablo, je trouve. Hein. Ça, c'est l'entraînement en Euroleague. Hein. Ah. Mais du coup. On va voir. Non mais Diablo en plus, hein. très impactant et il l'a eu cet impact tout à l'heure. Bon, 3-2 pour le moment pour Genji, on le rappelle, c'est une balle de match pour les Coréens, les champions du monde en titre qui vont peut-être conserver leur titre à l'issue de cette game. Mais ce qu'on veut, c'est que Dignitas revienne. En tout cas, on va retrouver les Genji avec Sakié. Non, tu présentes, je les ai gagnés en tout à l'heure. Ok, ouais. Alors on aura Sakié sur Malfurion, Rich sur Hanzo, TST sur Garrosh, Kyocha sur DAK. Et Reset sur Falstad. Ouais. Alors ça, j'adore. Ouais, Reset sur Falstad, hein, forcément. Alors, là, du coup, parce que justement, on les poussait un peu hors de leur pic. Mais Reset, là, pour une fois, ils jouent un pic et Woods. C'est un monstre, hein, récemment. C'était un monstre dessus. Alors que Reset, on le voyait un peu moins sur de la Jaina ou de la Chromie récemment. Donc là, c'est pas si mal, je trouve, pour Genji. Et du côté des Dignitas, on retrouvera Jay sur le Varian, Snitch sur le Genji, Zhelia sur Stukov, Poilk sur Liming et Wubi que l'on retrouvera sur Blaze. Et Jay qui a changé son niveau, hein, contrairement à hier, il a pas pris le Q-Spell ici, il a préféré prendre la parade. Alors la parade, au niveau 1, c'était le talent qu'on voyait beaucoup en Europe, mais il avait joué à la Corée, à l'Asiatique j'allais dire, avec son Varian en jouant Q-Spell au 1. Il a beaucoup hésité, donc c'est réfléchi hein, ici, parce que je pense qu'il hésitait entre les deux. Le Q-Spell offre énormément de choses supplémentaires. Mais la parade, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même deux auto-attaqueurs. Donc quand il va taunt quelqu'un, il peut justement utiliser cette parade pour marquer la frappe héroïque. Oh, attention, c'est une flèche. La frappe héroïque qui fait très très mal et qui reset à chaque auto-attaque lorsqu'il est en parade. En early, ça va aussi peut-être lui apporter un peu plus de burst en tout early game, tu vois, pour se rendre des combos avec Stukov. Moins de contrôle par contre, donc plus de difficulté de trouver des engages. Mais après, t'as Stukov qui slow t'as beaucoup. T'as Stukov, c'est ça, et tu as le Blaze, parce que peut-être que c'est l'idée. Vu que ça prend le slow plus fort, Stukov avec son D, enfin il fait ZD, ça slow énormément. Clairement. Et du coup, côté Dignitas, on a la vite de puissance. Côté Genji, Marksman, 1000 flèches, Q-Spell, bon, on est sur du classique et la régène au niveau 1 qu'on a beaucoup vu sur DAK sur SeaWorlds. On a vu le changement. Sanjay, 1000 flèches. Attention parce qu'avant le 4, il a eu peur, non, il a vu tout le monde. Il avait pas. Ils étaient que 3. Le silence, merci. C'est très bien. Et voilà le Stukov instantanément. Parce que même tant qu'il a pas le taunt, il a un énorme slow avec son E, hein, n'oublions pas. Et puis le slow Stukov burst Liming. Hein, c'est ça. Rich qui prend très cher, c'est bien ce que fait Snitch, c'est très bien. Et le route qui est raté. Très bien Snitch, beaucoup de pression dès l'early et on va y aller, voilà, une tour qui tombe pour les Dignitas. Premier sang, c'est propre du côté de Dig. Et on a le niveau 4 et là, regardez, il sort le bouclier et le taunt maintenant qui va pouvoir... T'imagines, il sort... Et là, double lame, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup...
Côté Thierry. Attention, le taunt, bien sûr. Parce que là, c'est un très bon trap, encore une fois. Il se doute pas du tout qu'il arrive en flanque. Ah, Rich. Ah, c'est vu par Rich. C'est sorti. Il a mis une flèche, le buisson. Il s'est dit, il y a personne là. Ah, il a et fait. Du coup, très bien. Ils sont là-bas. Très bien vu, très bien sorti. Mais du coup, les joueurs de Genji qui mettent de la pression. Hein. Attention à ce double global aussi, hein, qui pourra faire le travail. Il y a une énorme possibilité de gank. C'est aussi pour ça, hein, faut faire très attention au easy camp, hein, parce qu'ils peuvent invade très rapidement les Genji avec Diaka et Falstad. C'est un peu le problème, hein, finalement. Le seul gros problème pour l'instant en early game de Dignitas. Le misclick Twin Blade, bien entendu, en tout cas. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Tu as dit ça, il y a déjà eu des misclicks, hein. Il y a déjà eu quelques misclicks. Ça arrive même chez les pros, hein. On n'est pas à l'abri d'une erreur, mais pas ici. C'était arrivé à anti-héros, hein, lors des Crucible. Oh la vache, mais pas que lui, hein. Même dans CSMSB, il y a eu des... Oui. Et puis bah, justement, Crowen, hein, son niveau 7. C'était arrivé aussi, hein. Le Q-spell, reset Q-spell au niveau 7, au final, après, c'était ça, un misclick. Ah, il l'avait dit, oui, il l'avait dit que c'est un misclick. Parce que c'était pas si dégueu. Attention, le burst, et on a l'incensi qui est mise, reset. Prend le flanking, Jay. Oh, ça va aller. Attention, si, par contre, Jay, tant qu'il a reset. Pas le 10. Tant qu'il a pas le 10, ça va aller. Attention, Tiesti. Oh, les missiles de raté par Poilk. Wubi qui met le stun. Attention, il y a l'arrivée de Kyosha. Le coup de langue qui a passé. Mais il a utilisé son armure juste avant, c'est bien. Attention, le go-in. Q-spell qui est loupé, Jay qui va prendre très cher. Il a pas le 10, Jay, ça va tomber. Ouais, peut-être un petit peu trop entreprenant, Wubi. Du coup Jay veut suivre, du coup Jay tombe tant qu'il a pas... Oh, il a déjà stacké ou pas? Parce que là il y avait beaucoup de mille flèches, hein, non? Je sais pas. En vrai il doit pas être loin, hein. Si jamais c'est pas fait, il doit pas être lent parce qu'il en a mis des belles. Parce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mille flèches là sur la liming. Mais tant qu'il a pas les 10 stacks, tant qu'il a pas les... tant qu'il a pas le 10 Varian, il reste vulnérable, hein, bien entendu. Il n'a pas la parade 10. Après, il y a deux auto-attaquants, bah, donc il pourrait partir sur le... Ah, moi, je pense qu'il va repartir sur la même chose que l'autre fois. Ouais, sur le... Parce que s'il s'est habitué à jouer avec ça, tu vois. Ah, je pense qu'il joue les deux. Je pense qu'il joue les deux. Attention. Oh, le burst sur TST. TST qui est pas bien. TST qui est pas bien. Le silence, il est joli. Le stun, il est beau. Et là, est-ce qu'on pourra tuer Sake qui est pas bien? Le dans la mêlée, mais il va mourir. Les resets. Pour Poil, Sake qui est pas bien. Sake. Ça tient, Jay qui va sur Rich, le slow. Le taunt de Jay, il a ralenti le taunt qui est mis sur Falstad. La parade, et Rich qui va tomber, c'est bien. Snitch qui a les reset, c'est bien ça. C'est très très bien les garçons. Du côté de Teleta, 2-0 en termes de kill. Coach Malga. C'est bien les gars. Allez, bah, en tout cas, côté Dig, on va continuer à mettre la pression. Il y a le camp de sapeur en plus, bot lane. Mais en plus, le taunt, ce qui est bien avec son niveau 1, c'est que si ça tape, donc il peut activer son Z et taper, faire très mal. Parce que ça met les frappes héroïques. Le problème de ce niveau 1, c'est que sans parade, enfin sans le taunt, tu peux absolument rien faire. C'est le problème. C'est que bah, tu peux pas le mettre en fight, c'est très compliqué de le faire proc. Contrairement au Q-spell. En tout cas, les Dignitas ont un niveau d'avance et combien d'enfants ces bots. Tu penses quoi du niveau 7 de Varian? C'est très fort. Et ça va être encore plus fort au prochain patch. Parce que c'est en pourcentage PV le soin. C'est au-dessus de 50, t'as toujours soin, ouais. Là et t'as le soin sur les autos. Ça reste très fort. Hein, si ça tu très peux fort. Beaucoup auto, c'est vraiment pas mal. Mais en plus, après, ça n'a rien à voir avec son niveau 1. Oh. Parce que le niveau 1. Mais il peut. Il y a toujours des petites autos qui partent quand même. Attention, le go-in, c'est bien raté. Joué, ça se niveau 4 de Wubi qui va bloquer TST. Ouais, bien joué, l'incensi, ça force la décale de Kyosha. Ça, c'est excellent. Après, t'as toujours Falstad domine. Hein. Ouais, t'as Falstad qui est en train de push la mid lane. Les Dignitas qui ont besoin de... Ah non, c'est bon. On a Wubi, hein. Wubi qui va justement... Ouais. L'éponge de l'équipe. Qui va les sauter. Le 10 qui va tomber. Hein. Ouais. Le 10 qui va tomber pour les Dignitas. Il n'y a qu'un hôtel. Hein. Il n'y a qu'un seul hôtel à jouer, mais c'est déjà... Oh, la mille flèche qui touche, ça c'est important. Ça c'est bien, et 4 tirs, on va égaliser à 32-32 en termes de score. Après, on s'en fout un petit peu, hein, pour après, le moment early. Il a pris du tour, hein, ouais, le porte-garde récupéré pour plus d'engage, et en même temps le taunt Kami. Voilà, le Varian Stukov en action, plus Lemming et Zalia. Et le gars. Toute l'équipe en fait. Ah, le Q-spell. Ah, il y a l'incensi. Attends. Ça enlève, non, ah, ça, non, enlève ça... Le... ça enlève. Oui, le... c'est vrai, c'est de la saloperie. Oui, ça enlève la marque. En fait, je crois qu'il faut le mettre avant, par contre. Peut-être qu'il doit le mettre juste avant. Donc, j'ai pas vu. Peut-être que s'il le met après, c'est trop tard. Parce que Léoric, ouais, j'ai pensé que ça marchait pas sur Léoric. Ah, sur Léoric, c'est sûr, ça marche pas. Ouais. Je me rappelle. Ouais. On était même en TL ensemble et c'était. C'est insupportable ce truc. Parce que s'il fait la marche fantôme, bah du coup il enlève la marque. C'est terrible, tu peux plus... Enfin la sortie t'es là, c'est bon. Et non. C'est horrible. Alors en attendant, les sapeurs qui vont être récupérés. X-Strike, Bunker, le bras
petit salon, jambe de choc et le porte-guerre. Hein. Enfin, il y a deux auto-attaqueurs. Hein. T'as moins de burst, mine de rien. Attention au Garrosh, par contre. Mais okay, ça peut permettre de, justement d'escape aussi, parce qu'il peut sauter sur ses alliés. Ça, c'est un super truc. Garrosh doit être extrêmement prudent. Attention, rich. Ouh, le route qui est forcé. Et route qui a la meilleure range, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu sur ces Worlds. Et qui était pourtant le niveau 4 par excellence. Et dans ces, sur cette carte, ça reste très fort. Dans la mêlée de TST, hein, prend pas de risque. Parce que d'un coup ça peut partir vite, hein. Ça peut partir très vite avec ce Varian. Le bras pour s'assurer le fort bot, c'est bien ça. Et là, tu vas pouvoir nous en parler, mais le contrôle de la bot lane est super important. Ah bon non mais oui. Oui, ça te permet de contrôler les deux altars sans la bot lane, puisque ça ferme un passage d'accès, hein, tout simplement pour les bleus. Ouais, quand tu vas à l'hôtel bot. Ouais, et en plus de ça, hein, quand tu récupères les camps, évidemment ça se transforme en shot. Hein. Donc ça peut enlever des points de vie au corps si ça passe jusqu'au... Au mur adverse. Allez, en attendant le Q-spell. Ouais, bien joué les missiles sur Izette. Attention. On veut essayer de décap, mais ah, c'est pas évident. Le bras qui a raté, ça va être compliqué. On doit bien joué, contre chaque de bulk. Très bien ça, c'est très bien parce que du coup on attaque en bas. Ça a envoyé 5 tirs puisqu'il y a 2 hôtels. C'est bien joué le combo, la flèche qui passe pas. La flèche qui passe pas, le bunker qui est mis. On va utiliser le bunker à fond pour faire très mal à Kyosha. Le bunker qui va se terminer. Bien des tags en tout cas, peut-être un dernier coup. Non, on pourra pas, on va zoner. En attendant, JP, hein, qui cherche vraiment l'opportunité de placer son taunt. Ah, on doit le laisser. Wubi est low. Oh, le petit missile qui passe, superbe. Ouais, mais il peut pas reset, qui pourrait tuer Wubi. Mais attention, Jay, il a pas la parade. Il a mis le taunt exprès pour pas se faire bouffer. Le taunt d'envoyer Jay, le porte-garde pour se replacer. Il est pas bien. Et il a pas d'anti-burst, Jay. Ça tient, la petite auto qui le sauve. Est-ce qu'on pourra tenir du côté de Jay? Oui, avec le porte-garde, le X-Ray qui prend le kill. Superbe, il a engagé. Attention, Wubi. Aidez-le. Oh là là, c'est dur. Et Kyosha, attention, les resets pour Poilk. Kyosha qui a bien esquivé avec l'enfouissement. Oh, et derrière. Attention, parce que là, on s'est pas compris. Wouh, 7 sustain. Eh, le 7, tu vois. Un point. Ouais, là, le 7, ouais, il a vraiment sauvé. Pas de burst, mais on s'en sort. Mais derrière, un point. Et les Q-spell aussi, hein. Ce qui soigne de base maintenant. Soigne maintenant, ouais. N'oublions pas. On en a vu, hein, il a mis un Q-spell 3, ouais. Ça l'a remonté énormément. Mais dommage. Je sais pas comment il survit. Mais par contre, il y a personne qui a pris le coup de langue pour Wubi. Après, ils allaient tous peut-être mourir, mais Wubi du coup, qui tombe. Après, c'est 3 tirs. C'est que 3 tirs d'envoyé par Genji, puisque le Forbot est contrôlé par les Dignitas. Et du coup, les Genji qui envoient que 3 tirs. Attention, Poil qui attend en embuscade. C'est bien joué ça. C'est bien joué. Ah, il manque Stukov. Le silence, et oui, voilà pourquoi c'est très fort. Très fort aussi sur cette carte. Très bien. Sachant que ça ne marche pas pour Malph. Alors, le fort qui est quasiment tombé, hein, quand même. Mais plus tu le tiens, plus tu forces. Regarde pendant ce temps mid lane. Voilà, On a toujours cette légère avance, hein, côté Dignitas en termes d'HP sur le corps. Mais c'est à peu près tout, puisque justement, ça va donner de l'XP. Ça va donner de l'XP aussi, hein, le fort, faut pas oublier. Ça donne de l'XP au Genji. Du coup, ils vont passer légèrement devant. Ouais. Pour l'instant, la game qui est très très serrée. Allez, en attendant, Genji qui va sur la top lane. Il est pas vu. Oh non, le minion. Oh, ils ont été vus. Ah, pas sûr, hein. Il fait le camp. Ah, je pense que si. Non, ils ont arrêté. Eux-mêmes se sont dit non. Il a continué à pull le truc. Mais alors Il a dû se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. On nous a tous vus. Mais stop. Parce que c'était vraiment très smart. Hein. Ça pouvait faire très très mal ce gank top. Et du coup, ils font le camp de Izzy. Genji qui n'est pas là. Genji qui arrive au cas où. Et on va pouvoir faire le camp de sapeur. Et Wubi aussi, du coup, ça va. Là, l'avantage, c'est que tant que Wubi reste à côté de cette teammate, bah même s'ils ont des globos, hein, ils peuvent pas justement les utiliser proprement. Et puis même là, les sapeurs top, hein, qui mettent ce fort à rude épreuve. Midlife, ça le pourrait push, faire très mal. Attention, la flèche sur le boom, peut-être. Attention, les nations. On est pas serein, il se reste dans ses sbires, c'est bien joué Wubi, le bunker, il est taunt sur le... Attention, c'est dangereux, le cutter, superbe, le all-in, et Wubi qui s'en sort. Non, finalement il va tomber, mais est-ce qu'on pourra prendre un kill, la tranquille? Et c'est 1 pour 1, sur une initiative où c'est un mort normalement, sûr, pour Genji, ça c'est très bien pour les Dignitas, 1 pour 1. Ah, ils ont pas réussi à cap, c'était la seule opportunité de cap là maintenant, ils vont pouvoir décap, je pense. Attention, le green c'est bien joué. Kyosha, l'enfouissement, attention Varian, le coup de langue qui a été mis, il faut qu'il y ait un allié pour qu'il puisse sauter dessus, voilà. Jay qui se fait pourrir là-dessus. Ah, ça va être le kill. Et il y a Diaka qui revient. Ouais, Diaka qui revient, le global. Oh, Zhelia qui est très mal.
Ah, ça va passer. Attention, Snitch qui a tenté des resets qu'il avait sorti. Attention, oh, la wave superbe. Deux poils pour sauver Zaelia. Zaelia, le silence route. Il va essayer d'assurer le one shot. Il sait qu'il est mort. Il voulait offrir un kill à poil. Ah, dommage. Le kill, c'était bien pensé, mais ça ne passera pas. Ah, dommage. Parce que Snitch a essayé de cap l'hôtel sur le top. Il serait mis un petit peu plus vers le bas. Falstad n'aurait pas pu le décap. Et peut-être que c'était justement le seul timing où il pouvait le capturer. Mais c'est très très chaud. C'était très dur. Vubik a temporisé tellement sur la midlane. Mais il a failli s'en sortir. Il a failli s'en sortir. La Gus qui était un poil trop tôt. Il a pris un poil trop tôt. Et du coup, il a pris parce qu'il voulait Gus les autres pendant le bunker. Mais il est sorti du bunker du coup. Et il a failli le sauver. Il a failli le sauver. Mais c'est pas passé malheureusement. Pour les Dignitas, la bannière va faire super. Attention, la flèche. Oh, Snitch le E sur le côté. Poil Cossi et Jay qui reste sur son surf. C'est ok. Ah là là là, c'est tellement tendu. C'est un requin. Poil qui a été cherché. Oui, c'est un requin, pardon. Je croyais que c'était la planche de dos, mais c'est le requin. Ah là, c'est un requin. Justement, il cherchait proie avec Varian. Oh, attention. Qui a pas voulu tenter. Il y a pas de 16, hein, mais on reste prudent côté Gen.G. On sait à ce niveau de jeu là, on est sur le top niveau. Donc 15 contre 16, on prend quand même pas de risque. Au contraire, les mecs savent que ça peut partir à l'attaque. Même si t'as un talent de retard, faites pas ça hein, chez vous, c'est le top du top. Mais du coup, sauf si c'est vraiment perdu. Et du côté de Dignitas. Et là, on soque, hein. On essaie de soque le 16. Il va être important 16 en plus. Hein. Ça, c'est dur. Hein. Les 3 hôtels à ce timing là, c'est pas évident pour Dignitas. On va certainement devoir jouer que un hôtel. En plus le camp de Easy hein, qui se fait voler. Mais le 16 va faire beaucoup de bien entre alors attention parce que là on a envie de trap. Par contre pour Liming avec la boule à facettes pour le burst. Qu'est-ce qui va décap. Ah, il y en a eu peur du côté de Reset. Le problème c'est qu'ils sont très lents. Ouais, c'est bon. Ils vont juste en prendre, hein. Il n'y a pas le 16, ils prennent. Après, attention bot, il y a les sapeurs quand même. Ouais, là faut il n'y a pas le 16 donc il faut le choper mais ça reste Après il y a Stukov. Oui, c'est vrai, il va ralentir les. Mais après, les sapeurs sont passés quand même. Je suis pas sûr. Oh, non, c'est vrai que le fort. Non, à mon avis, il a arrêté des sapeurs. Mais c'est la force, hein. La force de Stukov sur Tomb, c'est ça. Hein. Oui. C'est... On a beaucoup parlé de Tower of the Final ce week-end pour rappeler un peu les bases. Et on en avait parlé hein, de Stukov. Malfion ne peut plus le faire, on l'a déjà dit aussi. Ah, mais c'est pas grave, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas forcément Tour du Destin. Et du coup, ça sera jamais. On ne rappellera jamais. Stukov hein, qui peut annuler justement la capacité des sapeurs. De ce suicide, c'est une capacité très intéressante. C'est une capacité, ouais, c'est ça. Le suicide, une capacité intelligente. Qui date hein. De War 2, hein, qui date de War 2, les sapeurs gobelins et les sapeurs nains. En attendant. Oh, c'est pas mal ça. Il le sent. Ah, il est sur le qui-vive. Hein. Il est sur le sentier de la guerre, toujours Reset. Si ça approche, à chaque fois. C'est malin parce qu'ils mettent Reset top, ça fait une personne squishy en moins sur cette botlane hein, qui pourrait justement se faire attraper par Variant. Parce qu'il faut savoir que DAK c'est quand même très tanky et puis il a cet enfouissement hein, qui le rend invulnérable. Une sorte d'ice block. Attention, oh, c'était bien pensé hein. Entre les sbires Kyosha. Parce qu'il y avait les sbires, il le savait, mais il l'a tenté. Et au passage. Le 16. Le siège, il y a les camps. Hein. Mais il a pris Dalaran, hein. Il a pas pris Iron Forge, il a pris Dalaran pour assurer un one shot. Oui. Genre le silence là hein, qui va être très important. Ouais. Et voilà pourquoi c'est très fort. Voilà, et là tant qu'on stoppe pas. Le Stukov. Peux-tu nous rappeler l'importance de cette botlane? Mais en plus, la botlane, voilà, il y a les deux sapeurs. Et n'oublions pas le boss hein, qu'on voit 4 tirs. Donc là, il y a le 16. Hein. Là, c'est le moment de dig. Il y a deux altars. On peut essayer d'aller invade. Attention, c'est ce qu'on veut faire. Kyosha, il va aller sur Kyosha. On met l'enfouissement. Oh, c'est trop tôt. Attention, Wubi. Et l'annihilation qui va jouer. On se met dans le bunker pour l'empêcher. Attention à la sortie quand même. Varian, Jake est pas bien. Le coup de langue. Il va pouvoir peut-être repartir avec son. Ah, il va mourir. Le taunt de TST qui était prévu. Wubi qui va s'en sortir. Oh, l'hommage. Le timing qui est pas bon. Alors, justement, Varian fait exprès de faire sauter. Attention, Wubi. Wubi qui est pas bien. Le go-in de Poilk. Ça passera pas. Le coup de langue qui passe. Wubi qui tient pour le moment. Wubi qui va peut-être s'en sortir. Il s'en sort. Il va mount. L'éclat lunaire, il y a un duel entre Genji et Falstad hein, depuis tout à l'heure. C'est bien pensé la part de Wubi, il est pas vu. Ah si, TST. Ah, il l'a vu. Ah non, il l'a vu. Il finit la quête là-dessus. Ah, c'est dur. Wubi qui tombe. Et là, c'est très dur parce que c'est les deux hôtels pour Genji. Après, ils peuvent tempo. Hein. Ils ont Liming, ils ont Genji. Ça va être chaud. Il y a un boss potentiellement. 5v3. C'est vrai qu'ils auraient dû peut-être tenter le. Ah, ils vont tenter le boss. Passer ils vont boss, c'est parti. Oh, ils vont enlever 12 points de vie. À Dignitas, 12 points de vie, hein. Ça fait très très mal. Dignitas qui tombe à 9 plus le boss après, ça va tomber à 5.
Ah ça c'est très dur, on arrive dans un moment très très critique pour les Dignitas. Ah mais quel dommage, parce que là en plus, Varian force l'enfouissement. À partir du moment où l'enfouissement, il n'y a plus de protection. Et du coup, il faut le bon timing. Après, il faut le bon timing. Il voulait aller très rapidement. En fait, il anticipait le fait qu'il remonte vite. Oui, qu'il remonte vite, ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, il temporisait la gust. Attention, c'est-à-dire... Attention, la flèche, superbe. Et encore une fois, le taunt Camille, il y a Dalaran, il y a les dégâts supplémentaires que ça qui tombe, l'animation qui est passée. Attention, Varian, c'est bon. On le guide. On guide l'aveugle. Il est par là. Tu viens par là. Viens par là. Et le fort qui est récupéré, bot. C'est bien ça, de la part des Dignitas. Dalaran, s'il a été récupéré, c'est pour assurer les one-shot tout à l'heure. Le combo n'est pas passé cette fois-ci. C'est bon. Si Dakan n'a plus d'enfouissement, c'est une cible facile. Et du coup, côté Dignitas. On va aller récupérer les sapeurs et on peut revenir avec ces sapeurs. Trois tirs qui pourraient être envoyés. Et récupérer le contrôle du jeu. Il faut profiter des 36 secondes. Il y a le contrôle top, hein, le contrôle top aussi hein, qui est très embêtant pour les Dignitas. Et là, il faut la Wave of Force 20, je pense. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Mais ça... Ah, quoique t'as le rachat aussi, très fort. T'as le rachat pour assurer le one shot avec le Dalaran. Parce que la Wave aussi peut justement assurer les autres. Assurer le burst, ouais. Tu ramènes quelqu'un, il taunt. C'est vrai. Non, je pense que l'onde de choc peut-être va être prise. Parce qu'avec le Dalaran, tu compenses le fait que t'as pas ta rachat non plus. Ça dépend à quel point t'es au fond. Parce que si t'es vraiment au fond dans la game, je pense que t'as besoin de cette Wave pour vraiment tenter justement plus de plays, plus d'opportunités. Mais Jay a besoin d'aide vu qu'il a pas le 10. Parce que là, ouais, c'est dur. On trade dans l'effort, ça va donner de l'XP à Dignitas, mais 5 HP, oh là là, ils auront pas le 20. Ils auront pas le 20 pour cet altar, je pense. Ça va être très tendu. 10 secondes, l'altar va spawn, faut se déplacer, il y a la gust. Hein. Oh, mais c'est la game. Attention. Ah, il va reprendre l'effort, mais c'est presque la game en fait. Si Fastad fly, il gust. Attention. Oh, il a des caps. Pourquoi il a des caps? Ah oui, il a cap trop tôt. Oh, c'est oh, bon. Ça va. Oh là là. Mais en même temps, il a pression TST aussi. Hein. Attention, tout petit hein, peu trop cap. Tôt. Oh là là. C'était 5 tirs, hein, on le rappelle. En fonction du nombre de forts. Hein. Du coup, c'est 5 tirs. Si jamais ça passe, le combo. Ah, TST qui a eu peur. Attention, les missiles. Attention à cette gust qui pourrait carry cette game. Et il y a le 20. Pendant ce temps, on va essayer de pressuriser. On n'a pas forcément besoin de l'ennemi. Reset qui a vraiment envie de gust. Attention. On force un petit peu à des tags. Sakai qui se met en position. Attention. Il y a les mecs qui est de retour. Attention, TST. Hop. On s'est reparti. Sakai qui n'a pas tag jusqu'au bout. Varian qui veut y aller. L'alignation qui est loupée. Ça, c'est bien. Le bras. Ah, ça, c'est moins bien. Et le 20. C'est bon. On a le 20. On a le 20 côté dig. On peut approcher. La bannière qu'on aura plus souvent et qui régène. Mais alors, la sustain de Wubi de Stukov. Attention, la bannière de la Rakabit, il feinte, il tente sur le taunt Kabi, TST, allez derrière la bourrasque qui améliore le taunt de TST, oh dommage, le one shot qui passe pas, c'est pas terminé Jay, pendant ce temps Kyosha, on va peut-être se rabattre sur Kyosha, on vire Kyosha, Stitch et Poilk sont en vie, il y a le heal qui va pouvoir passer, c'est pas terminé, Dignitas qui tient. Oh, c'est chaud pour les deux équipes, hein. C'est tellement dur pour Odig là, ça se joue à rien. C'est pas passé loin. Et la bannière après, en termes d'ultime, il n'y a plus rien côté Genji. Hein. Côté Dig, ça repart très vite avec le taunt. Attention à ça. Attention, on a envie de flank sur TST. C'est pas mal, TST, le taunt de Mars. Oui, ils vont le faire. Et le kill qui est pris. La reset, attention, Kyosha maintenant, l'onde de chaque. Pour aller sur reset, le bunker qui est mis. Le go in, light strike, Rich qui s'en sort. Mais c'est pas fini, Stitch qui va aller le chercher. Le kill qui récupère par Dignitas. Il tue Falstad. 4-0. Les Dignitas qui vont venir dans cette partie, c'est pas terminé. Mais c'est le full team de prix. Dignitas qui l'a fait ici. C'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Ouf, le kill. Super. Ils avaient plus rien. Le one shot qui passe. Et derrière les resets, on continue l'onde de choc. Sublime. Elix Strike derrière qui zone reach. Il avait encore. Superbe Dignitas qui nous régale sur cette finale. Et là, on va reprendre beaucoup de forts. Hein. Ils veulent tous les forts. Ils veulent tous les forts. Stop. Stook of mid. Ils ont le temps. Hein. Ils ont le temps pour prendre. Ils vont envoyer 7 tirs. En fait, c'est presque la game. Attends, c'est pas fini quand même. Non, c'est pas fini, mais ça va donner un avantage énorme peut-être. Parce que là, si t'as tous les forts. Ils vont prendre tous les forts. Ils prennent tous les forts, Dignitas. 7 tirs. Et il y a les tirs qui partent. Hein. Ah oui. Les tirs qui partent aussi. Attention, le corps qui va fondre. Hein, le corps qui va fondre côté Genji. Ils vont défendre mid. Il doit voler. Il y a une gust pour défendre peut-être. Attention. L'onde de chaque, c'est pas mal sur TST. Et ils peuvent pas avancer. Il y a un variant. Falstad qui va aller. Ils vont bot. Ils veulent prendre bot. Il faut décaler.
Ils sont bot, ils commencent déjà bot. Le corps qui fond. Attention, Snitch. Attention, Stitch qui go in. Attention, Stitch. Y avait pas. Oh, la flèche. Oh, il strike. Oh, il a extract la flèche. Il a extract la flèche. Attention, Jake, esquive le coup de langue. La bourrasque. Voilà, la bourrasque est bonne. C'est pas mal ce que fait l'onde de choc superbe de Poilk pour zoner. Attention, reset. Oh oui. Il l'a fait. Le one shot de Stitch. Le one shot est derrière. Attention. Et c'est fait. Dignitas qui va revenir à 3 partout. Superbe. Magnifique. Stitch qui va, qui tue. Et derrière, Varian qui off the kill. Dignitas qui va égaliser. C'est sublime ce que nous font les Européens. 3 partout entre les champions du monde en titre. Et oui, Dignitas. Pas encore champion du monde, mais balle de match pour les deux équipes Terre. Ils le font. Ils le font. Ils avaient 23 tirs à rattraper. Oh mon dieu. Alvarian qui était tellement bien pensé. Oh putain. Mais ils peuvent pas gagner direct. C'est pas fini. Oh la vache. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'était mission quasi impossible. Quasi impossible. Oh là 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 là. Oh la vache. Attention les Gen Z. Rich, ça c'est pas un sourire. C'est pas un vrai sourire, hein. C'est vraiment le. Les nerfs. Oh, c'est superbe. Superbe de la part de Dig. Et là, tout est à refaire. Ils sauvent 2 balles de match. Et le mental. Le mental. Là, ils sont sur un courant ascendant. Un courant ascendant, les joueurs. Et si l'un rate, la team meurt. Toute la team meurt. Donc il faut. Et c'est lui qui lance le tempo en plus, Jay. Donc. Et puis il y a le pré-shot aussi de Zalir. Bien sûr. Il lance très rapidement aussi. C'est très important. Bien sûr. En attendant. On voit le replay. Ouais, c'était la fin, hein, c'était la fin, ouais, ils finissent les derniers. On prend tout l'effort, eh oui, parce on que met ça, le bunker pour aller très très vite. On l'oublie pas, ne l'oubliez pas, même en solo queue, si vous pouvez prendre un fort avant de tag, eh bien c'est justement des tirs supplémentaires. Et là, 6 forts, c'est 6 tirs, plus le corps Lidl, c'est 7 tirs. Ensuite, il y a même le 8ème qui part directement. Alors attention, parce que Sky Temple, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est une carte. Elle a pas été beaucoup jouée, hein. C'est une carte très peu jouée aussi. Et ça, bon, non, je vais me taire. Mais non, faut le dire quand même, c'est vachement important. L'année dernière, 3-3, Itas avait perdu sur Sky Temple. Contre Fnatic. Static. Contre Fnatic, avec un Shrimpy fou sur Genji. Ouais. Je m'en rappelle. Sur une gueuse de Bah, ça serait la malédiction de Dignitas. Hein. Non, non, ça mais serait... non, on n'en parle pas. Du coup. Les Genji qui ont le first pick, ban Blaze, Dignitas qui part sur un ban Tracer, first pick pour les Genji eSports, et ce sera le Genji de récupérer par les Genji eSports. Attention, ils sont très très bons dessus aussi. Après, Snitch il a tellement valorisé le pick, on avait peur, il y a eu de l'espace qui s'est créé avec ce draft justement qui lui a donné de l'espace, et derrière le kill sur Falstad, mais quel kill sublime. Attention Genji, parce que Garrosh, c'est pas forcément le meilleur héros qu'on ait vu de la part de Dignitas. On voit plus justement Jay sur d'autres tanks, principalement Muradin, Stitches, Varian, même Varian. Mais du coup, ça ne serait pas une nouvelle game à Varian qui pourrait potentiellement arriver, Malga? Ouais, je suis pas certain. On va voir comment ça va se passer pour. Un autre point très important, Malga. Je pense que c'est une cartouche qui a mis. Un point très 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 important, c'est que. Hammer avait été joué avec Genji. C'est vrai, c'est vrai. Après, ils l'ont jamais vraiment joué. Sur Sky Temple, hein. Historiquement, les KSV. Non, mais pour moi, cette nouvelle Hammer peut. Ouais, peut y aller, elle bien peut sûr. Aller un peu partout. Ouais, c'est sûr. En tout cas, Malfurion, DAK récupéré par les Dignitas très rapidement. Double pick pour les joueurs de Genji. Donc, pas de Garrosh. J'aime bien le fait que Jay soit souvent dans les last picks. Ouais, et ne prenne pas de Garrosh. Il est très flexible, on joue de ça. Et on sait que son Stitches est une menace. Mm-hmm. Et justement, il peut fermer cette Hammer. Mm-hmm. Voilà, regarde, tu vois le draft là. Hein. Mm-hmm. Là, c'est un début de draft. On pourrait voir Hammer. Ban mais Hammer. Il faut ban Hammer là. Pas forcément. Parce que si tu l'as pick Stitches, c'est bien. Après, aussi. Ils peuvent ban Stitches aussi là. Bah, justement, faudra voir après aussi. Mais tu peux t'adapter. Si ban Stitches, bah, tu vas prendre des carrés qui fonctionnent bien contre Hammer. Enfin, faut voir, ça dépend. Après, ouais. Mais si tu fais un ban solide, principalement solide.
et bah c'est pas grave en fait. Tu peux prendre l'avantage du fait qu'il ban Stitches. En tout cas, c'est pour l'instant, c'est très standard. Hein. On a Johanna hein, qui est très très forte à l'heure actuelle. Daika pour Wubi. En même temps, s'il y a une map où Daika est très fort, c'est Sky Temple. Une map où les globos sont très très puissants. Ouais, et du coup, ce Daika, en plus Wubi dessus, hein, c'est. Ah oui. Et il y a des buissons partout sur cette carte. Hein. Partout, partout, partout. Je pense que c'est la. D'ailleurs, c'est peut-être la map qui a le plus de buissons. Quand on y regarde, il y a des buissons. C'est vrai qu'il y en a. Partout. Et ils en avaient même enlevé, même. Ouais. Hein. Ils en avaient enlevé près du boss. En ah tout ouais, cas. Non, mais j'y avais jamais pensé, mais je pense vraiment que c'est la map qui a le plus de buissons. Et Spider en a beaucoup aussi. Hein. Spider Queen en a pas mal. Ouais, mais elle est petite donc. Ouais, c'est vrai qu'elle est petite. Pour Sky Temple, on en a vraiment partout. C'est vrai qu'il y en a plein. Contrairement à Volskaya, où des AK tirent la tronche. Y'a rien. Ou alors c'est des buissons. Des buissons. C'est tout petit. En tout cas, ah, Van Anzo. Eh, c'est pas mal. Attention, oh. Anzo c'est pas mal. Ouais, Anzo. Anzo c'est pas mal, Grand Runner. Sonia qui était ban. Pourquoi il bannerait Anzo? Après, faut pas oublier Snitch, il a fait une super game sur Anzo aussi. Avec sa flèche, ça carry quand même très ouais, très tout fort. À l'heure, ouais, tout à l'heure sur. Après, c'est une très bonne map à Anzo. Hein. Très très bonne map à Anzo. Et Genji qui est très fort, contre, enfin, qui est ok contre Anzo. Il y a un Malfurion. C'est bizarre. Ce ban Anzo, quand même, pour moi, c'est un petit aveu de faiblesse. Je sais pas. Alors là, il y a une bataille d'esprit entre Noblesse et. Le coach des Genji Esports et Dignitas. Là, je pense pas que tu. Je pense que tu prends pas le tank maintenant, tu prends tes carries, des carries solides. Ah, mais tu vois, par exemple, Jaina, on avait eu. Voilà, Jaina Falstad. Donc, Jaina, voilà. Double Falstad. Global du coup pour Dignitas. Alors là, ça peut être dangereux. Oh là là, j'ai peur. Oh, malgré, j'ai peur. Après, il y a le Stitches Open. Oui, c'est ça en fait. Après, c'est, Genji c'est pourrait pour jouer Stitches, Kyosha pourrait jouer Stitches par exemple. Généralement, quand t'as le last pick, c'est bien, tu peux t'adapter. Et surtout que t'as laissé le tank. Et ça, ouais. C'est. Le tank, c'est l'outil primordial aussi contre Hammer. Mais Genji pourrait jouer Stitches justement. Kyosha en solo lane, oh, peut-être. Oh, Stitches Hammer, c'est ça que tu veux dire pour deny. Ouais. Ah, mais après, est-ce que c'est si après, fort que ça? Après, c'est si fort que ça, ouais, voilà. T'as le double global en face. Je veux dire, ouais, t'as quand même. Mais t'as un énorme potentiel de macro côté Dignitas. T'as beaucoup de push, hein. Double global plus du push avec Jaina. Les structures peuvent fondre. Du coup, on pourrait trade. On pourrait trade les structures même si y a une Hammer, si t'as pas envie de la confronter. Alors du côté de Genji sur ce double pick. Oh, Maltel aurait peut-être pas d'Hammer du coup. Maltel, Liming de récupérer par les Genji eSports. L'ombre d'Hammer aura plané quand même sur attention. Toute la finale. Hein. Parce que là, on a le trio un peu du Gold Club. Ouais. La Liming de Reset, le Genji de Rich et Maltel de Kyosha sur Maltel. Ça a fait des massacres ouais. Hein, sur. Il y a 6 mois déjà hein, sur le Gold Club. Qu'est-ce attention. Qu'ils vont récupérer? Attention pour Dignitas. Là, comment, c'est pas évident. Là, il faut pas grand-chose hein. À Hook. Il faut du gros tank pour résister. Variant. Variant serait pas si mal, mais. Non, mais après. T'as pas le burst. Non, t'as, il faut. T'as une palme. T'as pas de mobilité. Mura. Si tu fais kite. Mura, après, t'as les 7 frappes. Anub. Mais t'as Liming. Mais après. En vrai, Anub, c'est pas mal contre Maltel. Hein. Ça peut vraiment le bloquer, tu vois, sur place. Tu cocon Liming. C'est chaud. Il va falloir quelque chose de très costaud quand même, Dig. Sinon, tu Mura. Hein. Tu peux tout simplement Mura. Après, Mura, hein. Les stuns sont très durs à placer là. Très durs. T'as énormément de mobilité. Après, côté Diablo contre Genji, c'est pas mal. Ah oui, peut-être. Après, Diablo. Maltel, c'est bien contre Diablo aussi. Muradin. Ouais, voilà. C'est le pic de alors, confort. Ça va être très dur quand même, Muradin, à jouer là parce que t'as énormément de mobilité. On a des carries squishy. Hein. On a Genji, Liming. On a même Maltel qui est très squishy. Mais la mobilité est assez énorme. On a Liming qui a beaucoup de mobilité. On a Karazim qui va augmenter la mobilité de son équipe. On a Maltel aussi, qui a beaucoup de mobilité, et Genji. Donc forcément, c'est très dur à stun. Par contre, si tu stun ces targets-là, elles n'ont pas de vie. T'as Jaina avec toi, c'est ce que je veux dire. C'est ouais, donc ça va être un match avec beaucoup de skills. C'est ça, et t'as les doubles globales à protéger, hein, les deux globaux qui vont devoir se mouvoir et récupérer l'XP sur Sky Temple, super important. Ils sont un très bon draft. Le Mura, il va devoir prendre l'information aussi. T'as cette Jaina, t'as le burst aussi qui peut partir. Alors ce qui est. Oh, j'aime bien le draft de Dignitas ouais, en fait. Bien, parce que il est bien. Hein. C'est très solide. De l'autre côté, t'as pas forcément le meilleur draft sur la map. Mais t'as un draft très agressif qui très fait agressif, très mal. Le problème, ça. La différence, c'est que certes, tu peux agresser. Mais tu peux t'exposer avec deux globos qui arrivent très rapidement. Donc en 4v5. Et au niveau du jeu de map, Dignitas est devant.
Le truc là, c'est que c'est du draft coréen côté côté Genji. Si ça prend des kills, ça peut partir en très rapidement. Hein. Ça fait très draft Tempest, à part le Maltel, mais sinon ça fait vraiment draft. Voilà, on prend un kill et ça y est, c'est toute la team ennemie qui tombe. Falloir être, je dirais léger avantage pour Dignitas. Hein. Je dirais léger avantage pour Dignitas, mais attention à ces Genji Sport. Le draft est bon côté Dig. Pour jouer la carte, on le rappelle, hein, Sky Temple, tu peux en parler. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu Temple Céleste au final sur ce tournoi. Faut pas oublier que Temple Céleste c'est une map qui a été beaucoup jouée en Corée aussi. Attention à ça. Et là, on a des picks très coréens dans les mains de Genji. Ça va être une game explosive, je pense. Puisque c'est la dernière en plus. Ah bah oui, oh c'est là sûr. Là, là, là. Par contre, l'avantage, c'est que le draft Genji doit être joué agressivement. Et quand t'as de la pression. Parfois, t'as auto-spa. Ouais, Rich, on a vu qu'il avait. Ce genre de choses peut justement favoriser la compo aussi, Dignitas. Genji, il est comme moi, il a les genoux qui tremblent. Mais on va voir sur cette dernière, on le rappelle, hein, l'importance, c'est de jouer les temples. Hein, de jouer les temples pour pouvoir tirer sur les structures. Plus vous prenez de structures à la main, plus les temples sont valorisés. Et derrière, eh bien, ça. Sky Temple peut vite snowball, mine de rien, t'es là. Attention ouais, à l'early aussi. Hein. Oui, attention, les structures c'est très important. Mais après, voilà, comme je disais, les structures, Dignitas a de quoi race. Hein, ils ont deux globos, Jaina, qui est très très fort sur les structures. Donc, même là, je vois Dignitas. Ouais, oui, Dignitas en siège est très très bien. Ouais. Dignitas en siège est très très bien en tout cas. Ça y est, l'ultime game, l'ultime manche de ce mondial, de ce mid-season brawl. Les Genji contre les Dignitas. Et Genji qu'on retrouve de nouveau à gauche avec Rich sur Genji, TST sur Johanna, Sakie sur Karazim, Kyosha sur Maltel. Et enfin, Rizet sur Liming. Pourquoi je les ai présentés? Je vais. Alors, on a Rich sur Genji, TST sur Johanna, Sakie sur Karazim, Rizet sur Liming et Kyosha sur Maltel. Ça fait deux fois qu'ils gagnent quand je les présente. Oh, je les présente, oui, c'est ça, t'as bien raison. Et moi, je vais présenter les Dignitas du coup. Zelia pour Malfurion, Wubi pour DAK, Poilk sur Jaina. On aura du coup Wubi sur DAK, Muradin qui sera joué par Jay. Et il me manque Snitch sur le Falstad. Et le premier stun qui part instantanément. Le burst qui va être mis sur TST. Mais ça va aller, on va repartir. Et du côté de Dig. Attention, hein, c'est Guerilla, le Genji qui va offrir beaucoup de vision. Oh, Genji qui va direct sans face. Ouais, voilà, il Snitch va bloquer Falstad. Pas de risque. Mais oui, ça va être important. La game de Snitch va être très difficile. Il faudra qu'il soit très prudent. Parce que Maltel Genji aussi, c'est un duo qui pourrait punir rapidement le Falstad. Au passage, on a en termes de talent donc le Marksman, la Regen, le troisième souffle pour Jayne. Hein. Beaucoup de Regen hein, pour Jay avec ce niveau 1. Et du coup, Marksman plus les globes pour Jaina. Du côté de Genji, à vide de puissance. Aridel hein, pour la monture. La Galva quand même qui a été prise. On a peur d'une rotation de CC. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôle quand même du côté d'Initas. Ça prouve qu'il est pas sûr hein, non plus hein, avec sa Galva au niveau 1. Le Karazim classique. Bon, on est sur du classique pour le reste. Très très standard. La vitesse hein, sur. Comment s'appelle ce talent déjà? À chaque fois j'oublie. Aridel, tu veux dire le ouais, Aridel, c'est la monture très de fort de sur cette map parce qu'il y a deux globos en face, donc t'as besoin de cette mobilité supplémentaire sur ta monture. C'est 20% de plus, je crois. C'est même. Ah oui, tu veux dire par rapport à la vitesse de dépassement? Oui, c'est ça. C'est 50. C'est 50. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Énorme. Et au passage, c'était un talent NA à la base qui était très moqué par les gens. Oh, t'as vu? Oh, t'as sur Snitch. Oh, bien joué. Wubi qui pousse son camp contre le mur. Oui, pour pas se faire. Oh là là, ce mec est un génie. Le coup de langue pour l'amener sous les tours pour qu'il soit dépêché. Et l'enfouissement. Il est chaud. Et nous aussi. En attendant, côté Dignitas, on va pouvoir. Pendant ce temps, en plus, c'est bien. Falstad qui a pris un excellent trade sur Kyosha sur la top lane. Et on va continuer. On va continuer. Côté Genji à vouloir mettre de la pression early, Dignitas doit faire attention. Vraiment doit faire attention sur ses débuts de partie. Ils doivent pas se faire bouffer parce que si Genji commence à prendre l'ascendant, ils ont une compo qui peut vraiment exploser. Mais dans les deux sens d'ailleurs, exploser s'ils ont de l'avance. Mais alors par contre, exploser en plein vol parce que Dignitas derrière eux, ils ont l'avantage de justement pouvoir jouer la carte. Et voilà le hard qui va être temporisé le temps que les temples s'activent. Toujours les deux premiers temples sont mid et top. Celui d'après il y en aura un seul sera bot. Et ensuite on enchaîne. Voilà de côté Dignitas, le camp qui va être envoyé. Une petite statistique intéressante qui va te faire plaisir. Jaina actuellement à 70% win rate sur le Tu sais que j'adore Jaina hein. Et tu sais qui a Jaina? Les Dignitas. C'est... Attention par contre Rich qui arrive. Ok, ça va aller.
Je surveille tous les mouvements. Sous pression, Malgré sous pression. Ah mais là, vous êtes tous le sixième homme hein, aux côtés de Dinitas, forcément. Faut les soutenir avec notre français, Jay. Le stun qui va être loupé. Dea qui a pendant ce temps, qui met la pression bot. Les Dinitas qui vont lâcher le temple. Ils ont récupéré quelques tirs. Attention Jay. Le go in sur Snitch. Attention Rich. Oh le stun qui va être. Attends Snitch, c'est bon le combo. On va reculer. Très bien joué. Attention le coup de lock, c'est bien joué. L'arrivée de Whoopi. Rich qui tombe. Premier sort Zaelia qui est pas bien. Zaelia qui tombe. Kyosha qui est pas bien quand même. Kyosha, est-ce qu'on pourra prendre le kill? Poil qui esquive. C'est pas terminé. TST c'est un 2 pour 1 déjà pour les Dinitas. Est-ce qu'ils pourront faire plus? TST. Non, on va arrêter. C'est déjà très bien. 2 pour 1. Jaina qui s'en sort. Et du coup, on va reprendre le temple sur la top lane côté Dinitas. Attention, Jay Stitch. Oh, pop, saqué. Ça va aller. Dinitas, ils sont revenus vite, Genji. Ils sont revenus vite pour jouer le temple. Attention, Jay. Ils sont en avance, hein. Ils sont légèrement en avance, c'est Dinitas. Ah, forcément. C'est 2 kills. Et Wubi qui a pris l'aggro. Enfin, qui a pris l'XP hein, bot. Coup de langue, hein, Genji, quand même. Oh là là. Mais il avait tout claqué, hein. Mais ouais. Ça reste très bien. Ah, mais il a bien calculé. Hein. Il en regarde bien. Allez, en attendant. Jaina qui va trap Maltel, c'est pas mal ça sur la bot lane. Ah non, dommage. On aurait pu voir un duel, hein. Jaina c'est très très fort. On l'a vu d'ailleurs, oui. On l'a vu. C'était Kroen justement, et en plus c'était contre Tempest. Contre Tempest. Ouais, c'était ça. Contre Tempest. Et s'était fait éclater Maltel. C'est très fort, c'est très très fort. Hein. Surtout avant le 10, enfin même ça dépend ce que tu prends au 10, mais c'est tellement LM, fort. En plus, hein. le burst, ouais, là je pense que ce sera LM, hein. Là tous les coups ça devrait être LM, enfin tous les coups, pas ouais, sûr, mais ça devrait être LM parce que t'as besoin de te prémunir du Genji, tu peux kite le Maltel aussi, LM c'est très, qui très va fort. Être très fort contre un peu tout le monde en fait. LM là, surtout vision, Genji, hein. Et Maltel, même pour principalement. Allez, en attendant, c'est pas mal ce qui a été fait par les Dinitas, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis de la pression sur la bot lane. Attention Snitch pour le moment. Eh, il a pas mal. Alors, Zaelia, t'as vu ce route? Le route au cas où, ouais. Au cas où ça dash dessus. Si Genji, E in, hop, il est route. Et en plus, le E touche pas. Donc, superbe. Et ils peuvent limite réengage dessus. C'est incroyable. Alors, en attendant, Wubi qui va pressuriser cette voie du mid. Jaina qui met la pression sur les camps. Après, Rizet hein, avec sa liming qui fait très mal au bâtiment. Imaginez qu'à une époque, elle faisait 50% de plus sur les bâtiments avec ses missiles. Parce que tout le monde se rappelle de Last of Johan, mais les 50% de dégâts supplémentaires des missiles sur les bâtiments, c'était quelque chose. En attendant, en termes de build côté Digo, on est sur du classique. Tracker de héros à hein, noter pour Wubi. Jay, peut-être pour aller mettre la pression. C'est bien, ah, le 7 de Johanna, hein. Il est moins pris en ce moment. Moi, ouais, l'élan béni qui est très fort, hein. Attention, oh. L'arrivée de Rizet, ils vont go in. Sur Rizet qui est pas bien. Attention, il est dans le route, Rich. Wop, on va reculer. La front lane, la X-Strike de Rich. Attention, l'essai de frappe, ça va, Jay. Derrière le kill qui est récupéré sur les mecs, c'est bien joué. L'extrême onction qui va tuer des AK. La bourra, ce qui ne suffira pas, un pour un. Très important d'avoir trade kill parce qu'il y avait le 10. Hein. Il y avait le 10 côté de Genji. Ils auraient peut-être pu aller encore plus loin, les Genji. Maintenant, Dinitas qui a récupéré le 10. C'était chaud, hein. C'était chaud parce qu'ils ont engagé une fight au moment où le 10 est tombé du côté de Genji. Attention. Ça passe. Et là, c'est encore avantage d'Initas parce que, certes, 1 pour 1, mais ils gagnent la rotation. Ouais, ils gagnent la rotation. Ils ont pas besoin temple. De back, du coup, ils ont le début du temps. Surtout qu'ils avaient préparé cette botlane initialement, ils avaient mis une belle pression. Du coup, voilà, il y a déjà une des tirs. Ça serait bien de tomber la fontaine. La tomber la fontaine serait vraiment important avec le temps. Ils vont prendre du temps, leur temps. Snitch qui va se positionner. Pour éventuellement barrel roll à travers le mur. Ce qui est bien, c'est qu'il se montre pas, c'est très important de. C'est pas où il est, il peut se surprendre. C'est ça. Le stat qui est très fort en avion hein, s'il a un bon timing. Et on temporise les ultimes, hein, la bourrasque notamment. Et il bouge toujours pas. Allez, en attendant. Côté Jay, le stun qui passe. Attention, Wubi, le coup de langue c'est passé. Le silence, il est beau. De Zaelia, attention, le silence, l'aliénation de Wubi. Il veut l'all-in, Jay, qui est pas bien. L'extrême onction qui va le tuer. Aïe, 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 le trade à chaque fois par Maltel. Après, il n'y a plus de frontline, ouais, des deux côtés. Hein. Mais là, l'avantage, c'est que t'as un assassin mêlé côté de Genji. Ouais, du coup, ils peuvent pas forcément avancer. C'est ça, et t'as un off-tank du côté de Nitas. Ouais. Par contre, il n'y a plus d'ultime côté Dig. Attention, Wubi. Oh, il est slow. Kyosha qui sait qu'il est pas bien. Kyosha qui sait qu'il est pas bien. Le go-in, on esquive tout. Le coup de langue, il est passé. La X-Strike, attention, Zaelia qui tombe. Mais Kyosha qui devrait tomber lui aussi. Tiens, pour le moment. Non. Ah, Wubi qui rate son coup de langue. Il a bien sorti Stitch. Island de choc. Aïe, 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 qui va le cancel. Wubi qui devrait tomber du coup. Aïe, aïe, aïe. Poil aussi avec les resets, on l'avait dit. Ce genre de compo, si elle arrive à teamfight. Ça fait très mal et c'est un full team pour les Genji Esports. 5 points. Un boss qui va être lancé.
pourra pas être contesté. Oh, le jump qui est annulé. Oh, le petit stun aussi. Alors, à moins que Jay mette une les sacrapes, les sacrapes. Ça va, l'extrême-onction. Non, oh, il est mort. Il est mort avec le de Rich. Oh non, là c'est un boss, c'est sûr. Après, skill, de toute façon, il était. Ah, mais en fait, si vous voulez temporiser un petit peu, attention, c'est pas mal, le coup de langue, il est bien. Il est pas mal, attention. Oh la gueule. C'est une tabourasse, non, il y a ça qui est derrière, le kill qui est récupéré. Sylph qui va tomber, c'est sûr. Attention à ça. On va continuer, Wubi qui fait très très mal. Il y a le tracker de héros, il a de la resto. Pop pop, les reset peut-être. Attention, ça, il y a qui est pas bien. Non, ça va enchaîner, ça qui tombe par contre. Poilk, l'élémentaire, Rich qui est pas bien. On rate son Q-spell du côté de Poilk. Le Q-spell qui est raté, Poilk qui devrait tomber du coup. Aïe 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 aïe, c'est en train de. Ah, c'est une situation de. Ah, ils ont perdu de snowball. Leur. Ah, ils ont tout donné là-dessus. Mais c'est parce que ça se joue à rien dans le sens. Malfurion avait presque son silence quand il était sur le point. S'il ouais, avait silence, si le silence, c'était GG. Hein. C'est. Ça, à chaque fois, ça se joue à rien. Jay, si t'en pourrais une seconde de plus, c'est le boss qui est volé. Enfin, ouais, c'est ça. C'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'il y a eu justement ces enchaînements de petites erreurs. Mais parce que c'est, ça se joue à une seconde. Ça se joue à des, à chaque fois. Des, ouais, des petites ça. Secondes. Vraiment des petites secondes. Même le kill hein, tout à l'heure sur Maltel qui passe pas grand chose. Et ça, ça fait très mal. Ça donne une grosse avance pour les Gen.G. Deux levels d'avance sur la phase Temple. De Shrine qui va spawn. Après, voilà, t'as des outils quand même pour contrôler le boss. Hein. Côté Dignitas, t'as des globos, on en a parlé tout à l'heure. Même quand t'es derrière, ça compense bien quand même. Donc, le Karazin qui loin dash, d'être fini. Qui dash pour reprendre le con. Parce que c'était bien joué en vrai. Ils allaient avoir le boss, c'était bien. Ils temporisaient un petit peu. Crah là là, et ce one shot qui avait été mis sur Murat. Hein. T'imagines, il y a Murat là dans ce teamfight. C'est. Bah là, c'est pareil. S'il avait l'avatar, paf, il meurt pas. Ouais, cette frappe, ouais, c'est pas mal. La re-engage peut-être. TST, j'ai cru qu'il a utilisé le boss TST pour se propulser. Mais au final, non. Ouais, on laisse au moins un shrine au Dignitas. On n'a pas envie de prendre des risques côté Gen.G. On sait qu'on en avance. On est très bien. Bah ouais, c'est vraiment joué à rien du tout. Hein. Ça, c'est vraiment joué à rien du tout pour Dignitas. Ah là, c'est simple. Un ulti de plus. Un ulti. Et c'est ça tourne en faveur de Dignitas. Clairement. Là, c'est du détail. Ça, à ce niveau de jeu là, de toute façon, c'est du détail. Ah, c'est excellent ce que font les. Les Gen.G, ils mettent la pression, ils savent qu'il y a la, Maltel, y a bot, la pression hein. Bot lane. Maltel et bot, le 16 est pas là. DRK peut-être. DRK qui peut venir, ça va vouloir. Après fight. Voilà, ils jouent très safe. La Galva, hein. La Galva qui a été utilisée. Liming qui a énormément de mobilité, hein. c'est pas facile de la punir. En plus elle a cette Wave of Force. Alors si vous êtes très rapide, vous voyez l'animation du coup de langue, vous lancez la Wave of Force et justement, même s'il vous touche, ça va annuler le coup de langue. Ça c'est un petit tif sur Liming, hein. C'est très important. Jusqu'au bout, eh bien il faut. Non, mais tu as totalement raison. C'est bien, non, mais c'est bien de rappeler ces petits trucs. En attendant. Ouais, bien joué. Le silence, il est beau. Ah, ce purif. La purif du niveau 16 de Sake. Qui sauve parce que la Galva était il n'était pas passé. Mais il y a ce Karazim avec la purif au 16 et la move speed qui permet du coup à Joanna de repartir. C'est la grande force de ce niveau 16. Sake n'a joué qu'une seule fois des 1000 points sur ce tournoi. C'était quand il y avait vraiment zéro contrôle en face. Sinon, purif. Et c'était bien joué de la part de Dignitas d'essayer de catch cette Joanna qui est obligée de s'avancer pour prendre l'information. Et purif contre Dignitas, c'est très très fort parce qu'il joue énormément de composition à base de catch. Là, s'il n'y a pas cette purif, elle est morte, Joanna. Elle est morte. Mais ça, justement, c'est un talent qui va faire très mal au Dignitas. Il va falloir être plus précis encore hein, dans les engages. Oh, pas mal ce qu'ils font. Ils veulent sniper le T2. C'est le moment pour Dignitas. C'est le 16. C'est le moment pour les digs, peut-être. Y'a pas de silence, par contre. Oh, le coup de langue, les bonnettes! Oh, super, dommage! Élémentaire, l'onde de choc pour reculer les lèmes. Oh, c'était tellement bien joué de la part de Wubi! Il avait tout senti! Et il sauve le T2 en plus, mais qu'est-ce que c'était! Il est dans la tête. Ah ouais, c'est impressionnant. Il l'a senti, c'est mis contre le mur. Mais même après ce boss qui s'est loupé, ils arrivent à rester serein, c'est. Il est exceptionnel, ce mec. Alors, il est exceptionnel. C'est le coréen d'Europe. Il aurait pu tenter d'aliénation, mais le problème, s'il fait ça, il s'expose à une clean spell rapide avant le coup de langue, tu vois. Et du coup, elle arrive à s'extraire. Du coup, le coup de langue était quand même vachement bien. Et puis, il faut savoir un truc, quand tu blinks avec Liming, ça annule le coup de tour en cours. Ouais. Du coup, elle a pris un peu moins cher. Ouais, elle a pris moins de coups. Et en plus, le slow aussi qui passe pas, du coup, pendant moins longtemps, on va dire. Ouais. Allez, le 16, il est là pour les Dignitas. Ça va faire du bien macro glossy hein, pour faire les plays. On a l'exposition nord hein, sur le cône de froid. Qui met les 25 de vulnérabilité pour assurer un one shot. On a vu que même Joanna n'était pas à l'abri. Corsair Easy Camp sur la botlane qui va mettre la pression. Allez, en attendant, il va falloir tenter quelque chose assez rapidement, je pense, côté Dignitas. C'est vu pour le moment. DAK qui peut taper les. Ça, c'est bien, va donner de l'XP mine de rien s'ils arrivent à temporiser.
Jake utilise. Attention, attention, le bouclier, ça craque, craque, ça frappe. Jake est pas bien. Oh, l'extrême onction, ça va le tuer. Aïe, 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 ça va le tuer. Mais l'arrivée de Wooby. Oh, l'onde de choc qui bloque. Oh, bien joué. Falstad qui prend le kill, qui est free DPS. Le silence qui était passé sur Kyosha, il se sert du buzz pour repartir. L'incensi qui est mise de chaque côté. Un pour un. Superbe. Un pour un. Attention, il y va, Snitch, il a raison. C'est bien, mais il a pas peur. Hein. Il a pas peur. Et la Snitch qui monte top. Hein. Il veut surtout pas. Il veut surtout pas que. Que les Genji récupèrent le. Ah non, il va bot. Fight, il va bot. Il a encore son global. Jakan n'a plus son global. Du coup, ils vont mettre Falstad sur la bot lane. C'est chaud, hein. C'est pas fini, hein. Les Dignitas, il lâche rien. Non, non, il lâche rien. Et puis, Snitch qui a fait un fight. Free DPS, là, il a détruit tout le monde. C'est superbe. C'est superbe. Et Kyosha qui s'en sort. On a une game près hein, de dire KR Lou. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas du tout vu. C'est pas du tout vu par les Genji pour le moment. Attention parce qu'ils s'y dirigent. Ils sont que deux, mais avec Jaina ça peut passer. Ils ont raison, il faut tenter ce genre de choses, c'est très important. Ça va être senti, c'est senti quand même. Il y a DAK qui s'est montré, Valsad était bot. Et la Gust. Maltaïl est pas là, Maltaïl est pas là. Et ils vont vouloir finir, il y a la bourrasque, tu l'as dit. Ils vont devoir le laisser. Il est tout seul. L'aliénation de Mi, ils vont devoir l'abandonner. Voilà, bouclier sacré, c'est un très bon call. Ça me rappelle Tempest contre Eroser. C'était un très bon call de la part de Dignitas. Qu'est-ce que c'est bien pensé. Ils ont... Quelle intelligence de jeu là-dessus. Après, il y a leur comme top, attention. Non, mais c'est parce qu'ils ont besoin de. Ils ont peut-être envie de all-in là-dessus. Quoique, ils n'ont plus besoin. Parce qu'ils vont revenir besoin, en structure légèrement. Et surtout. Cette intelligence, en fait... cette intelligence. Non, mais en fait, ils voient le futur. Genji va avoir le 20. S'ils ont le 20, ils vont forcer boss. Ouais, et s'ils ont boss, coup, ils gagnent la game. Et il annule ce boss. Ils et là maintenant, il n'y a plus de possibilité. On peut plus, ils pourront plus faire ce call. Et Genji, c'était vraiment bien fait. Par contre, ils ont perdu un petit peu en structure en échange. Dignitas. Mais au moins, il n'y a plus ce boss sur la map. Et en attendant, le hard qui est fait. Par contre, d'un autre côté, ça va être dur aussi pour Dignitas, c'est de forcer des choses. Parce qu'ils sont toujours légèrement derrière en structure. Et sur cette map, c'est très important hein, les structures parce que. Quand il n'y a plus de T2, bah ça tape le corps. Hein. Après, ça finit par tomber le corps, hein, les objectifs. Et c'était très bien joué d'avoir mis cette bourrasque. Même s'ils savaient qu'il allait avoir la purif, ou même dans tous les cas, si jamais ils le font pas, c'est pas s'assurer. Et ça force une galva instant, ce qui fait qu'il peut pas tenir plus longtemps sur la position. Du coup, il est obligé de reculer. Du coup, ils prennent le point. Et en plus, il écarte Karazim. Donc, elle est isolée, cette Johanna. C'était très intelligent. Même s'ils savaient, bien entendu, que ça passerait pas. Là, faut que Dignitas. Je pense faut que Dignitas fasse encore un move. Offensif, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de boss pour finir la game du côté de Genji. Et ça, c'est très très après, bon. Ouais, mais d'un autre côté, t'es derrière en structure. Donc t'auras pas de boss pour toi non plus, tu vois. Pour ouais, finir. Bien donc, sûr, bien en sûr. Fait, c'est bien, call. Mais ça peut te coûter cher aussi. C'est ça, c'est ça. C'est un call un peu. Au moins, attention. Voilà. Il s'assure là-dessus. Double easy sur la par bot contre, lane. Ouais, il y a possibilité de gratter peut-être le wall mid ou tenter un catch. On voit JP, là, hein. il cherche des options, ouais, c'est ça. Cherche les options, mais c'est bien, ils veulent escorter les deux easycom, du coup 4 sbires de siège. Wooby qui le veut essayer. Le 20 est pas loin de tomber pour les deux équipes. Hein. Vraiment, vraiment ouais, pas loin. Prendre le burst, on prend pas de risque. C'est bien, c'est déjà, c'est toujours gratté, hein. C'est toujours des structures attention, de gratté. Il y a le easy qui, enfin, ils vont prendre même une tour. Et attention, ils sont pas loin du 20. Attention quand même, Malga, parce qu'on est dans une situation où regardez, c'est à Dignitas de prendre des risques bientôt. Ouais, ouais, bientôt ouais. Après, il y a le 20 qui arrive. Oui, parce que. En trade, très bon route au cas où. Et un autre truc qui fait peur là, c'est le niveau 20 de Lemming. Attention, le niveau 20 de Lemming ouais. Là, ouais, qui est très très fort. Parce qu'on a 7 strike en plus, donc on peut punir très rapidement quelqu'un qui se fait ramener par Lemming. T'as vu Sake qui met des. Il arrête pas, il met des. Comme ils vont face check les buissons, ouais, il met quand même des purifs au cas où. Allez, en attendant, oui, parce qu'en trade structure, ce serait l'avantage de Genji. Hein. Les T2 de Dignitas sont mal en point. On laisse le shrine. Ça veut dire Dignitas, la vision. Ah, ils ont le 20. Ça y est, vision, ont le 20. La vision qui est aux mains des Coréens. La purif qui est mise. Sake. Ça, c'est bien. C'est la self-cleanse qui est passée. Sake a mis la sienne, mais c'est. Il n'y aura pas de self-cleanse. Tu l'as dit, pas de self-purif, pas de self-cleanse. Vous prononcez un comme vous voulez. T2 en moins pour le Dignitas. Après, c'est à ce rythme-là. De toute façon, le T2, c'était sûr qu'il allait tomber. On a temporisé jusqu'au bout. Et en attendant Dignitas, le 20, alignation de zone, retour rapide, élémentaire amélioré, silence amélioré, attention l'onde de choc, Poilk, oh Wooby qui vient protéger, le stun qui a été mis sur Kyosha, plus d'onde de choc pendant 15 secondes, pardon. Allez, ils vont le lâcher, ils vont le lâcher. C'est pas grave, il prendra pas normalement le T2. S'il prend pas le T2, c'est bien. C'est bien, c'est un T2 de conseil, attention Wooby, oh l'embras, oh l'enfouissement. L'onde de choc qui va arriver, attention. Ouais, c'est très chaud. Mais là, voilà. Là, ils ont la vision, hein, ils savaient où vous allez. Tu vois, là par exemple, tu peux peut-être force boss s'il y a encore le boss. Là, tu peux pas non plus. Ouais, une 15. Ouais, après, c'est. Tu sais ce que je veux dire. Ouais, mais c'est le all-in de toute façon. On tentait de trap très haut.
Parce que là, on voit qu'il y a de la pression dans la game, parce que justement, il y a certainement, on se commit moins. On fait moins de bêtises, on essaie. Enfin, on tente moins de choses, surtout. Ouais, ça va être senti à 15 km. Ouais, voilà, c'est senti. Mais t'as besoin quand même de les check, bien entendu. Là, Jamesy doit check tous les buissons. C'est ça. Maltel qui va mettre la pression top. C'est vraiment pas mal, ça. Ouais, avec les catapultes plus hardcamp. Ouais, c'est bien vu de la part de Kyosha. Okay. Attention, on peut peut-être le cut. Ah, il a la vision. Et puis la mobilité hein, de Maltel en monture aussi. Hein. Ouais, Riddle. Hein. Un Riddle. Toujours pas de 20. Forcément, Falstad le prendra au moment où il en aura besoin. Kyosha qui check. On check tous les buissons, bien entendu. Même si on voit deux Dignitas top, ça veut rien dire. Il peut y en avoir trois autres qui vont venir dessus. On va faire le easy. Ouais, c'est bon, ils ont la vision sur 3 des 5 Dignitas. Non, ils ont la vision. Je sais pas si Muradin s'est montré. Ouais, du coup, ils sont tranquilles. Ça devrait être monture épique, je pense, cette game. Parce qu'il va falloir tenter des plays agressifs de Dignitas. Peut-être, ouais. Et peut-être que la monture épique pourra donner plus d'opportunités. Le hardcamp qui va être réalisé. Ah non, c'est la Gust améliorée. C'est la Gust améliorée. Bon, ça peut mettre des opportunités aussi. Qui est très forte aussi, hein, clairement. Après, Frénésie Nexus aurait pu être bien aussi, mais on veut En fait, Frénésie, c'est le moins bien parce que t'as pas envie de. Oui. Là, t'as besoin de tenter les choses. Faut après, faire les tout à l'heure, il a. Oh, attention à DAK. Oh. C'est vu par Zelia, Kyosha TST, voilà, Wubi qui va reculer. Après, ils ont envie de fight, hein. Si jamais ils peuvent prendre une fight, ça, c'est pas mal aussi hein, pour les digs. Parce que là, il y a deux hôtels. Deux hôtels, c'est l'avantage forcément des Genji Sports. Ah oui, hein, clairement. Clairement, il faut. Attention, c'est pas mal ça. Tiens, si, la purif. L'arrivée de Wubi. L'alignation, est-ce qu'elle est passée? Oui, elle est passée. Attention, il a purif tout. Derrière, TST qui est pas bien, il a plus de Galva, TST il est pas bien, il a plus de Galva, la purif qui est mise, attention Saké. Le Fly Gust peut-être une Gust Snitch, potentiellement. Oh là là là, c'était bien tenté de la part c'est de pas Wubi. Suffisant. Il y a le boss, hein, il y a le boss Carpop, et ça c'est super important pour Dignitas. Ils auront besoin de ce boss, Malga. Après, ils vont perdre ça va tourner autour, hein. Ça va tourner autour. Jane va aller chercher. Et faut tenter quelque chose. Hein. Ah, ils sont sur les trades, ils vont perdre hein, si ça continue. Dignitas, attention, les attrape. Oh, Jay qui s'en sort. Il a tout claqué. Le silencieux bon de Zelia. Sur quelle personne? Est-ce qu'on pourra aller chercher? On sait pas trop sur qui aller. Le boss, ils veulent lancer le boss. Le problème, c'est que s'ils prennent tous les hôtels, ils vont gagner la game. Hein. Le corps va mourir. Donc, ouais, le boss qui est entamé pour Dignitas. Attention, Liming. Le coup de langue, non, il ne va pas tenter. Avec Genji pendant ce temps, du coup, qui va venir. L'élémentaire d'eau qui va revenir, ça va être très important dans la teamfight. Clairement, ils vont tenter. Du coup, ils finissent les deux derniers T2. Ils vont commencer le corps, du coup. Ok, il faut tomber la galva. La galva, il aurait peut-être pu le tuer, TST. On prend le boss. Attention, les shrines, ils vont finir sur le corps pour pendant ce temps. Les Genji Sports. Stitch qui tue Kyosha. Kyosha qui va tuer, c'est bon. Attention, l'extrême onction qui va peut-être danser. Tiens, ça tient la purif qui est mise. Et ils vont y aller, ils vont call le corps. Les Genji qui vont call le corps. Attention à ça, Dignitas. Zelia qui va intercepter. Zelia qui intercepte. Il reste 20% sur le corps. 10%. Les Dignitas qui n'ont pas pouvoir tenir. Non, ça tient pas. Ah, rien du tout. Aïe, 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 aïe. Et c'est la victoire de Genji Sport. Ah, rien du tout. Après, de toute façon, il y avait Johanna qui allait avec rien du tout. Mais quelle victoire. Ah, et ils vont direct soulever la coupe à 5%. Ah ouais, c'est 5% sur le corps. 5%, quasiment rien du tout. Très bien joué de la part des Genji Sport, bien sûr, qui seront restés. Et mentalement, il fallait trouver les ressources pour tenir face aux Dignitas. Mais qu'est-ce que c'est dur pour Dig. Qu'est-ce que c'est dur. Parce qu'il manquait pas grand chose, il manquait vraiment pas grand chose. Ah là 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 là, et ça fait deux fois 4-3 sur Sky Temple, deux fois Mid-Season Brawl pour Dignitas qui était tellement à rien, tellement à rien. Mes félicitations bien entendu à ces Genji Sports qui ont été juste la meilleure équipe du tournoi. C'est mérité hein, bien entendu, hein, même si. Ah là 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 là. C'est dur pour Dig, mais en même temps, quel parcours. Quel parcours incroyable. Hein. Félicitations à eux. Hein. Félicitations à eux. Et des Genji. C'était. Coron U. C'était le seul titre. Très chaud sur cette finale. C'était le titre. Et oui, ils explosent de joie, bien entendu, parce que s'ils ont failli. Ils ont failli la donner à l'adversaire, cette coupe. Enfin, en tout cas, l'équipe ennemie a failli leur prendre. Et c'est la première fois que cette équipe remporte le Mid-Season Brawl. C'était le seul trophée qui leur manquait. Puisqu'ils avaient tout gagné en tant qu'MVP Black, KSV Black,
Et le seul qu'il n'avait pas gagné, c'était bien entendu le Mid-Season Brawl remporté l'année dernière par Fnatic. Mais quelle finale, Terre! Quelle finale exceptionnelle entre Genji Esports et Dignitas. Oh là là, même Kyosha, regarde, il pleure, les larmes de joie de Kyosha. En même temps, oh, mais regardez-les. Oh, ils sont, mais... Ah, c'était chaud, hein. Même c'est... là, même le call-com, hein, c'était... Ah, ils vont voir les Dignitas, les c'est bien. Mais tellement tendu. Ça, c'est beau, parce qu'avant, c'était prévu hors scène, en fait. Et c'est bien qu'ils nous le montrent, parce que c'était tellement rien. En plus, ils sont potes, hein, bien sûr. Je sais que Snitch et Rich entendent très très bien. Et c'est le sourire, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Ouais, je pense que Dignitas c'est quand même fier de la performance. Bien sûr, sûr qu'on peut être fier d'eux. Bien sûr qu'on peut être fier d'eux. Regarde ça, c'est beau. Genji était tellement... Sake, quel papa hein, qui va aller voir Kyosha en larmes, mais... D'avoir gagné, bien entendu. Ouais, c'est beau, c'est des belles images. C'est vraiment des très très belles images. Surtout qu'il y en a beaucoup qui s'entendent très bien. On se rappellera toujours de MVP Black. MVP Black, Dignitas, il y a toujours eu cette rivalité tout en étant amitié. Alors que Fnatic était plus avec Ballistix en fait dans ce genre de cas. Et ça fait très longtemps, hein, leur amitié remonte à très longtemps. Jake aura fait une finale, mais exceptionnelle. Ouais, monstrueux. Exceptionnelle. Je pense vraiment que le niveau de Jay là, sur ce tournoi, il a explosé. Hein. C'est... Ah, ouais. Oh là là. Ils ont l'air poil en tout cas, qui a le sourire. C'est bien parce que c'était le plus jeune, on va dire, au niveau expérience internationale. Ouais, voilà, on peut les. Clairement, Dignitas comme Genji Esports mérite ses applaudissements. Ils nous ont vendu du rêve, une superbe finale. Et même si, bien sûr, on aurait aimé voir Dignitas gagner, Genji se faire remonter comme sa terre, se faire remonter à l'espace de deux games. Enfin, ils avaient 3 balles de match et à la fin, ça joue à 5%. 5%. Ah, et ben, tu m'étonnes que Sake peut être content. Bravo, un grand bravo à ces deux équipes, c'est un grand moment d'e-sport qu'on a vécu, mon cher TR. C'était sublime, une fin digne de ce tournoi. Ouais, c'était un match très serré, hein. Beaucoup de personnes sentaient le 4-0, hein, mais pas du tout Dignitas qui a fait très très peur au Genji. Clairement, c'est... De toute façon, les Genji se méfiaient, ils l'ont dit, hein, c'était l'équipe qui faisait peur. C'était vraiment l'équipe qui faisait peur à Genji. Ah, il l'avait dit, ouais, il l'avait dit hier. Dans les interviews. Il y avait même eu. Parce que Rich et Snitch entendent super. Joue bien entendu. Et on va revoir les beaux moves. Je vais te laisser en parler. Bien entendu, les derniers. Cette game sur Sanctuaire qui était superbe. Ouais, là, on voit Snitch hein, qui carry la fight avec le shield hein, sur cette Jaina. Puis la Staz pour attraper les Genji. Là, c'était vraiment Snitch le MVP sur cette partie. Incroyable. Top 2. Qu'est-ce qu'ils ont mis en top 2 ? Oh oui, alors Snitch, là on voit justement JPL. JPL qui se fait. Qui va tout simplement tuer tout le monde avec les dégâts de Poel en même temps derrière. La TST qui va se faire stun, il me semble, contre le mur. Oh, et là, il y a Jay, il va détruire tout le monde. Très bon silence hein, aussi, Zalia. Jay. Ouais, il a tué tout le monde. Il les a déglingués et Poel qui les a finis. Et le plus beau plays. C'est peut-être la fin. Probablement sur Sky. Ouais, sur Sky ouais, Temple. C'est... Non, c'est pas la toute fin. Ouais, c'est le fight. Ouais, c'est le fight où ils font le full team Genji. Hein. Parce qu'il y avait déjà un point. Ouais, c'est... Bah, en même temps, c'est vrai que c'est un peu le moment clé de cette partie. Parce que Dig était très bien à ce moment-là. Il y a une auto qui est partie sur. T'as vu la wave pour annuler le coup de langue aussi. Ouais, ouais. Super. Mais il y a une auto qui est... de Snitch qui est partie sur Rich au lieu de Maltel. En tout cas, je sais pas sur qui elle est partie, mais elle est pas partie sur Maltel. Et ça joue à une auto, hein. Ça joue à une auto, surtout qu'il a. Enfin, il a le marksman, hein, donc il fait très très mal, même s'il n'était pas stacké à ce moment-là.